Va te faire enculer. Le retour du roi. Trois ans. Va te faire enculer. Super. Va te faire enculer. C'est quoi ça? Va te faire enculer. IES putain. Va te faire enculer. Nonoc. Va te faire enculer. Sympa. Les gars. Va te faire enculer. Va te faire enculer. À terre, à genoux. Je vais demander à tous les streamers là qui sont en live là en ce moment, à genoux s'il vous plaît. Vous vous mettez accroupi en fait. Accroupi. Y a qui en ligne là? Va te faire enculer. Qui est en ligne? Non. Vodka Z accroupi. Va te faire enculer. Flambi accroupi, étoile. Non, étoile à terre. JL Tommy à terre là. Wonkill Studio à terre. Samuel Etienne à terre là. Papsan à terre, on s'en fout de Michou hein. Ouais, Michou, je suis en ville là. Regarde, c'est le restaurant que je vais tout le temps. On s'en fout de Michou. Je crois qu'il va falloir dire la vérité. On s'en fout de Michou. Il y a quelqu'un qui en a quelque chose à foutre de la vie de Michou là dans le live. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de Michou. Voilà, merci à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. C'était bien votre event de merde hier? Il était bien? Comment ça, on m'entend mal? C'est pas le bon micro, peut-être. Ah, ah, ah. Non, c'est bon le micro, qu'est-ce qui me fait chier. Ah, il clash direct. Mais tu crois que je vais faire quoi d'autre? Mais Potard, en fait, il vit que par la haine, en fait. Il vit que par la haine. Je dis pas non. Je dis pas non. On m'entend très bien, tant mieux. Tant mieux. Comme d'habitude, allez. Eh, hey, au moins les gars, il n'y a pas Grim Cujo et Théorus pour sucer, là, je peux dire ce que je veux sur le GP Explorer. Là. Va te faire enculer. Ou en kill 2. C'est bon, je peux tout dire. C'est bon, vous avez changé d'avis? Il a fallu que vous vous rendiez compte que c'était nul pour changer d'avis, c'est bon? On va plus me traiter des gris. J'ai le droit de le dire maintenant? C'était pourri? Non, j'ai le droit? On est entré gris ici, les amis. On est entré gris. Regardez Jojo Bads. Il me paye pour que je sois gris. Il me paye, il me donne de l'argent, il est gentil, Pablo Stappen aussi, il est gentil, il dit « Vas-y, insulte-les, ces youtubeurs de merde. Vas-y, mets un coup de pied dans la fourmilière pour t'as bousillé. » Voilà. Vous voyez, c'est un métier comme un autre. C'est un métier comme un autre. Il y a des métiers voilà, comme les autres, il y a pédophile par exemple, que Tibro fait beaucoup depuis un an et demi. Ça paye pas très bien puisque tu peux te faire choper. Et puis il y a aigri comme moi. Voilà, donc je suis très content de ce métier. Pipo avait trop hâte. Bon, non, mais Pipo, il a arrêté de regarder ma chaîne, je pense, parce qu'à chaque fois que je parle de lui, je l'insulte. D'ailleurs, Pipo Best of, enculé, tiens. Allez, hop. Wouh. Boogie Wonderland. Bonjour, carte CCB, GP Explorer 2. Très bien dit, en fait. Très bien dit, Magan. L'accident du GP émoticône pleurant. Non, s'il vous plaît. Attendez, parce que moi, je veux soutenir quand même. Pousse-toi, toi. Le retour sous du slim. Est-ce qu'on peut un mur de soutien quand même? Parce que. Il y a peut-être. Attendez, je mets dans l'échelle de la gravité. Je crois qu'il y a le 11 septembre. Le 11 septembre. L'Holocauste. Et je mets peut-être cet accident que j'ai vu hier. Allez,
C'est arrêtez de pleurer, les gars. Arrêtez. Courage. Va te faire enculer. Tenez bon, hein. Tenez bon. De racisme, youpi. Oui, je me suis fait plaisir. J'ai lu les cités hier sur le tweet. Et je pense que le monde est dans la merde. Et que... Je t'emmerde bien profondément. Je pense qu'il y a une maladie mentale qui est en train de se créer en France, qui est de pleurer. Je t'emmerde. Pour des influenceurs. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, pendant ce temps-là, je pleure sur des vidéos où il y a des animaux qui sont pas, qui se font pas prendre au bon, je sais plus comment on dit le mot. Dans les garderies là, d'animaux. J'ai pleuré tout hier à cause d'Instagram encore. Vous savez, c'est ces enculés sur Instagram. Ils foutent un animal. Et on le voit, ça fait 500 jours qu'il n'est pas pris. Bon, je préfère pleurer pour ça. Hein. Vous m'excuserez de ne pas pleurer pour les billionnaires qui font des virages, là. J'en ai un peu rien à foutre. Mais bon, chacun son avis. Moi, j'ai le cœur à Tony Soprano, en fait. Je sais pas si vous savez, moi, je pleure pour les animaux, en fait. Bien dit, mais j'ai envie de dire ça. Mais bon. Pendant ce temps-là, les conducteurs GP Explorer, j'en ai rien à foutre des orang-outans, je le bouffe, ce Nutella-là. Hop là, qui a dit ça? Qui a dit ça, là? Putain, c'est qui balance comme ça, là? Bon, bref. On arrête. Ah, désolé, j'étais pas là pendant un mois, en fait, parce que j'étais en train d'enterrer la mère d'Hugo. Qui est très bonne. Qui est très très bonne. Non, mais bon, c'est quand même marrant que les gens, ils se foutent de la gueule des fans de Poupette Kenza, ils font exactement la même chose avec quelqu'un d'autre, quoi. Ça valait le coup de vanner les fans de Poupette et de chialer pour des gens qu'on connaît même pas, mais bon. Écoutez, let's get it. C'est la boucle, c'est la boucle. Je vais vous apprendre un truc, ne pleurez jamais pour un influenceur, on en a rien à foutre. Va te faire enculer. On en a rien à foutre. J'en ai vu un hier, on était en live avec Hugo. Hugo, ça va le faire rire. Bon, ça me fallait pas bien, ok. Et bon, moi j'ai dit bon courage, parce que bon. Mais il y avait des mecs après dans le chat, ils mettaient, dans le chat Hugo, ils disaient j'espère que elle va s'en remettre, sinon je vais pas être bien. Mais tu sais que c'est pas ta femme, en fait. Je sais pas si t'es au courant. En gros, Emmanuel, c'est la femme d'Hugo. C'est pas la tienne. Donc, mais bon, c'est des gens bizarres, hein, comme ça. Elle va bien, Reine Leila, Terra. Elle va bien. J'espère qu'elle va bien, parce que si ça va pas bien, moi je ne vais pas bien. Je préfère pleurer pour les Marocains. Bien dit. Bien dit. Mais bon. Mais bon, tant pis, c'est comme ça, c'est le monde. C'est le monde qui a décidé de chialer pour des gens comme ça, on s'en fout. Pota est mort là, non, ça va, je suis vivant là. Je suis vivant. Quand la reine est en colère, je suis en colère. Bien dit. Non, mais écoutez, attendez, parce que moi j'en profite, hein. On m'a traité des gris là sur le chat de suceur de Grimm, de Zen là. Grimm, il a chopé tous les viewers de Zen là. Non mais sérieux, sérieux. Déjà la première, attendez, la première édition du GP. Écoutez, la première édition du GP, j'ai beaucoup aimé c'était quand les voitures ont roulé là. Cette époque, je me sens vraiment comme Michel Sardou. La première édition du GP. Et je vais couper les alertes si je peux pas parler. Hein. C'est gentil, mais bon, train de la hype niveau 11. On va voir jusqu'où elle va aller, Anne. Hein. Bon, je finis ma phrase. GP Explorer 1, les gars. Toi, coupe-moi encore la parole, salope. Vieux. Bien dit. GP. Chirgi. GP Explorer. Bon, c'est. Hey, les gars, c'est September. September, les gars, régalez-vous. September, les amis. Je suis pas revenu pour ça. Hein. Non, qu'est-ce que je voulais dire? GP. Le Reyour. Non, je vais couper, je peux pas parler. Va te faire enculer. Ta gueule, je vais te foutre une claque dans la gueule, espèce d'enfoiré. C'est bon? Ok. GP Explorer 1, les gars. GP Explorer 1. On est d'accord que le GP Explorer 1, tout ce qu'on a retenu du GP Explorer 1, c'est juste que c'était bien produit. C'est-à-dire que le GP Explorer 1, on était choqués, on se disait « Ah, wow !» Mais après, ce qui s'est passé dans le GP Explorer 1, C'était nul. Regardez, j'avais vu un trade sur les clips du GP Explorer 1. Nul. Rien de spécial. Est-ce que vous en souvenez du GP Explorer 1? Vous vous dites, ah putain, ah ce moment-là.
Attends, bah il s'est rien passé en fait. Ils ont fait des tours et il y a Villebrequin qui a gagné. Voilà. Donc moi je me suis dit, à quoi ça sert de faire le 2 si c'est la même chose en fait. Si c'est la même chose, parce que le 2, tu aurais même plus le choc du que c'est bien produit. Et puis tu, ben il y a rien d'autre en fait. Il y a rien d'autre. Et dites-moi qui faisait des pronostics avant le GP Explorer 2. Ils se disaient qui était là en mode vas-y, je me demande qui va gagner. Personne n'a fait ça. Tout le monde en avait rien à foutre. On s'en fout de qui va gagner en vrai. Alors que par exemple, regardez le Eleven All Star de Amine. Amine il est plus malin parce qu'Amine déjà il fait un truc sur le foot. Par exemple, regardez juste un truc. Un mec, il est nul à la Formule 1. Il va juste mal conduire. Et puis voilà. Un mec est nul au foot. Zach Nani qui fait un tacle débile et tout le monde rigole. La différence, elle est là. C'est que vas-y, c'est nul en fait la Formule 1 pour rigoler. Je trouve ça nul. Et en plus, ce qu'il y a de pas intéressant, c'est que en fait, quel est l'intérêt de voir, tu vois, même pour le fan de F1, quel est l'intérêt de voir un mec qui conduit moins bien qu'un pro? Tu vois, c'est genre, ouais, il va juste mal conduire, même si t'enlèves la blague qu'on faisait de l'accident. Tu sais, on se disait, oui, s'il y a un accident, ça sera drôle. Vas-y, on la met de côté, cette vanne. Parce que c'est en mode, c'est de rigoler qu'il y a un truc, machin. Même s'il y a l'accident, il y a quoi de drôle dans l'accident, en vrai? C'est nul. C'est nul. Alors que, par exemple, dans le foot, un mec qui tombe, un influenceur qui tombe, là, c'est pas du tout pareil parce qu'il y a le corps, on voit son corps, c'est inédit. Alors que dans une voiture, il y a tout le côté. Bon, bah, il est dans une voiture, donc qu'est-ce que tu veux dire? Oui, mais un event box. Non, mais Déo, regarde, écoute-moi bien. C'est là ils m'ont fait chier quand j'étais chez Grim parce que c'est des suceurs de bite chez Grim. Regardez. Squeezie, pour une fois dans sa vie, il se met un petit peu en négatif dans son fric. Parce que là, je rappelle, il ne s'est pas mis en négatif. Je pense qu'il a gagné beaucoup d'argent encore. Vous avez vu le prix du GP? Je ne sais pas combien ça a coûté, mais c'est 6 mois d'entraînement, c'est 6 mois de trucs. Ok, on enlève tout ça, on fait un total whip-out. Ok, pour une fois, Squeezie va se mettre en négatif peut-être sur un projet. Ok, il dépense trop d'argent sur un projet. Ok, ça va coûter cher de faire les structures et tout. Mais le nombre de clips sur un total whip-out, quoi. C'est au lieu de donner tout l'argent, au lieu de mettre tout l'argent qu'il a mis dans un total, dans un GP Explorer, mets-le dans un total whip-out. Non, mais franchement, j'en ai rien à foutre d'une course, franchement. C'est des... Y a rien d'intéressant. Franchement, il n'y a rien d'intéressant. Je trouve ça nul. Et moi, j'ai pas attendu de le dire quand j'ai vu le live. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe de plus? Ils vont tourner et puis... Franchement, le bouseux, il va faire des tours, quoi. Bon. Moi, ouais, c'est tout. Ça m'intéressait pas. Mais bon, si après, ça vous hype ça... Moi, je pense surtout que c'est un effet de... C'est de hype, vu qu'il y a de la hype sur l'événement. Ils ont fait de la pub. Ben, les gens, ils viennent sur le live et tout. Et voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de stars et il y a beaucoup d'influenceurs, mais en vrai, dans le contenu en lui-même, le GP Explorer, c'est nul. En vrai, c'est nul. C'est nul et je comprends pas pourquoi on dépense autant d'argent pour ce truc et qu'en plus, vous sucez un event qui est pas si fou que ça. Genre, moi, je vous jure que le battle card de Théorus, je pense qu'il y a plus de clips drôles que sur le GP, franchement, je le jure. Regardez, la preuve que l'event était nul, on a plus parlé d'un drama entre une meuf et un mec parce qu'elle a fait un accident que du contenu lui-même. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Est-ce qu'on a parlé de l'événement? Est-ce qu'on s'est dit, oh putain, c'est ouf, je sais même pas qui a gagné, hein, j'ai pas... Qui a gagné? Quelqu'un sait qui a gagné déjà? Quelqu'un est au courant? 1 million de viewers, il y a personne qui sait qui a gagné. De Piello. Ok. Bah, franchement, on l'applaudit, mais on en a rien à foutre, en fait, parce qu'il y a eu un drama pendant un jour sur Maxime. Et une meuf qui se fait chier dessus. Bon. Voilà, hein. Donc... Non, mais en fait, regarde, ZigTime, tu dis, on comprend rien aux règles. Mais je suis sûr que même un mec, c'est ça que je dis, même un mec qui est fan de la discipline,
il est fan de la discipline, de la de la F1. Ça sert à quoi de voir des mecs pas forts, en fait, qui font mal de la voiture? Autant regarder un vrai tournoi, du coup. C'est ce que je vous ai dit, il n'y a rien de drôle, en fait. Un mec nul au foot, par contre, ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle parce que, vas-y, il va tomber, il va faire des trucs, on va le voir faire une passe de merde. Ah, ça, c'est plus drôle. Alors qu'au de la F1, bon, voilà. Mais bon, je m'en fous, moi j'assume, vas-y, fous ton clip sur TikTok, j'en ai rien à foutre. Chiez-moi dessus, je vous baise. Je vous baise. Je m'en fous. C'est pas parce que tu vas sucer ton influenceur préféré que ça a changé mon avis, suceur. Suceur, le mec sur TikTok. Regardez, il s'apprête à défendre. Il s'apprête à défendre Squeezie, là. Oula. Oula, tu fais une grave erreur à t'attaquer à Squeezie. Tu peux te remettre les dents en place parce qu'il va te les péter. Ah là là. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Oh, le live acting, ça date de un mois, il est déjà plus drôle que le GP. Chut. Coucou, Spanier, Squeezie. Tu vas à la niche. À la niche, Squeezie. À la niche. Faites pas attention à mon dégradé d'il y a un mois, c'est une catastrophe. Hein. C'est pour ça que j'ai pas live, hein. C'est pour le coiffeur qui m'a raté. D'ailleurs, faut que... Putain, mais ça télécharge encore. Ah non, c'est bon, le jeu il est téléchargé. Et quand Hugo il a terminé sa douche, on lance le jeu. Je vais jouer à Silent Hill 2 aujourd'hui. J'ai essayé le 1, il était trop dur. Bon courage pour ta carrière. Merci. Merci, elle s'apprête à être longue. Elle s'apprête à être longue. Voilà, j'ai tout dit ce que Locklear il voulait dire. J'ai tout dit ce que Locklear il voulait dire. De toute façon, Squeezie, il peut plus rien faire. Là, il est ruiné à cause de Steven. J'avoue. Mais là, il doit être à... Les gars, ceux qui bossent, qui ont été influenceurs dans le chat, il doit être à 1500 sur son compte, non? Je mets... Non? 1500 euros, là. J'espère qu'il a assez pour la retraite, hein, le pauvre Squeezie. Mon rêve, Squeezie Fauché. Tu sais que ton rêve, Squeezie Fauché, Julio, il vient dans la cacabox et il commence à dire des trucs racistes, hein. Ok, tu me trompes. Non, mais Remly, on va jouer à Silent Hill là. Mais à la base, il devait y avoir un tournoi caca-box. Mais il y a Link qui a décidé de revenir. Oui, vous pouvez le huer, oui. Oui, il a décidé de revenir alors qu'il y avait un tournoi caca-box. Mais moi, j'avais prévu de live. Donc tant pis, hein, je vais faire Silent Hill 2, hein, faites pas chier. Mais il m'avait invité en plus, Squeezie là, au GP. Mais bon, il y en a qui ont été dans le live là. Un peu la flemme d'y aller, hein. Je serais pas allé, de toute façon je vais pas faire l'hypocrite, je vais pas y aller alors que je trouve ça pourri. Il y en a bien un qui est allé dans le chat là. Il y en a bien un qui est allé. Vous avez pas croisé Cyril MP4 qui a pas d'amis et qui a fait des stories pour montrer qu'il y était, pour faire genre en mode il est un petit peu à la mode, mais en fait personne l'aime ce mec, non? Oui, j'ai fait que critiquer. Ah, j'avoue, je serais peut-être venu pour chier sur la course pendant une heure, pendant qu'il y aurait eu tous les suceurs à côté de moi dans la rangée. Oui, mais pourri. Cyril est encore dans un caca. Pourquoi on dirait que j'ai de la morve, là? Ça commence à m'énerver, là. Bon, c'est chiant. Trop aimé te voir avec JMK, c'est trop dommage. Je connais pas ce mec, désolé. Je comprends pas pourquoi Squeezie a pas fait de sketch, etc. Bah, j'avoue que je m'étais dit, ok, c'est la même chose que le 1. Ils vont quand même faire des happenings. Le happening en question. Grim, tu peux faire le noir de 3 minutes sur le live? Parce qu'en fait, tu nous fais pas rire, en fait. Allez, Grim, il est juste dû pour ça, quoi. Donc, bon. Non, en vrai, j'ai pas vu, mais je sais qu'il est passé que 2 minutes, donc je sais pas, ça avait l'air pas fou. Et du coup, ils ont pas mis... Désolé, Chironi, mais j'ai l'impression d'avoir un... Je vais moucher. J'ai pas de... Non, qu'est-ce que je voulais dire? Attends, et du coup, ils ont pas amené Papsan? Ils ont pas amené Papsan? Non, ok. Bon, peut-être que l'année dernière, il avait parlé du cul des streameuses, donc peut-être qu'ils l'ont,
Ils l'ont évincé cette année. C'était Hakim. Hakim Jimini. Bah là, ils ont déterré. Mais ils sont fous, quoi. Hugo tout seul aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent, là? Qu'est-ce qu'ils. Mais pourquoi Déo te. Ah non, Déo, il parle de quota. Mais Déo, t'as pété un plomb, quoi. Tu veux plus te faire inviter au Among Us de Squeezie? Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, je suis plus invité. Déo, ça y est, là. Là, il est en train de se dire: bon, j'en ai plus rien à foutre de ma carrière. De toute façon, ouais. Ras le cul de faire semblant. Déo, t'inquiète pas, il y a aucun gros streamer qui vient sur mes lives. Domingo, je sais que t'es là. Ouais, ils doivent venir peut-être. Si vous voulez, j'ai d'autres balles à tirer là. Quand j'étais pas là, j'en notais des fois. J'en notais, c'est quoi ça? Non, je veux pas tirer une balle sur lui. Pourquoi je l'ai mis en favori? Ah si, c'est un soutien. Tous les suceurs de bites qui ont sucé ce que je disais. Voilà, vous voyez ce que je vous disais? Que les gens, ils te traitent des gris, et après, quand la vie il devient générale, ils sont d'accord avec toi. Ok? Ça, c'est le phénomène que je connais sur Internet depuis 4 ans maintenant. C'est au début, ils disent « t'es gris », et après, dès que tout le monde le dit, ils se disent « Ah bah, je suis d'accord, en fait, je suis d'accord. » Voilà, les suceurs de bites comme ça, là. Voilà. Eh ben, vous savez quoi? Le contre-pied, les amis. Voilà. Ça, là. Et l'autre tapineur qui fait les tapines sur Ponce et qui répète tout ce que je disais il y a 2 ans. C'est parti. Et bienvenue, messieurs, dames, sur ce live. Là, il fait un challenge. Eh ben, vous savez quoi? Soutien à Ponce dans le chat. Soutien à Ponce. J'adore ce mec. Voilà, soutien à Ponce. Voilà, fuck les gens sur TikTok qui font des tapines sur toi. Bravo à Ponce. Voilà. Team Fleur, voilà. Tous les tapineurs de merde qui ont attendu 2 ans en attendant que ça fasse des vues sur TikTok. Voilà, je vous baise. Et l'autre pareil, là, l'autre qui a les cheveux longs, arrête de répéter ce que je dis, essaye de... Ça se voit clairement que tu répètes tout ce que je disais. Hein. C'est pas grillé, mais bon, si t'as un salaire à te faire sur TikTok, enfoiré, va. Enfin, bref. Ah, mais moi, je suis une fleur, hein, depuis le début. Depuis le début, s'il vous plaît. Bro fils, les gars. On colle son fils contre l'écran. Voilà, on le soutient. Merci à tous ceux qui l'ont soutenu. Oh, je regarde un clip et je dis rien, ok? Je regarde un clip et je dis rien parce qu'il date d'il y a 1 an. Ok? On verra si je dis rien. Je vais essayer de rien dire. Ok, je fais un challenge, je dois rien dire. Je dois même pas répondre. C'est un clip qui date d'il y a 1 an. Mais je l'ai vu il y a pas longtemps. Ok? Donc, je me fais un défi. Par contre, j'ai un truc dans le nez là, c'est une bombe explosive. Je dis rien, les amis. Ça date d'il y a 1 an. Les gars, moi, vous me connaissez, je réponds pas, moi. Il y a Flounce qui était en full masterclass, là. Qui disait Poncefest et Antoine Daniel au flop event. Et le seul message qu'il avait mis dans le chat avant, c'était Cacabox. Putain, trop bien joué, mec. Putain. Tu représentes bien tes gens, tu vois, je trouve. Tu représentes bien tes gens. C'est tellement ça, en fait, tu vois. Je peux répondre à... un an en retard, je peux répondre ou pas? Je peux dire quelque chose? Je peux répondre à un petit coup quand même, même si ça date d'il y a 1 an.
Antoine, et quand il y avait des racistes qui disaient que c'était le zoo aux Z-Event, c'était... Il représentait bien tes gens aussi, ou... Hein, les mecs d'extrême droite dans votre chat qui détestent les Arabes, ça vous représente bien ou pas? Non, comme ça, vu que apparemment un viewer représente toute la commu. Antoine, quand tu disais au chat dans un Fall Guys, un Twitch Rivals, hein, tu t'en rappelles quand on était avec Terra et on n'avait pas fait exprès de leaker le code et que tu disais à ton chat d'aller dans le chat de Terra pour le faire chier. C'est nous qui avons harcelé là. On représente bien nos gens alors que nous on disait n'allez pas chez Moment et n'allez pas les faire chier. Bon, mais bon, ça doit être nous les méchants. Ça doit être nous les sales méchants. On représente bien nos gens, les amis. Oh, bien. Non, je réponds pas. Je peux pas parler. Non, mais bon. Apparemment, un mec dans le chat, ça représente toute la cacabox, les amis. Ok ? Attends, vous savez. Bon, je vous rappelle, hein. De toute façon, vous le savez tous, hein, moi, à chaque fois, je vous dis, hein, à chaque fois qu'il y a un misogyne dans le chat, c'est vrai qu'on est tous en train de l'applaudir. C'est vrai qu'en plus, Grimm, quand il a un message raciste, on est tous là en mode « c'est mort de rire, mais bon. » Mais bon, c'est des mecs... voilà. Merci, Tagonix, pour les 10 subs. Bah, disons que t'es misogyne, Tagonix, ou quoi, là? T'offres un sub, des subs à la cacabox. Ah bon. Tu représentes bien tes gens, toi, Tagonix. Tu représentes bien tes gens. Il représente bien ses gens, lui. Enfin, au moins, nous, on n'a pas pris l'avion pour faire une OP à 50 000 euros à Vegas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, la planète. Alors, hé, les gars, on trie ses déchets, par contre. Hein. S'il vous plaît, dans le chat, on trie ses déchets. D'ailleurs, allez, j'en profite, allez, une autre balle. Vous êtes prêts ou pas? La honte totale, regardez la honte totale. Ça, je l'ai vu, j'ai halluciné par contre. Non, bon, j'ai halluciné. Ça va, allez. Ok, JDG a été ban une semaine. Une semaine, voilà, ouais, avec le truc de n'importe quoi, là. J'ai halluciné en voyant le clip. Regardez. Regardez. Fred, je le vois modulé, mais je l'entends pas. Ah, parce que je l'avais mis à zéro. Ah, mais vraiment, vous m'avez vraiment mute. Vous avez vraiment cru que genre je passerais la dernière fois pendant que vous jouez. Mais non. Vous vous rendez compte? Ils l'ont mute tellement ils sont matrixés par leur carrière. Ils ont mute un de leurs potes. Ils ont mute un de leurs potes pour faire attention de pas se faire ban. C'est une folie quand même. C'est une folie. Pendant ce temps-là, nous, Théo Russe, quand il était ban, il venait avec un voice mode et il disait n'importe quoi. Voilà, mais c'est une folie quand même. Ça veut dire... Non, les gars, c'est encore pire. Ça veut dire qu'ils ne se parlent pas du tout hors stream. C'est-à-dire que, genre, ils l'ont jamais démute pour parler hors stream. Genre, c'est-à-dire qu'ils ne se parlent que en stream. Mais bon, c'est des potes. C'est une dinguerie, ça. Franchement, j'ai halluciné. Je me suis dit, putain, mais vous mutez. On est à ce niveau de matrixage, là. Genre, vous êtes des... On n'est pas dans une entreprise. C'est bon, hein, c'est pas grave. Hein. Ah putain, c'est une folie. Terra, il est ban, on l'a pas limite de la semaine. Terra, quand il avait été ban deux semaines, là, ou une semaine encore, on l'avait laissé. Je crois qu'il était même venu en vocal. Ça parle une fois par semaine. Les conversations hors stream. Et du coup, combien de subs ce mois-ci, toi? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouh, la courbe a monté, tiens. Ok. Bon, bah, bonne nuit. Toulou. C'est juste des collègues de travail. Bon, bah, ça, c'est une autre façon de vivre les choses, mais bon. Pendant ce temps-là, Tibro, Dago et Jean, qui se font des bisous en Bretagne.
Bon, j'ai pas pu y aller, les gars. C'est... Mais les gars, moi, pour aller en Bretagne, c'est 9 heures de train, frère. J'y serais bien allé, mais bon. J'aimerais bien embrasser Tibro, là. J'aimerais bien embrasser Tibro. Merci, Antoine Fa, pour les 20 abonnements. Tu sais que tu me payes le loyer, hein. Vous me payez le loyer, là. Hein. Merci beaucoup, les gars. Non, ce que je voulais dire, c'était... Je voulais déjà montrer une vidéo Tibro. Bon, tiens, on en profite, on parle. Parce qu'il y a Hugo, il est en train de chier une belle merde, là. Il me dit... Ah non, il est là. Attendez. Je regarde juste... Heureusement, il y a Dago qui vient de mettre une bite. Attends, j'ai des vidéos de Tibro, là. Regardez. Vous êtes prêts ou pas? J'ai quelques vidéos de Tibro que... Désolé. Attends, Jojobad, il a offert. Jojobad, merci. Merci pour les September. Merci, les gars, pour ceux qui offrent des subs. On va streamer ce mois-ci. Fais un room tour de ton appart. Et tu peux filmer le trou du cul de ta mère, qu'on rentre dedans et qu'on regarde un petit peu les interstices et tout. Connard, va. J'ai pas envie de faire un room tour. Attends, c'est ça ou pas? Regardez. Ça, rendez-vous compte que si j'étais avec Tibro, je ferais des vidéos comme ça avec lui tous les jours. Vous êtes prêts pour la présentation? On me parle du GP Explorer pourri, regardez ça. Ah, je me le remate. Avec le téléphone. En plus, Dago, il a un téléphone catastrophique. Je sais pas si vous voyez, il y a des taches noires sur son objectif. Cet abruti, là. Regardez, ça fait un visage. Regardez, on voit deux yeux, là. Tellement son objectif, il est pourri. Bref, j'aurais aimé les voir, mais bon, 9 heures de train, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et d'ailleurs, je vous mets l'image. Attends, je vous ai mis l'image pour le stream, quand même. Hop, je vous la mets là. Je vous la mets pour vous donner un peu de courage. Hein, parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas remis hier de l'accident de Maxime. Et je vois encore des larmes dans le chat. Courage, les gars. Tibro vous fait un pouce. Tibro vous fait un pouce. Hein? Ça va? Vous vous êtes remis? D'ailleurs, j'ai vu un tweet de Bacabou qui disait... Ouais, faudrait inviter plus de meufs dans les events. Et en fait, ça permettra qu'il y ait moins d'insultes sur les streameuses. Alors, je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que surtout que c'est une question d'éducation. Quand t'en es à un point d'insulter une meuf pour défendre Maxime, il faut se faire soigner mentalement. Hein. Je pense pas que c'est parce que tu ramènes Magla sur un live que ça va modifier l'éducation des gosses qui insultent des meufs juste pour un event de voiture. Hein. Mais bon... Juste pour ça, je réponds à ça, parce que n'importe quoi. Hein. En mode, ça fait pas un an qu'il y a plein de filles qui sont invitées dans des events. Je pense d'ailleurs que nous-mêmes, nous, la Cacabox, vu qu'on vous insulte souvent, là, on vanne souvent les misogynes FC, mais je vous jure, hey, vous pouvez dire ce que vous voulez, j'ai plus insulté les misogynes FC que plus de streamers. Hein. En vrai, j'ai fait un mème dessus pour foutre de leur gueule. On les vanne tout le temps dans le chat avec Hugo. Avec Hugo, on va tout le temps notre chat. C'est pas le cas de Terra. Mais avec Hugo, on vanne tout le temps nos gars dans le chat qui font des blagues pas drôles. Non, je suis désolé, en vrai. En vrai, on est plus féministe que certains. Hein. Mais bon. Vu qu'on dit des grossièretés en live. Ils sont pas gentils. La cacabox, c'est du caca. Bon, c'est une imitation de quelqu'un au hasard, je sais pas qui j'ai imité. Attends, il y a un mec qui m'a mis juste un event de voiture, pota. Mais tu es fou. Ce ne sont pas que des voitures, ce sont des beautés mécaniques, des joujoux avec 6 vitesses, un rêve sur 4 roues. Écoute, va voir le film de Ducournau là, avec les bagnoles, là, et va enculer le pot d'échappement de ta Porsche et nous fais pas chier ici. Hein. On en a rien à foutre de ta bagnole. Il a lâché son gros sperme. À l'intérieur du pot d'échappement, il vient me parler, là. Beauté mécanique. Beauté mécanique, mais t'es malade ou quoi, là? Mais il est fou, lui. Bon, je vais me démuter. Qu'est-ce qu'il veut? Attends, qu'est-ce qu'il veut, là, salope? T'as bah chié une belle merde? J'entends le son, il faut que j'aille enculer ma voiture, c'est ça, hein? Oui, mais il y a un mec qui... Mais pota, beauté mécanique. Mais pota, mais...
Non mais ce mec il fait partie de la méta Gibbs. Il fait la méta Gibbs. Il insulte ses viewers. C'est la méta Gibbs. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Non mais t'as pas vu parce qu'il y a une meuf qui a insulté un viewer comme nous on aurait pu le faire et la pauvre elle s'est faite niquer dans tous les coins en mode ah mais tu fais elle copie la méta Gibbs. C'est obligatoire. Ah mais c'est parce que c'est lui qui a inventé les insultes aux viewers. Ils aiment pas que les meufs insultent. Oui, voilà, c'est ça. C'est... Dans... Qu'est-ce que j'avais vu ? Dans une si belle bouche, des horreurs telles. Oh là là, on est en 1960, va te faire foutre. Cette bouche ne sert pas à diffuser des insultes, mais sert à m'embrasser sur la bouche. J'ai besoin d'amour. Donnez-moi des photos de chats. Ces si belles mains ne sont pas faites pour jouer à Counter-Strike, mais faire la vaisselle. C'est vraiment exactement ça. Hein. Ah, la méta-gibs, ouais, bah, hein, vu qu'il a inventé les insultes. Bon. Les vieux. La méta-gibs. Oh, oh, oh. Vidéo, j'insulte depuis 2017. Eh oh, ici. J'aurais trouvé MDL, mais ça marche ou pas ? T'as testé ? Non, mais attends, mais... J'ai trop peur qu'il y ait un truc qui sorte de mon nez, là. Ah, moi, l'autre soir, j'ai rigolé d'un coup et j'ai eu Hnouna qui est sorti. Il y a un mec qui l'a dit, j'aimerais trop qu'elle m'insulte comme ça. Bah, ça, c'est un autre problème, toi. Hein. Bon, bah, ça, par exemple... Merci, Julie. Je connais un streamer qui avait dans ses favoris une recherche... Femdom, il parle de... il parle de qui ? C'est ça. Faut que j'évite de me mettre de côté parce que mon dégradé est catastrophique. Hein. Oui, bah t'inquiète donc pas. Moi, je suis allé chez un couptif, il m'a pris 50 balles il y a 2 mois, c'est une catastrophe le repousse des choses. C'est parce que c'est toi, c'est les coiffeurs de village, non ? Non, même pas. Je suis allé à un barbershop la première fois de ma vie. Je barbershop pas... Dis-toi, devine combien de temps j'ai passé. Barbershop, il offre un milkshake à la fin de la truc. Finition manuelle. Devine combien de temps j'ai passé sur la chaise du barbeur. Devine, vas-y, c'est vas-y, du jamais, vas-y. Jamais vu. 1h27, 1h27 pour ma coupe. Wow, genre en mode... Il t'a fait le logo énergie douce sur les contours ou quoi là ? Il a fait que de me parler et tu sais, au bout de 20 minutes, je me suis dit « Ah, il est sympa » et à un moment, il me fait « Ouais, tu sais, c'est pas facile, passer par la drogue et tout. » Je fais « Oula, bon allez, c'est parti. » Donc à partir de là, dès qu'il me parlait d'un truc, je leur lançais en mode « Ah ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. » Moi, je te montre mon barbershop. Alors, il coûte un peu cher, 350 euros. Mais je peux te dire que les coupes de cheveux sont quand même sublimes. Ouais, c'est super bien fait. Hop, madame. Eh, dis donc. Mais base. J'ai pas demandé un shampoing comme mais ça. Mais putain, t'es sérieux de mettre ça en live ? Mais non, c'est fini ta chaîne. C'est fini ta chaîne. Non, mais on est où là ? On est où ? C'est la méta Gibbs. Ah, d'ailleurs, toi. On en profite, on fait un petit... Je l'avais mis sur... pas faire chier longtemps. Ouf, c'est juste sur les... Vous savez, sur le CCB Acting. Oui. Bon. Parlons-en vite fait. On en parle vite fait parce que... En fait, si je le dis tout seul, je sais très bien comment vous allez dire. Vous allez dire que et je suis aigri. Pour un aigri. Alors que Jean est d'accord avec moi, etc. Et tout. En gros, le problème, c'est que vous faites un peu comme le chat de Madrose à un moment... C'est que vous faites des clans ou des individualités. Vous mettez sur des piédestals, en fait. Voilà. Et en fait, c'est un peu chiant parce que bah on est un groupe. Donc, surtout, particulièrement, sur ce live-là, parce que je trouve que ce live-là, c'est incontestable que... Vas-y, tout le monde a été drôle, genre. C'était clairement, chacun a eu son moment. Même vous voyez ce qui pas se passe l'objectif. Au GP Explorer ? J'ai pas envie qu'il se passe ça. Genre des gens qui pleurent pour des influenceurs et qui font, c'est que insultent quelqu'un pour soutenir quelqu'un d'autre. Pas de ça chez nous. Pas de ça chez nous. Nous, on a un genre, groupe d'amis, ok ? On a un groupe d'amis. Ça n'avait aucun sens, mais même le pire, c'est que sur des trucs qui n'ont aucun sens. Genre la dernière fois, avec Terra, on est passé dans le chat de... comment il s'appelle, Remly, qui castait du tennis. Et juste, on avait spammé 2-3 conneries. Et dans le chat, t'avais des débiles de première qui se permettaient de nous insulter en mode « Vous êtes pas marrant. » Attends, j'ai l'illustration totale. Attends, les trucs de live de Remly sont un peu vieux, donc ça va être dur de les étudier puisqu'ils ont déjà 80 ans. Donc C'était ça, c'était vraiment ça. Hein. Non, ce que je veux dire, c'est que on a une vidéo drôle ou une VOD drôle. C'est pas la peine de dans les VOD de choisir qui est le plus drôle de la VOD, les gars. Ouais, et c'est pareil pour moi. Hein. Je les ai supprimés, hein, les commentaires qui me suçaient la bite, je vous préviens. Genre, ceux qui m'étaient pota trop fort, je les ai enlevés aussi.
Donc, c'est pas que par rapport à moi ou quoi. Donc, le souci, c'est que, en fait, là, par exemple, Ota, il a fait ça. Il a fait ce truc-là. C'est un event où, justement, vous êtes censé, à la fin, être juste... Attends, je finis ce que je dis. Vous êtes à la fin juste censé être content et en mode dire bah merci pour ce truc, c'était grave cool, j'ai bien rigolé, j'ai passé un bon moment. C'est, on en a rien à foutre de votre tier list en mode dwagby de vos youtubeurs. Surtout là, surtout celui-là. Rien à foutre. Surtout celui-là. Tu vois, à la limite, quand Jean il est dans une soirée. Des fois, Jean il est dans une soirée flop. Oui, ton exemple, il est très bien. Tous les vannes, elles sont. Eh ben, moi, ce que j'aime pas, c'est le contraire. C'est-à-dire que du coup, aussi, vous allez faire le contraire. C'est-à-dire vous allez chier sur quelqu'un pour sucer l'autre. Du coup, je pense au contraire aussi. Et vas-y, j'ai pas envie de dire ça. Genre, vas-y, les gars, juste sur des lives marrants, dites juste, vas-y, c'était trop cool ce live. Et puis voilà. Il n'y a pas besoin de faire un truc machin et plus fort alors, que l'autre. Alors, il y a des manières de le faire. Genre, oui, à la limite, tu rigoles à une blague. Tu te dis, ah, voilà, ce passage, il était marrant. Cette fan m'a vraiment eu, des trucs comme ça. Mais arrêtez sincèrement de dire, c'est vraiment le GOAT, la masterclass. Voilà. C'est on le est une meilleur équipe, de tous, il n'y a pas à chier. Il a remporté l'event. On n'en a strictement rien à branler. Il n'y avait rien à gagner. C'était juste fait pour vous faire rigoler, mais à la fin, vous êtes toujours obligé de faire des classements. Voilà, donc on évite ça si, au maximum. Après, il y en a qui ne regardent pas nos lives et qui s'en foutent, mais oui, voilà, ceux qui sont au courant, c'est plus sympa un message du genre « c'était cool, Steven », machin truc. Surtout et c'était pareil, Kota, juste pour citer 6 mois à le faire, c'est plus sympa de voir des messages comme ça que des gens qui suivent une vanne ou un truc. Juste pour citer un exemple, par exemple, qui m'avait fait moyennement chier, c'était pendant le Battle Card, en gros, ça m'avait gêné parce qu'en fait, Théo, il fait son event et tout. Moi, j'avais beaucoup aimé l'event, je m'étais régalé cette journée. Et en fait, le truc, c'est que vous me suciez, moi, Léopold. vous me suciez, moi, Léopold et... Bon, Inox, c'est pas pour moi, mais... en mode, il n'y avait que ça dans le live. Et du coup, bon, j'étais là en mode... les gars, dites à Théo qu'il était cool son live, tu vois. Donc, c'est pour dire que ça marche aussi quand on me suce aussi. Donc, exact, c'est pas... Voilà. D'ailleurs, à chaque fois... Après, moi, j'ai éradiqué beaucoup de suceurs parce que depuis le... Début de ma chaîne, je vous vanne à chaque fois, mais il y en a encore. Donc. Voilà. Je voulais vous souhaiter avant tout une très très bonne soirée. Amusez-vous bien sur Silent Hill 2. Voilà, dans la bienveillance, bien évidemment. Hein. Bonne soirée à tous, bonne soirée au chat. Prenez soin de vous, faites attention à votre santé, c'est très important. Il faut boire de l'eau. Vous pouvez recommencer les classements de vous mettez Remly dernier. Mettez tout le monde sur le même piédestal sauf Remly. Oh. Voilà. Il est venu parce qu'il voulait que je regarde Djoko Medvedev. Désolé Remly, j'avais envie de live, le tournoi a été annulé donc je live autre chose. Alors, il fait chier avec son tournoi, moi je voulais bien jouer là. Et la dernière fois, j'étais pas mort les gars. J'étais pas mort. Il a bien dormi. Non, comme un bébé. Non. Donc là, je suis le clochard du cinéma. Je suis le clochard du cinéma. C'est Déo qui traite les gens de singes. D'accord. Bravo. Et si on fait la même chose avec toi, Déo? Ah. Ça pique. Oup, oup, oup. J'avais eu très peur que tu sois dead. Tu t'es entendu tout à l'heure ou pas quand t'étais aux chiottes? Ce que j'ai dit. Non. Ok, à un moment, à la fin de ton live hier, tu sais, j'étais encore connecté sur ton live. Et tu sais, quand tu restes connecté, ça met les derniers messages du chat, tu sais. Ouais. Et dans les derniers messages, il y avait un mec qui avait mis « J'espère que Emmanuel va bien, sinon je vais pas aller bien. » Ça, c'est creepy. Hein. Et c'est pour ça que je l'ai dit. Je lui ai dit, peut-être il va se reconnaître. Je lui ai dit « C'est pas ta femme, Emmanuel. Je sais pas si t'es au courant. C'est pas ta propriété. » C'est terrifiant. C'est terrifiant. Ah, mais je non, mais encore, déteste. Les mecs, ils me disent « J'espère oui, que ça bon va. » Bon courage. Okay, c'est... Voilà. Pardon, Terra. Il se moque de Manon, Terra. Ah bon. Ah, ça fait peur, j'avais pas vu ça. Le mec qui se trompe de conductrice. Qui se trompe de débat. T'as vu qu'il y a une meuf, elle s'appelle Manon sur Insta, et il y a des mecs qui sont allés l'insulter, mais c'est une folie quand même. C'est extrêmement grave. En vrai, c'est une folie juste parce c'est extrêmement grave. Il y en a la vie des gens. Hein.
je sais pas, regardez des films où il y a des trucs plus graves, genre regardez la liste de Schindler, regardez des trucs où vous vous rendez compte qu'il y a des trucs plus graves. Je suis intimement convaincu que c'est même pas des gosses. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont plus de 20 piges et qui font ça. Ah oui, bah ça c'est extrêmement grave. C'est... Nous aussi, j'en ai parlé avec Terra hier. Imagine moi si j'avais fait un accident, imagine le nombre de vannes que vous m'auriez fait. Alors là, le classique. Alors là, ça aurait été un déluge. Ça aurait été un déluge. Grim qui fait l'accident. Enfin, alors là, une heure de méga Twitter. Flop, une heure de Twitter, flop. Le nul, le gros nul. Mais bon, ouais, chacun sa façon de vivre les choses. Hop là. C'est comme ça. Ça aurait pas été plus seul, en tout cas. Bon. Du allez, coup, Silent Hill 2. Attends, parce que du coup, je l'ai pas dézippé. Faut que je me dézippe. Hey, la braguette, on l'ouvre. Normalement, c'est 7 gigas, ça devrait pas prendre. Bon, les gars, moi, j'ai testé le 1. Le 1, gameplay compliqué. Le 1, pourtant, franchement, j'aime beaucoup l'ambiance. Hein, ouais. Mais après, t'as fait vraiment, je dirais, même pas 20% du jeu. Là où tu t'es mais le problème, c'est après... que, en fait, j'ai fait toute l'école. Je t'explique, j'ai fait toute l'école. Ah, tu l'as fini au final? Oui, et en fait, je suis mort et ça a perdu toute ma sauvegarde parce que j'ai sauvegardé par-dessus la sauvegarde. Du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est bon. C'est bon, je vais pas tout refaire. En vrai, ce qui est bien, on va pas se faire chier, on va mettre les combats en facile et les énigmes en facile. Comme ça, c'est de la découverte tranquille et tu pourras passer à côté des ennemis sans te faire trop chier. Ok. Moi, je préfère ça même, parce que moi, de toute façon, je suis nul au jeu et c'est surtout l'ambiance qui me plaît dans les jeux. Genre Red Dead, j'en avais rien à foutre que les combats soient difficiles, je me baladais. Oui, non mais clairement, moi il y a des Je sais que Jean, lui il préfère que ça soit dur et tout. Oui, il préfère la difficulté, ouais. Attends, comment on le démarre ton jeu là? Normalement, il y a un truc qui s'appelle sh2pc.exe, tu lances ça. Et branche ta manette avant de le lancer aussi. Attends, je vérifie. Elle est où la manette? Au moins on est sûr que ça marche. Elle est où la manette? Attends, je cherche le truc. SH2, alors attends, je vérifie. Item. Ah oui. Non. Attends. Je vois aucun.exe. BG. Il est difficile à voir. Il n'a pas de logo. Et c'est SH2PC. Dans où? Normalement, il est tout en bas du dossier. Dans Silent Hill 2? Dans Silent Hill 2, ouais. Donc j'entre dans Silent Hill 2, je vois data. Ah non, tu rentres pas dans data. Le dossier où il y a data. Non, normalement, t'as data SH2E. Et en dessous, t'as plein de trucs. Tu descends tout en bas. Et t'as SH2PC. Je l'ai pas dans ton zip. Hein. Fais-moi un petit stream vite fait, c'est bizarre. Ah non, là, j'ai un truc en plus. Celui sur Google, il y était pas. C'est parce que j'ai ouvert celui de Google. Allez, j'ouvre l'autre. Il y a un truc en plus dans celui-là. Il y a un truc en plus dans ces perles de lait. C'est quoi? Il y a un truc qui twist. Ah, le hacker en carton. Chut, les gars, c'est légal ce qu'on fait. C'est légal. En mode, ça c'est du hacking. Il y a un mec qui se fait insulter. Il y a un mec qui a dit ta gueule, gros con. C'est quoi qu'il c'est a dit maintenant. Qu'est-ce les qu'il a dit fait carton. Mal. À quand la nouvelle vidéo YouTube, Potatos ouais, bon. On est en retard. Quand est-ce que tu refais des vidéos YouTube, Potato? Bah demain, là. Mais attends. Mais attends. Il n'y a rien à voir. Ah, vous pouvez circuler. Bah j'ai SH2, ok. PC? Oh, non, SH2E. Stream-moi ton écran. T'es sûr que tu m'as envoyé le bon dossier? Ce serait pénible. À la rigueur, je peux te streamer mon jeu. Ah. Mais bon. Mec, j'ai pas de... Attends, je vais aller dans ça. Parce que c'est chelou. Si, attends. Attends. Je vais te streamer ça. Hop. 2 secondes, les gars. Bah, je devais le lancer avant, mais vu que ça mettait 30 ans à télécharger, je me suis dit, je vais faire l'intro de live. 30 minutes pour 7 gigas. Hein. Attends. Capture d'écran. Tiens. Alors. Bah, dis-moi, là. Regarde. T'ouvre ça. Je l'ai mis ici. Ça en est-il 2. Ouais. SH2. Mais t'as téléchargé celui de Google, là. Non, c'est celui que tu m'as envoyé à WeTransfer. Oh putain, il n'y a pas tout. Ponte spatiale. Point. Ce qu'on peut faire, c'est je joue et je t'envoie la sauvegarde pour que tu continues. Tu veux pas Parsec au pire? Ah, Parsec peut-être.
ce qu'il y a, c'est que tu vas peut-être m'entendre. Non, il faut le truc pour que tu sais que toi, tu m'entendes pas via Parsec, je crois. Tu l'as, Parsec ? Oui. Alors, on va essayer, mais si ça marche pas... Vous avez vu le crash de Maxime ? Oui. Oui, oui. Alors... Les questions, hein. Non, mais je crois s'il était un peu runique. Non, mais on peut essayer Parsec, attends, on essaye. Oh, t'es un connard, tu m'as pas tout envoyé, salaud. Non, mais c'est qu'en fait, j'ai dû glisser le dossier et ça... Mais pourquoi ça... je peux pas le mettre par ROM par le... Parce que la version PS2 est nulle à chier. T'as pas... Tu veux pas... Renvoie-le par zip. Vas-y, j'essaie. Mais tu... En entier, cette fois-ci. Ouais, vas-y. Alors, attends. On peut discuter en attendant. C'est quand le Go Explorer faire... Mais t'es con, quoi. Espèce de connard. 72, tac. Putain, d'ailleurs, moi, je suis dégoûté qu'il ait battu le record de Amine. Amine, il est mérité. C'était un bien meilleur event, si vous voulez mon avis. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le live de Théo. C'est que ce qui était bien, c'est que Théo a aimé les sports automobiles pour... Bon, il a trop rien dit, mais... Ce qui est bien, c'est que football, je pense. Le truc de football, c'est que il n'y a pas besoin d'être fan d'automobile pour regarder. Tu vois, c'est un peu. Non mais regarde, là où il a été malin, Amine, c'est qu'il a fait. Il a fait un France contre Espagne. Et du coup, tout le monde se met derrière la France, machin, truc. Ouais. C'est juste le truc de la France, ça marche bien. Alors, juste boss en fait. Théo, à la fin de la journée, avec l'épaule en bouillie parce qu'il a tenu la caméra pour 2 minutes de grime. Ah, c'était bien, l'event, hein, c'était bien. J'ai eu chaud, hein. Oh là là. Oula, par contre, c'était... le pauvre Grim, il a eu 2 minutes de gloire, le pauvre. Quand je pense bien... que Papsan a eu plus, bon. Ouais, j'aurais bien aimé le voir plus, en vrai. C'est dommage. J'ai un peu regardé le match de charité un peu, mais pas longtemps. De charité ? Il y avait Les segments. Je l'ai regardé vite fait, après je suis... De toute façon, j'étais chez ma soeur. J'ai juste vu l'extrait avec le mec qui sort la carte Uno Reverse, très très drôle. Et sinon, j'ai regardé le match. Non, j'ai surtout regardé. Mais ça, c'est trop drôle, hein, par contre. Quoi donc ? Ben, juste voir les... Parce que là, c'est pas par pays, c'est juste des influenceurs des équipes. Mais vu comment ils se provoquent et tout, le penalty raté de... Ah oui, oui. De l'autre et l'autre qui fait la célébration devant lui. Si c'était une course de rallye, elle est dure à filmer quand même. Hein. C'est quoi, ça serait quoi vos idées, vous, pour faire un event vraiment classique, le chat là. Moi, je te dis, rallye, en fait, c'est juste que... Il dit ça, je pense, parce que je l'ai dit sur le stream de Théo, mais je trouve ça plus impressionnant. Alors, ah bon, Proto... Qu'est-ce qu'il a dit, Proto? Il a sucé, alors, ça veut dire... C'est une course de rallye. Regarde, j'imite bien le... Tu connais bien. Les JO, non, mais le vrai truc à faire, et j'en ai parlé sur mon stream la dernière fois. Jeux Olympiques, ça peut être bien, mais le vrai truc à faire, c'est Interville ou Total Wipeout. Et à l'époque de le stream, le boss de le stream, il non, avait mais dit... Non, mais Total Wipeout, c'est sûr, frère. Et en plus, Terra, ouais, il me disait, ouais, ça coûte trop cher. Oh, ça va pas casser les couilles à Squeezie d'un jour, une fois, de se mettre un peu en négatif sur un event. Si Théo est capable de le faire, je pense que Squeezie il est capable de le faire. Ah bah oui, c'est largement. Bon. Pour une fois dans sa vie, il va privilégier un truc drôle qu'un truc... Surtout que je pense pas que ce soit, par exemple, aussi cher à mettre en place que le GP Explorer, par exemple. Ce qui coûte cher, c'est la location des trucs. Genre, je sais pas, tu sais, les constructions bon, frère, en général... Les constructions qui ont été faites pour l'émission, je suppose que ce genre de truc-là, ça se loue. Ce qui va coûter cher, encore. C'est soit je les faire venir en France. Encore, déjà. Je pense pas que ça a été détruit. Ah oui, je pense pas non plus. Mais la décision à prendre, en fait, pour savoir le budget, c'est soit faire venir les attractions en France, donc ça va coûter cher, soit faire déplacer tous les participants au pays où c'est pour que ça se fasse. Franchement, pour un live comme ça, mais je vais en Espagne, je vais... Mec, c'est... Ah bah oui, tu vas pas me dire que tu vas pas me dire que les streamers qui sont prêts à déplacer leur PC pour aller à Montpellier, ils vont pas aller se déplacer pour un classic live. Bah non, mais c'est sûr. Même si c'était aux États-Unis, je pense que je serais capable de le faire parce que ça. États-Unis, c'est cool, un peu loin. Je pense qu'il y en a en Europe quand même. Non, mais genre, imagine, c'est à New York. New York, c'est quoi ? C'est 7 heures d'avion, si je dis pas de bêtises. New York, c'est pas si loin que ça.
L'Espagne en transport, en bah, termes de disons durée, qu'il y a des influenceurs, tu vois, ils prennent l'avion pour aller à Vegas pour faire une OP. Donc je pense qu'ils peuvent aller à New York, tu vois. Je me dis... Pareil pour Amsterdam, hein, ça, des avions. Enfin bref. Es-tu célibataire de... J'aurais déposé mon CV. Alors, je suis homosexuel et je suis tout le monde. Voilà, exactement. Il m'a proposé, hein, quand c'est on beaucoup s'est moins cher que le GP. Mais non, mais t'en sais rien que si c'est beaucoup moins cher. En mode, t'as déjà loué les trucs du Total Whip Out. Oui, vu que t'es producteur de tes. Vu que tu t'appelles. Écoutez, moi, je fais des piscines, je fais des kermesses à l'école. Je peux vous dire que c'est pas aussi cher que j'ai déjà fait des bar mitzvahs du côté du Wisconsin. Je peux vous dire que ça paye pas si cher. Caisse à savon. L'Interville, ouais, mais du coup, faut remplacer. Ah, caisse à savon, ça peut être très très drôle, j'avoue. Par contre, ce qui est chiant, c'est caisse à savon. Moi, j'avais proposé à. Je te l'envoie. Vas-y. Lance le téléchargement tout de suite pour voir si ça dure longtemps ou pas. T'as envoyé Discord ? Ouais, Discord. Attendez, je lance. Alors, les trucs qui marcheraient sur sans trop de budget, c'est tout ce qui est à base de combat de streamer. Non, c'est trop long. Ça aurait mis. Non, Google, ça allait plus vite. Ça allait plus vite. Ça met combien de temps là ? Là, ça met 30 minutes. Google, ça met longtemps à dézipper. Par contre, quand ça télécharge, ça met. C'est beaucoup plus vite. Alors, attends. Bah, fais-le en attendant. Non, mais le catch, moi j'avais essayé de contacter des trucs. J'en ai parlé hier, ils m'ont jamais répondu. Ils font chier. Et ce que moi, je disais hier, la difficulté du catch, c'est qu'il faut qu'on s'entraîne chacun de notre côté. Donc il faut qu'on ait accès à un endroit avec un ring pour pouvoir s'entraîner. Je t'assure que Rivenzi, c'était pas non plus entraîné pendant 4 mois. Hein. Il s'était un peu entraîné. Oh putain, Oh la vache. Moi, le catch, je te jure, le catch, en plus, c'est dans mon sang. Ah non, mais je sais, mais moi, je suis capable de prendre des risques de... Ça, je le sais, en fait. Je sais que si j'aurais été catcher... Humainement, je sais que je peux me mettre en danger. J'aurais fait des conneries, donc... Non, genre, mais en plus, ce serait incroyable. Genre, même une petite salle avec un peu de public, un truc comme ça. Je suis sûr que... Mais j'aurais fait des entrées. En plus, moi, j'en ai regardé pas mal, donc j'aurais pu faire des... Organiser un peu tout le truc, prendre les codes du catch et tout. Ça m'a. Oui, non, mais même. Mais pareil, mais moi je regarde depuis que je suis tout petit, donc on aurait pu organiser. Des gimmicks pour Grim, des gimmicks pour Théo. En plus, tu peux personnaliser plein de pancartes, etc. pour le public. Enfin, c'est trop bien. Non, mais ouais, en plus, imagine, on a ramené Ajus et Shiro. Ajus qui me commente. Non, mais. Jamais vu ça. Excuse me! Excusez-moi. Oh, ça met 2 minutes. Ouais, ok. Alors on va croiser. Tu vois, Google, ça va plus vite. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que là, je l'ai compressé. Et si tu l'as, si tu l'as zippé, oui, ça va prendre 2 secondes. Ah bah voilà, c'est pour ça. L'entrée, Tibro, la gimmick qu'on l'aurait fait. Oh yai yai. Moi, le puant avec tout le public. Dès qu'il descend là, la rampe, tout le public qui se bouche le nez, qui fait bah. Oh là là, le classique. Moi, je voulais faire ça. Je l'avais proposé à Grim, mais vu que Grim. Et plus occupé à sucer Squeezie, il va jamais le faire, mais regardez. Moi, je voulais faire ça, là. Putain, les images qui se mettent pas dans l'ordre. Le truc mur, là, vous en rappelez ? Avec Boccolini. Traverser les murs. J'aimais bien ce que ah oui, ah un oui, petit live oui, sympa. Oui, je m'en rappelle quand tu l'avais dit. Bon, après, pas faire un live sur que ce concept. Non, mais attends, attends. Mais ça, c'est incroyable. On peut faire des happenings. Non, mais c'est que par rapport. Mec, sans vouloir manquer de respect à Théo, on a quand même fait un live de 2 heures sur des voitures sur un karting. C'est très bien. Je t'avoue c'est que c'était bien. Pas très non plus. Là, c'est un peu plus visuel. Genre, donc, si tu fais pareil que le Baltor. Putain. Baldur Gate. Si tu fais pareil que Baldur Gates et que tu mets des happenings entre les trucs, bah ça marche très bien. Oui, oui. Mais Takeshi Castle, par contre, ça vraiment, je pense que c'est compliqué à faire parce que. Vas-y, lance tout de suite, potin, et dis-moi. Faut que les gens, ils. Comment dire. Mais qu'ils vont se prendre Takeshi's des coups dans. Castle, ce qu'il y a, c'est qu'en termes de. J'ai Request Access. Request Access. Access. Pardon. Il a fait 10 heures. Tu parles loco. Ah, 10 heures de GP, ouais, c'est vrai que désolé, j'étais réveillé à 8 heures avec mon macchiato, là, et avec ma petite Madeleine, et je regardais des 8 heures le live, hein. C'est vrai que... On me connaît. Ah, tu l'as mis en rare. Pas compte...
Ouais. Vous vous rendez pas compte de la place que ça prend, les trucs de Takeshi's Castle. Hein. Les installs qu'ils ont. Et puis en plus, c'est en extérieur, donc c'est encore plus chiant pour la Real. Attends. Dites-vous qu'en termes de Real, pour que ce soit simple, ah non, ça met le même temps. Que ce soit dans une salle. Pourquoi tout à l'heure? C'est parce que c'était un zip tout à l'heure, je pense. Ouais, on va essayer par sec. J'aurai pas longtemps, peut-être que Hugo il va partir, bon tant pis. 25 minutes. Ça m'embête quand même. Mais vous voyez, les gars, attendez, il y a un informaticien dans le chat. Regardez, là je vois ma colonne Google. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer vite fait. Screenshot. Il n'y a rien sur les screenshots d'infos, on s'en fout. Ouais. Regardez. C'est un problème que je comprends pas. Vous voyez, moi j'ai environ quand même une connexion qui peut télécharger, je pense, à plus de 10-15 MO par seconde, au moins. Annule le 8 transfert. Pourquoi Google, il limite. Vous voyez bien que là, ça utilise 4. Par contre, si je mets pause au premier, en au-dessus, ça augmente pas celui en bas. Ça reste à 2. Mais c'est le site qui bride. Même Goebbels. Même Goebbels hybride. Même Goebbels hybride. C'est chiant, quoi. Même Google. Vous savez que des fois, moi, j'utilise... les informaticiens, j'utilise JDownloader. Et JDownloader, en fait, ça enlève toute la limitation de certains sites. C'est ça que je comprends pas. Google, ça limite. Tout le temps. Trop chiant. Envoie-moi ton pseudo et hashtag parsec, on va tester vite fait. Et si ça marche pas, on fait mon astuce, je te dis. Je joue la prochaine fois, je t'envoie ma save. Attends, Google, il me dit, ils ont augmenté la vitesse, là. Google a augmenté. Bah tant pis, on va parler 25 minutes. Écoute. Encore la capture, hein, si tu... Tu veux pas qu'on teste parsec, au cas où? Pour voir. Je pense qu'on va plus galérer. Le site qui héberge le fichier limite la capacité. Regarde, il y a ça aux Pays-Bas. Attends, je regarde. Ah mais tant pis, Hugo, on va parler. Bah voilà, tu vois, regarde ce qu'il m'envoie, Proto. Attends, je t'envoie. C'est quoi, Proto? Je t'envoie. Je le mets. Merde, j'ai les meufs qui twerkent dans le barbershop, là. Non mais mec, franchement, quoi. C'est quoi que t'as envoyé, Proto? Regarde ce que j'ai mis. Je pense qu'il y en a d'autres en Europe. Il y en a d'autres en Europe, arrête, franchement. Et en plus, bah, tu peux même l'améliorer. Bien, tu peux même l'améliorer, je pense. Attends, je regarde sur la photo qu'il a envoyée. Ah oui, t'as le truc. Ok, donc t'as l'espèce de labyrinthe qui bouge. Mais les bâtonnets qui tournent. T'as vu le gigatoboggan au fond, oh, le classique. Vas-y, Amine, fais-le, c'est bon. Fais-le. Vraiment. Pour vous que vous vous rendiez compte que combien ça peut coûter, le plus coûtant en général, c'est l'allocation des caméras et tutti quanti et la venue des techniciens, vraiment. Hein. Genre moi, je me suis renseigné pour faire mon truc de tennis du côté d'Aix, c'est 15 000 balles, juste pour faire venir les gens. Mec, il y a un site et tout, hein. Caméras, hein. Il y a une location. Ah, hein. Bah s'il y a un site, que ça coûte combien? Il y a une location, je pense que c'est des contacts, c'est selon la durée du truc. Hugo, après, vu que c'est... tu t'appelles si ça coûte pas si cher que ça, je peux mettre de la poche, tiens. Hello guys. Regarde le site. Alors, les Néerlandais. Et si c'est nous qui le faisions, les amis? Prices. C'est rien en plus. Wipeout Monday to Friday. Ah oui, ok. Les gars. C'est rien la journée. Details. Course Blue for Free Killer Surf to Fur Your Course. Moi je vais aux Pays-Bas, hein, pour ça. Hein. Make your choice between our three wipeout course. Ok, d'accord. 50 euros tout, à peine, hein. pour une c'est semaine. Pas tout. Non, pas une semaine, c'est entre ces jours-ci. En plus, ils vont... pas une semaine. Ils vont même pas être énervés parce qu'ils vont se dire on fait de la pub. Tu sais quoi? J'appelle demain. Franchement, il y a de l'argent CCB. Ok, on va payer une prod. Ah non, oui, il en reste, attends. Hey, ouais, il en reste. Que Terra ne dise pas qu'il n'y a plus rien à cause du dev. Hein. Il en reste. Ok, non, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il en parle, il y a 50 euros. Non, je pense qu'il est surtout très près de son argent. Mais non.
va voir les analytiques. Ok, tu peux enlever les impôts si tu veux, mais je pense qu'il y a quand même pour une régie. Et au pire, on peut mettre un peu de notre poche, quoi, tu vois. Moi, ça me dérange pas. Faudrait qu'il fasse beau, donc on va dire dans ces eaux-là. Attends, je regarde un truc. Oh là, le site a l'air totalement buggé. Comment ça? Non, j'ai essayé de mettre une date au hasard et ça m'a rien affiché en termes de disponibilité. Ah merde. Attends. Je pense qu'il faut appeler, hein. Ouais, faut pas. Bon, parle néerlandais, mais bon. Attends, je regarde les Le site est pourri, ouais. analytiques, mec. Je sais rien. Fais tes calculs, toi, t'es en entreprise. Il y a 50 000, 51 000 euros sur gagné avec la chaîne VOD Kakabox depuis le début. On Et n'a il pas. reste. Il me semble pas qu'on a dépensé. Non mais mec, là c'est le plus gros, hein, ce qu'on a dépensé avec les devs. Normalement, les devs, c'est 800. Moi je suis. Il doit rester la moitié, peut-être même Doit plus. 20 000, je pense qu'il y a 20 000, hein. Faut pas abuser non plus. S'il y a 20 000 et qu'on trouve un sponsor et que, admettons, par exemple, on met un petit peu chacun de notre poche, ça le fait Moi largement. je mets de ma poche très volontiers pour ça, mais vraiment très volontiers. Si on doit faire en premier le total whip-out, frère, c'est un classique. Et Vas-y, j'appelle rends-toi demain. compte. En vrai, je serais grave chaud Rends-toi que compte, c'est j'appelle nous demain. qui le ferions en premier alors que. Alors, ah, ok. Ça a pas l'air. Ça sera pas autant pro qu'une télévision que TF1, mais quand même. Le fait qu'il y ait ça aux Pays-Bas, c'est vraiment pas mal parce que c'est à côté, quoi. C'est vraiment pas loin, le Pays-Bas. Attends, je regarde le truc. Pays-Bas. Et on ira en train, bien sûr, hein, les amis. Oui, bien sûr. Il faut que ça soit drôle. Bah, on compte pas le faire en fait. Nous, on compte vraiment faire un truc Non, je pense qu'on va en mettre noir des et blanc. montages En avec noir et blanc des... et. Tu sais, on met des discours d'Hitler entre les passages des joueurs. Comme ça fait rigoler personne. On va faire un truc super larmoyant, oui. Faut que ce soit marrant. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce genre de commentaire à la con? J'allais En dire mode, pas à. on vous tire les larmes à chaque live. C'est triste. J'allais pas le dire pas d'avion, s'il vous plaît. Tu vas me donner des ordres? Je vais prendre même un truc qui J'y pollue vais en la planète. trottinette! J'y vais en trottinette! Ah. Il Ouais, compte non, faire ça un a pas truc l'air chiant, d'être je bien loin, pense. hein. Et oui, c'est le projet, les amis. C'est le projet. Attends, merde. Ah oui, ok, c'est là. L'adresse exacte. Très bien, Diswoosh. Faut que ce soit divertissant, par contre. Je compte pas le faire. Je compte pas le faire. Alors, où est-ce que ça se Domingo dans le trouve? chat, il va voler l'idée. Mais vous êtes trompé avec Joyka, je crois. Mec, il confond tout le monde. Clash of Jackie est dans le chat, il va te voler l'idée. Ah, c'est quasiment D'ailleurs, là pourquoi pour vous avez faire dit. Attendez, je parlais au début de mon live, pourquoi vous avez dit Joyka? Comment J'ai pas ça? compris. Je sais pas, ils ont C'est à spammé côté de Joyka la au frontière début. allemande. Eh ben. Pourquoi vous avez dit ça? Il faut que vous fassiez mal. Enfin, je pense. Je suis même pas sûr que Terra vienne, hein, les gars. Terra va avoir la. Je Attends, mais il y a des vidéos sur le site. vais voir, attends, on va mettre. Il est où le site? Je vous mets le site, 2 secondes. Parce qu'il a fait une vidéo avec Dieudonné. Joyka? Ah bon? Je pensais qu'il était Ah bah bravo. plus. Ta gueule. Pardon? D'ailleurs, Qu'est-ce que il tu as était pas dit? là aux 2 mois. J'étais persuadé qu'il était aux 2, Joyka. Ouais, moi aussi. Joyka, Il y a le une vidéo pauvre, sur hier. la page Attends. d'accueil. Il m'a fait pitié, Joyka. Tu sais pourquoi? Je regardais son live hier. Il faisait un Qu'est-ce qu'il jackbox faisait? avec son équipe de prod. Il a plus Pourquoi il a fait d'amis. ça? Pourquoi il a fait ça hier en plus? Je sais pas. Mais C'est bizarre la veille du GP. oui, bon. Je sais pas. Bizarre. En tout cas, Bon, bon. la vidéo te fait pas chier, elle dure 30 secondes. Hein. Ça sert à Attends, je rien. voulais juste regarder. Food and drink. Déjà, on aura de la nourriture, les amis. Je trouve que vous pourrez C'est déjà venir, ça. vous, s'il y a un public qui veut venir. Si on Faut doit venir aux payer un peu de Pays-Bas, quoi. bouffe aux gens. Ouais, t'as même les nichons qui Regarde, rebondissent. Il y a regardez, tout. il y a tout ça. Mais putain, il y a tous les jeux. Ça a l'air complet, hein. C'est pas si cher. Sucker Punch. Après, faudra bien animer parce que. Tu sais, faudra. Si on fait le live, il faut faire en sorte que les. Il y a des interludes qui durent assez longtemps.
parce que ça peut aller très vite le passage de quelqu'un. Oui, et puis même au niveau de l'install, c'est pas possible de mettre des caméras sur chaque attraction, donc entre chaque session, il faudra un temps de mort pour pouvoir... Faudra voir, bon après ça a la régie de le faire, mais faut voir comment ils le faisaient. C'était pas, tu sais que le Total Recall, c'était pas non plus des chaînes, des grosses chaînes qui les avaient. Hein. Ah non, non. Déjà en France, c'était Gulli. Bah regarde, en France, regarde Pota. J'ai l'impression que c'est la version néerlandaise de... Ah, c'est des streamers ? De Wipeout. Ah non, c'est des youtubeurs qui ont fait une vidéo au truc. Ok. Attends, on va voir ce que ça donne. Comme ça, tu peux voir bien complet. Ça dure 14 minutes. Alors. Au moins, ça veut dire qu'ils sont ouverts avec, à la collaboration avec des créateurs. Bon, fils de pute, toi. Mais j'ai rien fait. Non, mais j'ai rien dit. Hop. Thomas, Stefan, en vandaag gaan wij eten serveren op een Wipeout baan. Ik comprends rien à ce que vous dites. Oh ja, dit glijdt. Parlez anglais. Ça, c'est de la. En plus, c'est pourri leur truc parce qu'il y a qu'une caméra qui fait. Oh, pas la peine de montrer ton. Limite van me weten. Oh, tu vas pas... oh, il y a des entrées carrément. Ik zie hier een hoop gerechten en ik zie drank. Wat gaan we van. Die hoort bij B. En een nagerecht bij baan nummer 3. Pourquoi ils font, des duels avant? Imagine le classique, Tibro perd son. Ah, mais ils font. Bain pendant la séquence. Mais ils font. Mais ils font avec des verres carrément. Bon, ça c'est ils ont petit, fait des épreuves à la con. Pourquoi ils sont pas aussi de l'eau là? Mais à 11 minutes 30. Regarde oui, le coup. Ils l'ont pas mis en celui-là. Ah voilà, ça c'est super. Cool. Oh la vache. Hé, hey, dat is onze taart! Ja, die gaat nog niet aan de taart zitten die nog moet serveren! Oh! Ils l'ont fait quand ça? En juillet? Ouais, c'est vrai que c'est une base beau aussi. Ja, gaan we nu! On devrait faire, ouais, j'avoue, faudrait faire des challenges, j'avais pas pensé. Ouais. Oh, comment il arrive à la fin, il a la gueule remplie de crêpes fraîches. J'avoue, on fait des challenges. Des petits plateaux. Des petits plateaux, Hugo, et on met des petits trucs avec des subs et tout. Selon le nombre, okay, t'en fais. Ah oui, à récupérer. Ah ouais, le classique. Ah non, mais c'est trop bien ça. Ouais, tu mets une caisse genre avec. Non, de toute façon, on vient de réfléchir. Regarde, on t'en rappelle Cacavoy, ça va venir tout seul. Oui, non, en 5 minutes, on a trouvé des idées, donc bon. Sidemen, ils ont fait. Ouais, mais Sidemen, il va avoir des moyens. Sidemen Total Wipeout. Voyons voir. Ah, ils ont fait. Ah non, il a fait dans le même truc. Bah, attends, eux. Ils sont londoniens, c'est ça? Les Sidemen, c'est en Angleterre? Ah ouais, j'avoue, ils sont allés aux Pays-Bas, ouais. C'est pas très loin. Hein. C'est trop bien, il y a un truc de poteau et tout. Oh, la barre qui tourne à la Fall Guys. Envoie la vidéo, potage. Je mets sur le live. Regardez, c'est ça, j'ai trop envie de le faire, ça. Regardez la barre qui traverse. Ah ouais, bah c'est là, ouais. C'est ici, ils ont le truc. Ils ont le truc sur le site, on le voit. On va voir. Bizarre qu'en France, ils n'aient jamais pensé à le faire. Facing off on 6 different challenges to see who can complete all of them in the fastest time, or if they can complete them at all. As if a challenge. Moi, j'aurais trop aimé le faire la nuit. J'aime bien que ça soit la nuit, mais bon, ça doit être plus compliqué. Ah, c'est ouais, un budget light que. C'est comme, je sais pas, j'ai l'habitude du Ninja Warrior qui est la nuit. Imagine, ouais, mais le budget, je t'assure que si tu rajoutes un budget lumière, ça te, tu peux rajouter vraiment facile quasiment 10 000 euros. Hein. D'accord, suce ma queue. Après, écoute, j'avoue que le Ninja Warrior en termes de, il est quand même super stylé aussi le Ninja Warrior. Regarde un peu. C'est où le Ninja Warrior? Il est plus, oh, j'en sais rien, peut-être aux États-Unis. Mais juste regarde le NBC. T'as vu ça? Il y en a pas 20. T'as vu ça? En France. Oi, 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 oi. Il le faut en France Ninja Warrior. Par contre, c'est horriblement physique ça. Moi, je fais pas le premier. Non mais juste au niveau de la, de, tu vois, de la présentation. Oh là là. Grandiose, grandiose. Ah, c'est Las Vegas. Putain, ça me fait penser au jeu qu'il y avait sur Xbox. Ah oh, bah on peut y aller, hein, streamer à Vegas, non? J'y en a déjà qui sont allés. C'était quoi, c'était Doritos Crash? Ça doit coûter cher ça. Hein. C'est physique, ouais, bah, mais ça a l'air trop bien, n'empêche. Non, bah, j'avoue ça, la corde, difficile. Hein. Ça, mais pas le premier, hein. Ça, je sais même pas comment ils font là.
Non, impossible pour moi ça. Il y a des duels et tout. Faudrait qu'on fasse des duels si on fait le Total Wipeout. Ils le font où en France, le Ninja Warrior? J'avoue, ils le font où? Ça doit coûter plus cher. Ça doit être hein, du côté de Nice, non? Un truc comme ça? Ninja. Mais ça doit appartenir à TF1, non? À Cannes, ok. Ninja Warrior Cannes. Raison. Des places pour assister au tournage. Je pense que ça appartient à TF1, c'est trop compliqué. Ouais, ils doivent pas. Après, tu prends des sportifs et tu commentes. Ah oui, ça peut être cool aussi. Mais au moins, le Wipeout, ce qui est bien, c'est que tout le monde veut participer, quoi. Qui de toi? Là, à part Super Con, je vois pas qui peut faire le Ninja Warrior. Le mec, il a fait un Total. Non, mais je pense à des gars comme Inox et tout, tu vois. Ah oui, oui, bah des mecs qui. Mais non, mais eux, qu'ils le fassent, eux. À mini. Ah oui, oui, d'accord, ok. Ils payent. Je sais pas s'ils peuvent. Je sais pas. Je suis pas sûr. Je pense que ça appartient à TF1 quand même. Donc, je sais pas s'ils laisseraient le fait que sur Twitch, ça soit. Je sais pas. Regarde sur le site, Potat, t'as les différentes courses avec toutes les attractions. Il y en a en tout 27. Oh, 27, putain. Non, 30. 30 en tout. Billy devait faire Fort Boyard, elle a jamais fait. Ah bon? Il devait le faire sur Twitch ou il devait participer à Fort Boyard? Ouais. Participer à la télé ou le faire sur Twitch? En sub-goals et d'event. Oui, les sub-goals et d'event. Hein. Va falloir arrêter de croire à ces sub-goals. Alors, sub-goals et d'event, je me fais une tarte à tatin. Tiens. je me régale. Moi, vacances. Je l'aime bien, Cyril MP4. Pas de définitif, tu t'expliqueras au tribunal. Ah, t'as même le. Tu vois le truc Fall Guys où tu prends les portes et elles s'ouvrent ou pas? Il y a plein de salles aussi. Ninja Warrior. Non, mais si tu me parles des salles Ninja Warrior, Vic, avec les trucs dans les salles de. Comment on dit? De tapis, là, ouais, c'est pourri. Hein. Non, mais même, ne cherchez pas Ninja Warrior, ça sert à rien, c'est beaucoup trop physique pour nous. Ça va pas être marrant à regarder. On le fera pas, nous. Faire Wipeout. T'as quand même 27 obstacles, c'est bien. Hein. Ça veut dire que ça peut durer vraiment longtemps quand même. T'as 3 séries d'obstacles différentes. Et s'il y a, admettons, 4-5 obstacles où tu peux faire une animation comme on a vu sur la vidéo des gars, là, où tu dois amener le plus de billes, machin, pour gagner des subs. Admettons, il y a les 3 obstacles, enfin, il y a les 3 courses d'obstacles. Le gagnant de chaque course d'obstacles a le droit de participer à une épreuve qui lui permet de remporter des subs. Voilà, et entre chaque course d'obstacle, du coup, on met pas ça. Trop galère de filmer, bah, ça, j'en sais rien, je suis pas régie, moi. C'est pas notre taf, hein. Un wanklash, pota? Bah, t'as rien compris, du coup. Vu que je suis wankill, là. Ah, le con. Ah, le un con. Wanklash, hein. C'est quoi ce question très de l'eau? Ça. Bah, merci, Proto. Si Proto, on dira de venir. Pour te remercier. C'en est pas, où, téléchargement, pota? Bah 20 minutes. Mais je sais pas si pour amener du public, faudra voir. Faut ça voir en marrant. Fonction de. Ouais, faut que vous soyez. On vous paiera pas les billets pour venir par contre. Hein, c'est... Ils ont cru qu'on allait leur payer leur truc, aller dégager. Je sais pas. En fait, il y a pas l'air d'avoir d'assises en fait sur le coin du truc. Je regarde le site depuis. Je sais même pas où c'est. On dirait que c'est perdu dans la. J'ai regardé, on vient en hélico. J'ai regardé hein. Sur la map. C'est au milieu vers l'ouest, vers l'est des Pays-Bas. Donc c'est quasiment la frontière allemande. Il faudra qu'on se rejoigne parce que sinon on va se perdre. Donc on se rejoigne avant d'y aller. Tu vas te perdre. Tu vas être perdu comme quand tu vas à Paris. Non mais logique. On est où là? On est où? Mais en mode, il connaît le Pays-Bas. Ouais, moi, je mange du gouda, hein, donc le Pays-Bas, c'est de dans l'abondance, la tête. J'en ai bouffé dans ma vie, alors s'il te plaît. Non, par contre, prends pas Grim en commentateur. Vous inquiétez pas, avec Hugo, on sait y faire. On saura quoi faire. Moi, je connais bien l'Allemagne. En même temps, je n'ai pas regardé la rediff du Battle Car. Je crois qu'il se parlait par-dessus. Grim et Théo. Ouais. Grimé machin. Après, en vrai, Grimé si on Théo. Fait un Total Wipeout, on peut ramener d'autres influenceurs. C'est bien entendu bah oui. Avec Léopold machin, pourquoi pas. Après, est-ce Léopold, que Inox il ira aussi. Jusqu'aux Pays-Bas, on verra. Je suis pas sûr. Mais, après, il est plus proche que nous deux, hein, techniquement, des Pays-Bas. Non, mais je veux dire, là, il y est allé parce que c'était dans Paris, mais est-ce qu'il irait jusqu'aux Pays-Bas? Bref.
Moi, après, je pense qu'il rigolerait beaucoup, mais ouais. Il n'y a pas un train Paris-Amsterdam déjà. Et puis après, le reste, ça se fait. Tu fais Paris-Amsterdam et puis ensuite, tu loues une bagnole et tu vas jusqu'au truc. Attends, j'ai regardé le trajet pour le. C'est quoi l'adresse? Faudrait prendre plusieurs vannes en fait. Ouais, voilà. Info. Alors. Putain, le chat là, c'est beau. Hé. Frigiel. C'est son nom et ça change tous les jours. Hein. Non, c'est Karim. Amsterdam. Hop. Session caresse. Si alors. Paris, Amsterdam, 3 heures. 3 grosses heures de train. En mode, j'ai jamais fait 3 heures de train, frère. Je fais 4 heures pour aller à Paris. Hein. Quoi ? Ok. Je viens de faire le calcul, c'est 58 minutes en voiture depuis Amsterdam, donc c'est pas loin. Il y a un mec qui m'a dit 3 grosses heures de train. En mode, j'ai jamais fait 3 heures. Bon, 3 heures, ça passe, hein, 3 heures de train. Oui, c'est pas très très loin, hein, 3 heures, hein, ça se fait tout seul. Ah, mais Amsterdam, c'est si haut que ça ? Bon, attends, il y a Rotterdam aussi. Rotterdam, ça a l'air d'être plus proche. C'est rien, 3 heures. 4 heures, je note pour te trianguler. Après, oui, moi, du coup, je vais devoir aller jusqu'à Paris, donc ça va être très long. Je pense que j'irai avant. Hein. J'irai même peut-être une semaine avant à Paris. Bon, t'abuses, une semaine. Bah, juste. On s'était dit avec Dago que peut-être une semaine, on irait faire un petit peu de ciné. Pigalle ? Ah, ok. Tu sais quoi ? Fais-le en. Ah non, il va faire froid. Bon, on s'en fout en vrai. Il fait quelle température ? Ouais, parce que c'est ce que je me demandais aussi en termes de timing. Là, déjà, jusqu'à la fin de l'année, à mon avis, c'est mort. Mais à partir de mars, bon, ça Théo, va. Il a fait rapido son battle hein, avec la région. Non, mais je te parle pas en termes de timing, mais par rapport à la météo. Imagine, on prévoit l'event pendant 3 mois à l'avance et on se tape un temps de merde. Bah, je pense que la régie peut être compréhensive, non ? Enfin. Non ? Tout préparé qu'en France. Oui, bah 2 secondes, c'est lentille, ça charge. C'est froid en début d'année. Genre en mars, il fait trop froid encore ? En mars, en France, il commence déjà à faire bon. Hein. C'est l'eau. Ouais. C'est l'eau qui va être froide. Faudrait y aller en été. Ça me fait chier d'attendre un an quand même. Ouais, je me dis avril-mai quand même. En mai, il fait bon. Putain, on l'aurait su avant les. Vers mars, on l'aurait fait en été. On l'aurait fait en été 100%. On aurait eu 2 events en plus. Y a pas un truc. Similaire par hasard qui existe en France, les gars. Genre Proto, si t'es tombé là-dessus, y a pas un truc. Proto, tu bosses un peu. On te paye pour quoi là? On voit pas là, on te voit plus. Ouais, paintball, faut regarder. Non, alors non les gars, paintball. Prenez en considération que tous les Est-ce que vous avez déjà regardé des vidéos paintball ou airsoft de youtubeurs? Y a pas voilà. Pire truc à regarder. C'est nul à chier. Parce que dites-vous que si c'est un mec qui fait sa vidéo Airsoft où il y a une GoPro sur son fusil et une caméra qui le filme, ok. Mais vous multipliez par 10 ou 15 le nombre de cams, c'est incompréhensible, c'est nul à chier à regarder. C'est vraiment. Désolé, mon chat qui appuie sur le stream deck. Qu'est-ce qu'il veut là hein. Il appuie sur descendre des fakes. P-start, P-stop, qu'est-ce qu'il branle Non mais Airsoft, ouais, j'avoue, Airsoft, c'est vrai, ça sert à rien. Non, vous allez pas vraiment. Ce sera pas drôle en plus, donc ça sert à rien. Total Wipeout, ça peut être drôle en partie aussi parce que tu vas filmer le passage d'un mec, donc c'est assez clair, c'est assez carré. Tu filmes le passage du mec et machin, il fait son truc. Et puis même au-delà de ça, il n'y a pas à apporter un truc drôle, c'est déjà marrant le principe en soi. Donc c'est faudra cool. Mettre un micro, hein. Un micro, ouais, un micro d'ambiance et un micro embarqué. Un micro anti-haut là. Enfin, ouais. Histoire qu'on puisse tomber dans l'eau avec. En tout cas, c'est trop drôle. Imagine, tu tombes dans l'eau et tu l'entends. Mais y a en tout cas, le plan pour y aller, c'est simple. Hein. Tu fais Paris-Amsterdam. Oh non, mais c'est pas ça qui Amsterdam, me. Une heure en voiture. Donc c'est pas ça qui me dérange. Moi, c'est juste que j'ai trop envie de le faire. Moi. J'ai envie que ça soit bien fait, que ça soit bien filmé. Avec un drone, c'est vrai que. Un drone pour filmer, c'est pas mal du tout. Ouais. Ça ferait des bons plans. Mais bon, faudra voir dans le budget. Attends, j'envoie un message. Mais j'aimerais bien faire un truc propre.
Désolé, c'est mon chat qui a dit pestop. Fait des OP. Non, mais de toute façon, c'est la cacabox. Tu sais qu'on en reçoit des OP cacabox, hein. Ah, sur le mail? Le mail, faut les mettre avant les... Ouais, c'est pour les intros de vidéos. Ouais, bah en vrai, je pense que... Bah, après, ce qu'il y a, c'est que... Bon, ce serait quand même après, on n'a pas de best-of. Faut les faire et les monter. Donc voilà, c'est ça, en fait. Et pour le prix, je pense que ça remboursera pas le prix du monteur ou tout comme ça. Mais... Ça va, hein. La chaîne, elle tourne bien. Hein. Non, mais je veux dire, une VOD qui fait 20 000 vues, ça rembourse pas un montage de 300 balles, quoi. Voilà, je suis désolé. Je me rappelle... Qu'est-ce qui se passe ? Quand... Parce que mon chat, en fait, il y a des boutons sur le trim deck et il appuie dessus parce qu'il dort dessus. Et je me rappelle sur un live Minecraft, j'ai joué, ouais. J'étais en train de me concentrer. Tu sais, c'était le speedrun multijoueur. Tu t'en rappelles, c'était compliqué. Oui, au tout début et où j'étais là. Il appuie et j'entendais des... Ta mère est une sale chienne de Domingo. Et ça faisait que le dire. Ta mère la sale chienne. Ta mère la sale chienne. Fils de pute, grosse chienne. Je m'en rappelle. Mais c'était dans le Bastion. Bonne mémoire, j'ai. Ou j'ai cru que j'avais deux OBS. J'ai une réponse directe, j'ai un call demain du coup 13h pour mettre ça en place. Pour une réponse directe et... Non, avec mon agent pour lui demander à ce qu'on puisse appeler le truc et que lui s'occupe de tout ce qu'il y a aussi budgétisé pour avoir un devis. Bon, d'ailleurs un call demain 13h. Ok, super. Bon bah on verra ça, on verra quand Hugo vous le dira. Et d'ailleurs, tu sais quoi, j'ai trop envie de regarder, attends, je vais te le screener. Vas-y. Si je fais un live là un autre jour là, je crois que je vais me regarder ça, les amis. Enfin, pas en entier, mais vite fait. Mmh. Je vais me regarder ça avec Domingo. Je vais me regarder l'émission. Je l'ai vu passer cet été, là. Je vais me la regarder. Oh là 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 là. Mais tu sais qu'avec Emmanuel, on était tombé dessus, pas sur l'émission avec PA, hein, mais l'émission de base. Tu sais ce que c'est ou pas, le concept de l'émission? C'est des enfants de la télé. Ouais, mais c'est pire, c'est-à-dire qu'ils mettent des vidéos de chats qui tombent et t'as des gros plans sur les invités comme à l'époque des enfants de la télé, ils sont... Sauf qu'il n'y a pas Laurent Baffy, quoi. Pourquoi voilà, tu rigoles, connasse. Qu'est-ce que tu me veux, Tommy Mimati? Je suis moyennement impressionné par ton physique. Quand il y a Garou et Mimi Mati côte à côte et qui disent « Vas-y, mets la main dans la marionnette !» Oh, très très fort, hein. Très 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 fort. Il a bien dû se faire de l'argent, hein, PSG, PSG Massin, quand même. Des bonnes vacances. PSG quoi ? Celui qui riposte les vidéos de Baffy. Ah, oui. Ah, je sais pas si ça lui rapporte tant que ça. Hein. Ah. À mon avis, il doit bien se faire copyrighter. Oh non, PSG 14, arrête tes conneries. C'est des petits extraits. Même Baffy, il a essayé de le contacter, il a jamais répondu. Il l'avait dit chez Morgan VS, il avait dit... Ben, j'ai contacté le mec, il m'a jamais rien répondu, donc qu'il se fait faire foutre. Il y en a rien à foutre de ma gueule, je pisse au cul. Ouais, il reste 8 minutes pour Silent Hill. Donc. Oh, bah ça va. Non, parce que je m'étais retapé l'année dernière tous les best-of justement de PSG 14 et il y en a plein qui ont sauté des vidéos. Donc à mon avis, il a dû peut-être surcopier. Maintenant, oui, parce que c'est peut-être lui qui a fait sauter, mais avant, mec, toute la monétisation... Peut-être qu'à l'époque, ouais, il a pu en profiter. J'ai foutu où ma manette? Ça va m'énerver. Oh là 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 là. Mais t'es branché la manette. Qu'est-ce qui se passe? Marche plus? Je comprends pas. Attends, c'est le chat qui est assis dessus? Ah oui. Ah, le goat. Pas d'accord. Très bonne idée, Proto. Hein. C'est très très cool ça. Ouais, bravo. Ouais. Tu feras un classique si ça se fait. Ça change des modos de Terra. Kira, tu penses quoi de la Baïa? First message. D'ailleurs, en vrai, on a regardé la Coupe du Monde de rugby avec Hugo. Peut-être si on va loin, je regarderai bien en live. En plus, vous avez encore l'extension là. Ouais, l'extension, c'est ce que je me disais, ça marchait. Donc, Moi, j'aime beaucoup le rugby. Après, on est d'accord, bon, je pense que oui, hein, mais du coup, TF1 a les droits de diffusion pour tous les matchs de l'équipe de France. Je crois. Parce que l'extension elle marche que pour TF1, non? Ouais, c'est pour ça. Ok. Le rugby, c'est mon. J'aime beaucoup regarder. Okay. Ouais, il était bien le match en plus. Il y avait... Enfin, au début, ils étaient bien pourris, ils nous ont fait peur, mais quand. Quand Macron est arrivé. Ta gueule! Bouh! Ta gueule! Les gars, hier.
Les amis, hier, on a vu Théorus faire un discours au GP. T'as vu sa petite tête en... ils sont chauds ce soir. Voilà, vous êtes présents, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Oh, waouh, ça va, hein. Ça va, ça va. Ça bouge. Oh non, mais comment je suis ça, en train un de sub gift. Je suis en train de m'imaginer. Oh, ah, merci Mérilou, j'ai pas de vu. Vous revoir, peut-être. Merci Mérilou, j'avais pas vu. Merci beaucoup. Je suis en train de m'imaginer des images de Tibro qui tombe dans l'eau et ça me rend heureux. Ça me rend chef. Tu l'as vu la vidéo d'Ago là qui tourne autour? Un classique. Bah, bien sûr. Bien un sûr. Classique. Je leur ai dit, hein, mettre... je lui ai dit à Dago, tu vois Tibro, je veux minimum 8 snaps. Tu me montes son cul, tu tournes autour de lui, tu montes attends, sa tête, je... sa barbe. Je... Après t'improvises. Vous savez ou pas dans le chat comment elle s'appelle? Ah, oh, c'est pas celle-là? Ah, oh, si, c'est bon, je l'ai retrouvée. Attends. Où est-ce qu'elle est? Tu l'as mise live chat dans la vidéo avec Tibro? Non, je l'ai mis en partage. Ah si, je la vois. C'est trop chiant de télécharger sur en DM. Parce que Elon Musk a toujours pas mis la fonctionnalité. Pourquoi il vient pas en live d'Ago? Je pense qu'il aime pas ça. Ouais. Au contraire de beaucoup d'influenceurs qui adorent les caméras, d'Ago ne les aime pas. Et comme c'est par son hasard, choix. C'est un mec trop drôle. Please respect. Très très sympa d'Ago. Ouais, d'Ago, drôlesque. Attends, je voulais voir. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il ait cette gueule-là quand je l'ai vu quand même. C'est DFG, hein. C'est DFG. Ouais, c'est exactement ça. Attends, je regarde s'il y a d'autres vidéos de Tibro. il a trop une gueule de mec bourré. Putain, ils en avaient envoyé une. Je vais mettre une musique par-dessus, ça me fait trop penser à cette époque avec la Ok, regardez, bien, vous êtes prêts? Vous connaissez cette phrase, le chat? Attendez, je vous la mets. Celle-ci. Bienvenue dans le fromage. Ah, c'est la phrase culte de Tibro. Bienvenue dans le fromage. Bah, regardez. Regardez-moi ça. Hop. C'est assez fort. C'est pas très fort parce qu'il était loin, mais. Vas-y, fais-le. Bienvenue dans le fromage. Vas-y, fais-le. C'est vraiment un esclave. Allez, fais-le. Dépêche-toi. Allez, s'il te plaît. Tu poses pas de questions. Attends, j'essaye de le doubler. Regardez, je vais le doubler, les gars. Il me faut ici. Okay, regardez. Bienvenue dans le fromage. Voilà, vous avez la version clean. La version clean. Bienvenue dans le fromage. Ça, c'est mon petit pronation. Attends, je suis un petit render Vegas. Vas-y. D'ailleurs, j'avais fait un render. Vous l'avez vu le render là, ce qui s'est passé chez Terra là Qu'est-ce qui s'est passé? Live chat, un gars qui escaladait ses DVD. Enfin bon, bref, je sais pas d'où ça vient, mais. Bizarre. C'est pas vrai. Si, si. Tiens, attends, je vais mettre un truc chez Terra pour le faire chier. Les gars, enregistrez. J'espère que Terra l'a laissé, il a pas fait son pisse froid là comme d'habitude. Je l'enlève. Non, je l'enlève. N'en est pas question. Attendez, je vais l'humilier. Les gars. Préparation. Voilà. J'espère qu'il a bien fermé sa gueule sur son live. Vous jouez pas? Ah bah attends. Bah, putain, mais ça ralentit ou quoi le téléchargement? Deux secondes, les gars. Deux minutes, ça me dit. Ça va. Merci Pablo Stabon. Merci pour tous les subs, j'en ai vu pas mal. Mérilou. Va te faire enculer. Mérilou, merci beaucoup. Désolé, j'ai remis l'alerte, j'avais oublié. Oroné. Merci Mérilou, les gars. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oroné. Aki. Sophie. Mathieu. Exulax Prime. Farlight pour les 25 mois. MSIN pour les 11 mois. Bechen pour les 2 mois. Javaldu pour les 30 mois. Yvan tout puissant pour les 27. Mat Max pour les 24. Timo Café pour les 2 mois. Oasis pour les 19. Comrade Beer pour les 2 mois. Aquaria pour les 23 mois. Quoi ? Renault pour les 15 mois. J'ai vu cette vidéo à l'époque ? Ouais, sur YouTube. Vas-y, monte. Ah.
Putain, ça s'était mis en double. Attends, remets. Attends, je vais remettre une vidéo. Vous l'avez entendu en double au début ou pas, les gars? C'est pour savoir, c'est toujours. Tiens, je vous mets un montage trop classe pour tester le son. Je suis mort, Hugo, qui a pas vu ce film. Va te faire enculer. Quoi donc? Juste pour tester l'écho. Parce que j'avais mis live chat et c'est chiant, live chat. Des fois, ça se met en écho et des fois, ça. Moi, ça me le fait plus là avec la technique que tu m'avais donnée. La technique en question, tu te mets un doigt dans le cul et tu tutouilles. Et puis à un moment, la merde sortira. Y a rien qui va. Y a rien. Ah, ça, c'est une nouvelle phrase de Ringard. Y a rien qui va sur ce live. Oh putain, j'en avais eu une hier, j'ai oublié. Mais note-les, je te jure, note-les. Moi, j'ai noté Wholesome. Bon, 8, ouais, Wholesome. On l'avait depuis longtemps. Cœur sur vous, évidemment. Dude. Il y a Cursed aussi. Hein. Cursed. Et ensuite. Ça c'est du, ça c'est de la vidéo. Oh tiens, un décalage son. Peut-être parce qu'elle était trop grosse. Il n'y a rien vidéo. Qui va sur ce live XP. Non, attends. C'est trop bien. C'est joke Casino. Casino. Ça c'est quand ils sortaient pas des albums pourris. Ça. Casino. Et je l'ai trouvé sur Presse Citron cette musique, Hugo. On va te faire enculer. Les gars, vous voulez faire chier? Vous arrivez chez Hugo, vous lui dites « Alors, l'oreille d'obèse, on va sur Presse Citron ?» Là, vous le terminez. Mais t'as pas oublié ça. Il a là, pas vous oublié ça. Sur son live, il va se décomposer. Il va se décomposer. Je vais me décontenancer. Il va sur Presse Citron, c'est la phrase du siècle. Ok, bon, je démarre Silent. Alors. Décompresse ton bousin. Là. J'espère que cette... Hey, j'espère que Hugo, cette fois-ci... Ouais. Que ça marche. Bah, normalement, je vois pas ce qu'il pourrait rater, là. Hugo, les backshots que je lui mets... C'est méchant. Attends, je vais faire pipi. Vas-y, vas-y. Va chier, hein. Au premier degré, je lui ai dit. J'ai mon gars qui sont à l'arrière. Non, mais ça, c'était trop bien, cet album. Vous vous rappelez quand Joke, il avait fait une reprise de... Va te faire enculer. De Gainsbourg. Il avait fait une reprise de Gainsbourg. On fera un live ciné, hein. Je voulais vous parler de ciné un moment. Je sais plus comment elle s'appelle. Va te faire enculer. Celle-là, elle était trop bien. Ça, c'était de l'album. Bon. Attendez, je défroque la merde de Silent Hill. Ah bah voilà. Putain, ça va. Mais même le dézipage, il est long. Je l'ai pas écouté en entier, son album. Ça ne sert à rien de me demander. Il est plus long à dézipper, celui-là. Ça prouve plus de choses. C'est quoi le nom du son? C'était... Anubis. Anubis. Joke. Pendant qu'Hugo écoute Eddie Mitchell. J'avais pas vu que t'étais en live, pardon. Tu sais ce que t'as à faire pour t'excuser, Benoît. Tu connais les règles du Fight Club. Benoît, n'empêche. Et vous avez... J'aime bien parce que les ceux qui donnent à Cacabox, ils fonctionnent en équipe. Ils donnent à peu près à tout le monde. Ils se relaient en plus. Tu serais pas arabe? Alors, je suis plus arabe dans le caractère que Théo, mais je suis pas arabe, non. Ça me rappelle, c'était GT Gabi, il le faisait chier avec la question « t'es algérien ». Oui, à un moment, il l'avait coupé. Je suis allez, pas c'est algérien, bon. Et allez, c'est la dernière fois parce algérien. Que sinon, c'est je bon. Coupe le live. Bon, allez, live. C'est terminé. Bon, là, il s'est passé trop de choses, je sais pas ce que vous avez ce soir. Il pète un câble, juste parce qu'il disait « ah oui, il faisait tellement de ça », genre, il faisait genre que c'était pas par rapport aux commentaires, que c'était un... Bon, ma femme va pas bien... Non, il dit là, je suis désolé, mais il y en a certains qui vont être déçus, mais ça vous apprendra. Ah, ah le comme classique quoi. En plus sur le jeu pourri là. Je te donne le DZ Pass. Merci. Merci. C'est gentil. Non, mais Happy, de toute façon, gars, il m'a dit on est une famille.
Et puis il m'a dit que je suis plus arabe que certains arabes dans le caractère. Ah, alors, hein? Combien du dézip? Non mais ça dézip là. Badass le live. Benoît, par contre, t'es plus raciste que Damien Rieu. On te l'a dit, Benoît, ça? Salope. Aïe, 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 aïe. Silent Hill HD. Alors. Ah oui, effectivement, c'est pas du tout le même jeu, là. Ça donc, marche. CH2EE setup.exe. Non, alors attends, je vais aller dans le dossier avec toi. Pour... Ah non, il y a un CH2. Alors déjà, lance config. SH2EE config. Alors, attends. Ok, je lance. Et là, tu mets full screen window, 60 fps, tu vérifies que voilà, c'est bien. C'est déjà chiant à lire. Juste le premier. Ensuite, tu fais save and launch game. Ouais, de toute façon, c'était bon. Alors, attendez. Okay, bah vas-y. Faut qu'on... Ta manette est bien branchée ? Ouais, faut voir... Ah oui, c'est HD, là. C'est... Alors, attendez. Non, 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 lance pas le jeu. Il m'a lancé le jeu direct. Ça a fait continuer plus, ça a mis ta sauvegarde, je crois. Bon, je oui, recommencerai. New game. Ah ben dis donc, il était au pute, hein, Hugo, dans le jeu. Ça va, il se fait pas chier. Je suis allé loin. Ah, attends. Donc déjà, je te partage l'écran. Vas-y. Donc 720. Ok. En plus, ça doit faire 4 ans que je l'ai pas fait du coup. Je sais plus, 3 ans. Il parle de faire l'amour, hein, avec sa femme. Ça date. Ah bah, il n'y a plus okay, rien je sur vois. Cette scène. Ça se voit que ça fait longtemps que je n'ai pas stream. Hein. Alors attendez, je récupère la cam ici. La dernière fois, c'était... Ouais, c'était le truc. Acting, non? Ouais. C'était il y a 2 semaines déjà? Non, c'est 1 semaine. Et ça passe vite, Il y a eu le best-of, il y a eu Karim qui a fait le best-of là. Fineless qui a encore fait une super minia. Karim. Très très beau best-of. Fineless quand il s'agit de faire une mauvaise minia. J'ai pas envie. Alors malheureusement, je serai pas dispo pour ce projet. Alors, Silent Hill, celui-là. J'espère que ça bug pas en live, qu'il va pas y avoir de problème de FPS. Je pense pas. Moi, j'ai eu aucun souci. Hein. James oh. Honey. Non, non, arrête. Ça va te mettre une cinématique. James Honey. Alors déjà, fais un truc. Tu... La le manette curseur marche de ta pas souris. Pour l'instant. Voilà. C'est quoi comme manette que tu as? 360. T'as pas une Xbox One? Non. Attends, je vais essayer avec la PS4 avec. PS4, là. Ouais, mais DS4, ouais, ça marchera, je pense. Begging, begging you. Ça marchera, je pense. On va voir. Soirée horreur, les amis. Soirée creepy. On va jouer un petit peu, là. Du coup, au final, je m'en ferais bien le 1, moi, en live. Parce que j'ai fait le 2 et le 3 en live, mais j'ai pas fait le 1. J'ai cru qu'il allait me dire, je me ferais bien ta femme, pour ta... qu'elle est dispo. T'es disponible? Ouais, le 1, moi, j'ai galéré, quand même. DS4, attends voir. Si ça marche pas, relance le jeu au cas où. Ça m'a lancé une connerie là, un logiciel. Alors, DS4. Alors, porn. Ok, attends. Xari Game. Ah! Non, ça marche pas la manette là. Il y a un support manette sur le jeu? Ouais, normalement. Ça, je vérifie. DS4. Alors. Tac, qu'est-ce qu'il dit le gars? Ah, ça marche pas là pour l'instant. T'as pas besoin, ils disent qu'il n'y a pas besoin. Une seule Silent Hill. De DS4? Ouais. Ça marche avec une manette PS4 nativement. Ok. Donc là, éteins les... DS4, éteins le jeu et rallume le jeu. Ok, attends. DS4 dégage. Là, ça marche pas, faut que je redémarre. Oh, les, menus, les sons du menu. Moi, j'aimais trop les sons du 1, j'avoue. Ouais. Tout ce qui est sound design, musique, incroyable. Config.exe. Attends, il n'y a pas un truc dans les menus input là? Dans les menus. Controller du jeu. Attends, type. X input. Ah. Alors, attends, je vais regarder avec toi. Oh, je crois qu'il y a une connerie comme ça, non? Mais ça doit pas être bien compliqué de toute façon. Alors, c'est dans quoi? C'est dans le config que tu dis ça? Ouais. Input. Dans input. Contrôleur type.
Laisse nativement et relance le jeu. Et si ça marche pas, tu relances DS4 et tu mets Xinput dans les configs et tu relances le jeu. On va bien y arriver un moment. Ça, c'est chiant. En fait, le Xbox, j'ai pas le temps. Enfin, les. Voilà, ça marche pas. Oh, ça fait chier. On va pas y arriver. C'est bizarre que. Non, ça la détecte pas. Je trouve ça. Non, mais je pense que c'est plus dans les configs. Hein. Ça marche pas. Ok. Alors du coup, c'est bizarre, essaye, de mettre... essaye de mettre Xinput dans le okay. dans le Xinput. Controller type. Et il faut pas que je mette DS4 si je mets Xinput là. Essaye, on va voir. Normalement c'est pas nécessaire, mais c'est. On retestera avec la manette Xbox après le Xinput. Je teste. On va pas y arriver, tu vas voir. Mais si, on va y arriver. Le pessimiste. Pour la prochaine fois. Le pessimiste. Je préfère être pessimiste, toujours. Eh ben là, ça marche pas. Mais c'est bizarre, ça détecte pas du tout. Non, non, oh! Attends, tu sais quoi, je vais essayer de mon côté avec la manette. Rebranche ta manette Xbox et mets Xinput. Ok. Elle est où la manette? Elle a bien éteint DS4, hein, parce qu'il se met dans la barre des tâches, DS4. Ouais, je sais. De toute façon, je l'arrête avant de le. On va voir si ça marche. Non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est toi qui as un problème, ma manette PS4 elle marche. Sans que j'ai rien eu besoin de lancer. Et t'as mis quoi dans tes options? Direct input. On m'emmerde là. C'est chiant, frère. Toujours des soucis. Bon bah je remets direct input. Non, ouais, merde. Ça marche nickel, là. J'utilise 3 X360. Bah là, j'ai une manette Big Ben. Les gars, regardez la manette. Non, mais elle est connectée, regardez. Je fais Xbox, ça marche sur mon PC. Tu sais, ça fait le menu. C'est trop bizarre, la manette PS4, ouais, elle marche direct. J'ai l'impression que c'est un truc dans le jeu, un truc que j'ai... C'est parce que j'appuie sur ma souris, ça détecte comme premier truc. Non. Non, ça marche pas là. Ok. T'as mis quoi là? T'es Xbox Xinput, c'est ça? Ouais. Ok. Alors attends, je teste un truc moi de mon côté pour voir si ça marche. Putain, mais Xbox. Celle de Xbox One, de toute façon, là j'ai plus un problème de manette, je pense, parce que si aucune des deux marche. Attends. Alors vérifie bien que t'as fermé DS4. Rebranche ta manette PS4, c'est quand même bizarre. Mais sur un autre port USB, t'as pas un autre câble aussi? J'en sais de rien. Façon, elle est connectée en Bluetooth. Ah, je pense que c'est pour ça. Tu parles de la manette PS4 qui est en Bluetooth? Ouais. Ah bah branche-la. Attends, je la branche. C'est ça qui pose souci. Il y a USB 3 là. Begging. Ouais, c'est en filaire, ça marchera direct, pota, c'est sûr. J'ai l'impression c'est qu'elle sûr. Est pas. Elle est pas connectée là. Ah ouais, je vais désactiver le Bluetooth, attends. Parce que tu sais, ça reste en Bluetooth malgré le fil. Est-ce que tu. Bah, va dans tes paramètres Bluetooth et tu éteins le Bluetooth. Putain, mais c'est le fil en fait, je crois, qui est pété. C'est quoi, tu dis? Celui-là, il est pété. Il a aucun câble. Hein. Ah non, si j'en ai un autre là. Ah, alors là, le mec, il est totalement débile là. C'est bon. Il est connecté, je crois. Ça change tous tes périphériques audio. Quoi? Ah c'est bon, je t'entends. C'est bon, j'ai rien dit. Ouais, allô, vous m'entendez sur le live? Moi, je t'entends. Est-ce que je peux mettre DS4 quand même? Non, je le mets pas. Pourquoi? Parce que ça marchera tout seul. Tu mets direct input dans les paramètres. Mais c'est pour, mais c'est pour rigoler. C'est pour mon plaisir. C'est bon, il me dit qu'il est prêt. Il me dit la manette est prête à l'emploi. Allez, bah vas-y. Remets bien direct input et tu lances cette merde. Marche pas. C'est pas vrai.
Avec le fil, ça marche pas. J'essaye avec des S4. Non, mais c'est une catastrophe, là. Après, tu peux jouer clavier souris, mais bon. Oh non, non. Oh non. Ok, j'essaye avec des S4. Ta mère la conne. T'es sûr que t'as mis direct input ? Menu, direct input. Hop, je mets. Attendez, je mettrai la... Ah, maintenant, ça se met automatiquement. Là, ça passe pas quand j'appuie. Bah, c'est que ça marche pas. Mais là, elle est connectée filaire. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là ? Tu vois la tronche de ta manette ? Non, mais il veut que je lui montre ma manette, carrément, est-ce maintenant. Est-ce qu'elle clignote orange ? Non, mais elle est rouge. Genre, elle est... Ça se voit qu'elle est connectée. Ah ! Hein ? T'as fait un truc avec la manette ? Il y a peut-être quelque chose que j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a ? Quand j'appuie sur B, ça passe les dialogues. C'est un problème de touche, je crois. C'est un problème de touche qui sont mal paramétrées. Ah. C'est bon, ça marche. Tout marche ? Attends, pourquoi j'ai pas le son, là ? C'est normal ? Non ! Si t'as pas le son, je pense que... T'as plus le son ? Ah oui, j'ai plus le son. Non ! Mais arrêtez, okay, pourquoi ? Je sais pourquoi. Je sais pourquoi, écoute-moi. Quand tu branches une PS4 sur un PC, ça change tes périphériques. Ah oui, tes... ah oui, oui. Périphériques oui. Audio, pardon. C'est vrai. Pardon, je t'excuse auprès de ma grand-mère. Ok, c'est parti. Je l'emmerde. Ok, et le stream, c'est pour les chiens ou... Attends. Périphérique par défaut. Dégage, toi. Oh, le jeu de fou. Ça se trouve, tu vas pas aimer. Hein. Là, j'ai pas le son, là. Relance le jeu. C'est à cause de ça. Je vais me troncher la gueule avec une bite, mais énorme. Énorme. Save and launch game. Ça sert à rien d'acheter des jouets à son chat. Achetez-lui. Tiens. Voilà, lui il est content. Donc maintenant. Ok, c'est bon, on y est, les amis. On Allez, y est. Allez, tu me vires cette souris de l'écran. Bah, je crois que je peux pas. Hein. Ah, c'est parti. Bon. Nouvelle partie, les gars. J'adore là là, Silent Hill 2. C'est alors, quoi la première que je fais. La première, c'est un DLC, la deuxième. Peut-être là, un peu trop fort le son. Hein. Là, on est sur Gran Turismo. Choisissez votre capot. Bon, là, il y a de musique porno normalement. Vas-y, facile, je mets facile. Facile partout. Voilà. Bon. Ah oui, oh c'est là, un... le son. Un peu fort. Oh le son. Attends, je vais un peu baisser. Oh la musique. Putain, faut que je garde l'immersion là. Il est où le son ? Celui-là. Ça va là ? Ouais, pas de son sur le live, qu'est-ce que vous racontez ? Ah oui, ils ont pas de son sur le live, comment ça se fait ? Oh non, sérieux ? Mais j'en peux plus, frère. Attendez. Vérifie ton périphérique d'enregistrement dans les paramètres Windows. C'est pas vrai, hein ? Attendez, je sais pourquoi. On va relancer. C'est pas vrai, hein ? Non, arrête. C'est tout m'empêche de jouer. Attendez. On va y arriver. Hein. Alors attendez, que audio bureau. Je vérifie le paramètre. C'est à cause de ce putain de manette là. C'est pour ça, c'est de la merde. C'est pour ça que je joue avec une manette Xbox maintenant, parce que ça change tous les paramètres à chaque c'est fois. C'est pour ça que je fais mon ménage chez moi. Je demande plus à personne. Mais comment on fait pour... C'est quoi ton souci ? C'est OBS. Pour changer le paramètre de audio. Ah, t'es sur Windows 11 ? Non, sur... Ah non, je sais ce qu'il faut faire. Allez, j'arrive 2 secondes. Putain, j'en peux plus, frère. Tout ça pour lancer un jeu. Oui, ça m'a mis l'autre truc par défaut. Donc c'est voice mode par défaut, du coup, qu'il faut mettre, je crois. Ah. Attendez, je vais vous mettre un son sur l'ordi, vous me dites. On va y arriver, les gars. C'est bon ? On l'entend, celui-là ? Allez, c'est parfait. Le stream. C'est bon. Non, man... Non, commence pas. Non. Non. C'est bon. Ça va, Hugo ? Qu'est-ce qui se passe ? Manette s'est déconnectée, hein. Petite seconde. On va voir ce que ça donne. Tita tout. Ok, vous l'entendez là ? C'est bon, on l'entend.
là, ici. Et bon, est-ce qu'on peut s'amuser, les amis? Est-ce que tu peux me le streamer? Est-ce que tu peux me le streamer? Moi, je suis le roi tout puissant, j'ai besoin d'un stream. Non, on va jouer tout seul avec le live. Okay, comment ça, vous... Je vais te laisser. Vous entendez pas? Non, mais là, c'est un problème du jeu, là. Vous entendez les sons YouTube, mais pas le... Pas le son du jeu, c'est trop bizarre. Est-ce que je peux faire Clique sur nouvelle partie pour voir. Ça fait du son. Non, non, mais ils l'entendent pas, je le vois que ça s'allume pas. En plus, vous l'aviez tout à l'heure. C'est attends. Brancher la manette. Hein. Tais-toi. Non, il n'entend pas. Ils entendent le son de... C'est trop bizarre. Ils entendent le son de YouTube, mais pas du jeu. Je comprends pas très bien. Attends, je vérifie dans les paramètres de Silent Hill 2 s'il n'y a pas un délire à cocher dans les... pour la sortie du son. Alors. Audio. Audio clip. Non, il n'y a rien du tout. Bah non, c'est le son, il est censé sortir sur ton périphérique par défaut. Vous entendez là, arrêtez. Là, vous entendez. Ah, j'entends. En fait, on l'entend, mais incroyablement bas. Tout m'empêche. Minime, hein. Tout m'empêche. C'est avant même qu'on démarre, je peux l'augmenter. Mais là, c'est hyper fort pour moi. Hein. Je vais baisser ici. Non mais c'est dans tes paramètres baisse. Je suis sûr que ce qu'on entend, c'est le son de ton casque dans ton micro, en fait. Ah. Mais c'est quoi cette merde, en fait? C'est la première fois un jeu, il met pas le... En plus, moi, c'est bizarre, parce que quand je l'ai fait, ça a marché direct. T'es sûr? Vérifie, c'est con, hein, mais vérifie vraiment tes périphériques par défaut et OBS. Quitte le jeu et... J'ai pas envie. J'ai pas envie de jouer, là. Non, mais arrête de ta gueule! Ta gueule! Je veux juste jouer à mon jeu. Attends, audio bureau, comment je fais pour le modifier cet audio bureau? Pour voir la périphérique. Tu fais clic droit sur le haut-parleur en bas à droite, ouvrir le mélangeur de volume. Non, mais dans OBS. Ah. C'est pas ton délire de piste 6, là? Si, mais du coup, je sais pas. Genre, j'arrive pas à modifier le périphérique. Après, il marche très bien, Silent Hill 1. Ouais, bah c'était un émulateur aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? M'entendez là? Je vais créer un autre. Tu sais quoi? Je crée un autre audio bureau. Les gars, je vais créer une autre entrée, une sortie audio. Voilà. Voice mode, je pense. Ah, non, vous allez m'entendre en double. Là, vous m'entendez? Mais c'est trop bizarre. Je vous jure, l'audio de mon bureau.
diarrhea? You said you took everything, but you forgot. Attends qu'il y ait la scène cinématique pour régler le son, au pire. Mets une vidéo, tu sais, dans le menu, là. Mets une vidéo, comme ça, tu peux régler ton son. Bon, 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 bon. Alors, vous m'entendez, là ? Non, mais... Non, là, on m'entend. Oh, putain. Après, je peux baisser ici. Hein. Bon, c'est un peu fort. On va baisser, du coup. Hop. Ouais, manette 3-6 marche. C'est bizarre que t'aies eu des soucis tout à l'heure. Elle est pas en filaire, la 360. Ah, bah c'est pour ça. Et j'ai pas d'autres manettes sous le coude, là. J'en ai une, mais je suis pas sûr. Je pense pas qu'elle marche. Okay, c'est bon, là. Tu me stream quand tu peux. Et c'est une dinguerie, bon. Quand même. Compliqué, hein. Et j'ai peur que la PS4, elle fasse bugger, là. On va voir. Hein. Ça fait plusieurs fois qu'elle se déconnecte. Je sens qu'elle va faire crasher le truc. Si ça bug, tant pis. On fera une autre fois. Bam 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 bam. Oui. Alors. Non, non. Ok, non. C'est bon. Alors, les gars, on est parti. Allez, Silent Hill 2. Facile. Facile. Oh putain. La sale gueule. Pardon. Oh. Ah oui, c'est ça qu'on va aller dans le trailer, ça. Ouais. C'est pas pareil, hein. Dans le nouveau trailer. Bon. James, vous pouvez arrêter de faire genre que vous le connaissez. Vous savez, moi, c'est quand c'est pas un coureur du GP Explorer, moi je pleure pas pour ces types. Ça m'intéresse pas. Mary. Quand je pense qu'il y a des croutons que je serais prêt à bouffer là-dedans. C'est pour ça, t'as vu l'état des cagouins, ça ? Pourquoi tu laisses des croutons, James ? Pourquoi ? Mary, could you really be in this town ? Je vais me faire saigner. I'm gonna fuck you up at WrestleMania ! Eh, c'est pas mal l'été pour un... Ah oui, mais bon, t'as par contre... Ouais, c'est le même problème de déplacement. Hein. C'est quand même un peu mieux. C'est moins un tank. Il y avait des reflets dans le miroir pour l'époque. Ce qui me dérange le plus, c'est que voilà. Là, ok. Ouais. Instinctivement, je mets le joystick vers le bas. Mais sauf qu'il faut le mettre vers le haut pour avancer. Mais oui. C'est ça qui est après, dérangeant. Après, il y a un paramètre dans... Fais start. Va dans options en bas, à gauche. Type de commande. Ouais. Et tu fais style directionnel. Je l'avais fait dans le truc, ça, j'avais pas l'impression. Attends, on va voir. Ah, peut-être que si. Tu préfères. C'est un peu plus bizarre, c'est dommage parce que les mouvements ils sont un peu brusques. En fait, ouais, les changements de caméra, tu vas être obligé de remettre ton stick au bon endroit, mais je pense que ça te dérangera moins. Bon, on verra, au pire. Bon, on est dans les chiottes, les gars, donc vous savez ce qui se passe. Et Jean, il a joué à cette version ? Ouais, j'ai envoyé cette version. Il me semble bien qu'elle était plus sombre. Cinématique ! Dis-toi que ce jeu-là, il est sorti 2 ans après le premier hein, auquel t'as joué. Ouais, il y a un cap. Mais j'aime bien le style du 1 parce que tu sais, il est très sombre et. Oui, ça colle avec l'ambiance, clairement. Le brouillard, tu sais très bien que c'est pour cacher toutes les textures en mode qu'il n'y en ait pas trop qui s'affiche. Ouais. Mais en même temps, ça donne une ambiance. Silent Hill. Et c'est celui-là qui est le remake. You'd take me there again someday. Ouais, c'est celui-ci, ouais. But you never did. Je te laisse suivre un peu l'histoire quand même. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Ok. On imprègne un peu de l'ambiance, les gars. Et il faut, de toute façon. Hein. On va pas faire des blagues tout le temps. Mais... The name on the envelope said Mary. Et moi, je suis un homme. My wife's name. C'est la même histoire que le 1, quoi. It's ridiculous. Non, du tout. Je t'ai dit, Silent Hill 2, c'est le seul que tu peux faire sans te... C'est connecté, si tu veux, dans l'or, mais il se fait comme ça, quoi. Pas besoin d'avoir fait l'ancien. A dead person can't write a letter.
Mary died of that damn disease 3 years ago. Ah, c'est celui-là qui l'a joué. So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? Tu vois quand même un peu l'ambiance quand je te disais que ça me fait penser à Twin Peaks, le peu les forêts, les brouillards, je suis d'accord. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Bon, je rassure, c'est la cinématique où il y a le moins de budget du jeu. Hein. Là, ça bouge pas, mais t'inquiète. Could Mary really be there? N'inquiète pas, je suis pas. Difficile, hein, je ouais, mais vu que c'est un vieux jeu. À part le gameplay, je prends en compte que c'est des anciens jeux. On entend plus le jeu que toi, pota. Putain, c'est chiant parce que. Genre, ouais, baisse vraiment un chouille parce que j'ai écouté et. Ah, là oui. Là, ça, c'est du Twin Peaks, l'ambiance. Là. Ouais, la musique est incroyable à ce moment-là. Le truc, c'est que vous savez, vous entendez trop fort, alors que moi, je n'entends pas si fort que ça. C'est ça qui est chiant. Je mets ta. Baisse-le un chouille, baisse-le un chouille. Je le mets à zéro. Allez, 35, pas chier là. Et si t'es pas content, c'est le même prix. Allez, c'est bon là. Allez, on va dire que c'est bon là. Ça a baissé aussi chez moi. C'est filmé de loin. Hein. T'as vu? C'est un mec. Ah, tu vois, ça j'aimais bien dans le 1. Attends, que ça les changements de caméra, bah tu vois. Ouais, la caméra le suit. Alors, prends ce qu'il y a dans la voiture par contre. Non, je vais regarder, je vais regarder la forêt, puis je vais me sauter. Je vais sauter dans le vide. Bon, alors, le fond par contre, c'est. Point JPEG, mais. C'est quoi les boutons là? C'est ça pour. C'est à peu près. Alors, je crois que c'est. Tu joues avec. Manette PS4, carré pour courir, ouais. Ok, c'est la même touche que là. Donc on a la carte qui doit être ça. Ok, parfait. Ah putain. C'est ils l'ont refait ou quoi là, mais on va vite piquer des voitures. Salut à tous. Et là, la version que je t'ai envoyée, c'est une version qui a été refaite par totalement par des fans. Des gros coup, connards. Les textures sont HD, bah pour la plupart, oui. J'ai envie de tout fouiller là, par contre tu commences à m'emmerder avec ton jeu. Mais tu peux hein, regarde, tu peux aller au bout là. Regarde ce qu'il y a marqué sur les grilles. Ah bah dire la camionnette de Tibro le pédophile. J'entends les gosses. Je rappelle que c'est un métier à plein temps hein, ce que fait Tibro. J'ai envie de tout fouiller là. Ça me rappelle des souvenirs. Y a pas d'objectif là. On va juste où on va aller à Rosewater. Ah impossible, continue en voiture là, oui. Faut que j'aille à Rosewater. Mais parce que tu sais, dans le 1, ces enculés, ils foutaient des trucs au bord, des trucs de soins. Ouais, mais là, tu vas en avoir, mais pas tout de suite. Je te dirai de toute façon quand tu auras des trucs à ramasser si t'as besoin. Là, tu peux zooker. C'est-à-dire? Tu fais gauche-droite très très vite. Bah non, bah c'est pas gaou. Directionnel. Premier gaou n'est pas gaou, ah. Donc, voiture, j'ai pris. Attends. Là, c'est la là-bas, je sais plus ce qu'il y a à droite. Je peux rentrer là? Ouais, tu peux revenir dans les chiottes si tu veux. J'avais ça te sert à rien. Tiens, laisse-moi passer là. Je suis sûr, il y a un truc là. Je suis arrivé par cette route. Ok. Ta gueule. Bon bah, on va aller à Rose Park. Ta gueule. Non, mais pardon, j'ai tout trouvé là. Alors là, l'ambiance. J'aime trop. La cascade, comme dans Twin Peaks. J'arrête. Alors t'as toujours le délire, tu sais, gâchette, pour pouvoir rester appuyé et comme ça t'as la caméra. Là, je préfère dans le dos du perso truc directionnel. Oula. Oui, c'est normal. Dis donc, les SDF dans le coin. Bienvenue dans le fromage. Tiens, je préfère le GP Explorer, tiens. Excusez-moi de garder mes larmes pour des sujets un peu plus graves. Ah, j'aime bien, là. Ah, la première fois quand... Oh, putain, j'avais oublié qu'il y avait ces bruits-là. La première fois quand je l'avais fait, la couche jusqu'au genou, là, tu tapes la rando, tu te demandes ce qui va se passer. T'inquiète pas que t'as pas besoin d'un jeu d'horreur pour te chier dessus, Hugo. C'est vrai que personnellement, j'ai ça arrive en stream comme ça, hein. Oh la musique, putain. Putain, je rate plein de trucs là.
Ah, c'est là que t'étais. Ah ouais, mais tu devais commencer le jeu là. J'avais perdu mon ancienne sauvegarde. Oh, tiens, la couche du go. Putain, les fondus rouges, ça, c'est une coïncidence. J'ai vu un film de Bergman, il y a des fondus rouges comme ça. Ici. C'était quoi? C'était Cry and Whisper. Là. C'était des fondus rouges comme ça. Et je l'ai pris là? J'ai rien pris. C'était à chaque fois qu'il y aura un post-it rouge, ouais, c'est ça. Non, mais je l'ai sauvegardé, enfoiré. Allô? Allô? Tu préfères les commandes comme ça? Ouais, largement. Pour me déplacer, j'ai beaucoup plus l'habitude de jouer comme ça. Et on peut remettre. Ah oui. Ouais, on peut la remettre. Ouais, tu peux. Dès que tu restes appuyé. On l'a vu au soleil. Oh la vache. Bon, je vais rester comme le jeu il me dit. Mais c'était inédit ça dans les jeux vidéo, les. Comment dire, les pannes de caméra là. Bah c'était la mode, c'est Resident Evil qui a lancé. Enfin c'est Alone in the Dark qui a lancé ça, ensuite Resident Evil l'a popularisé et. Alors, le jeu d'acteur dans le jeu, il est, tu sais, c'est comme ce que je disais un peu dans ce que j'ai vu de Twin Peaks, ça fait très déconnecté. Soap opera, ouais. I'm sorry, I was just... No, it's okay. I didn't mean to scare you. C'est 2001, le jeu, pour ceux qui se demandent. Lost. Les tours étaient encore en place, les amis. Je suis même pas sûr. C'est à cause de jeux qu'elles sont tombées. It's hard to see with this fog. Ben Laden, il a goûté au jeu, il a dit putain, mais c'est trop bon. Mais il y avait pas un délire comme quoi ils avaient retrouvé des épisodes de Naruto sur le disque dur de Ben Laden? Yes. J'ai pas vu ça là. Il y avait un émulateur avec Mario Bros et Naruto sur Ben Laden, les chevaliers du fiel. Ah mais je crois qu'il y avait un délire comme ça hein. Le son de continue un petit peu aussi. Ouais, il y en a pas mal dans le jeu. Badalamenti le fait souvent dans Twin Peaks. Okay, I got it. I'll be careful. I'm not lying. No. J'ai tellement hâte que tu finisses l'histoire et que tu recolles un peu les pièces toi-même pour interpréter le truc, c'est le meilleur. It's dangerous or not. I'm going to town either way. But why? Pendant ce temps-là, Starfield. I'm looking for. Attends, mais j'ai une image hein, si tu veux. Mais là, regarde, il y a déjà plus que Starfield dans les dialogues, parce qu'il y a une contre-pro. Ah oui, oui. Very important to me. Pendant ce temps-là, Starfield. Me too. Face à un jeu qui date d'il y a 22 ans. Pas si mal fait les visages en vrai. It's been en HD. So long since I've seen her. Ça me fait penser à la sœur de Skyler. Ah ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis. I can't find them either. Oh, elle est complètement bourrée, là. I'm sorry. Toutes les personnes en Silent Hill, c'est pas... Après, tu prends un gun, une balle dans la tête, elle est morte, on parle plus d'elle. On n'en parle plus, hein. Ça va? Tu veux que je te reparle? C'est vrai que tu peux lui reparler. Oh, la musique, je l'adore, celle-là. Ça fait carrément une cinématique quand tu reparles. Tu sais, normalement, ça ferait t'as vu juste un petit dialogue là. Bon, encore une fois, 2001. Ouf ta map, je sais pas si. Où est le père de Damien Rieu là? Que je veux des terres de seconde. Je dois lui parler deux mots sur son fils qui a pris une heure de colle. Monsieur Rieu, votre fils a envoyé un message à Passe pas la douane là. Ça va pas du tout. Il est pas correct hein, sur les réseaux, vous le savez quand même. Faut le rééduquer, hein. J'aime bien les musiques quand même. Hein. Dis pas non. Je dis tu vas kiffer encore plus. Je crois que c'est là-bas, ouais. Non, mais pense à la maison de Wallace et Gromit. c'est désolé, pas le même thème. J'ai hein. Mes rêves. Putain, ça me fait penser à Titeuf quand t'as dit elle embrasse Titeuf. Oh oui. Hey, Benoît, ta mère. Oh oui, avec le proviseur. Oh, oui. Hein. On a revu Titeuf le film, ce passage avec Jean-Claude, classique. D'ailleurs, faudrait qu'on te le fasse, ta putain d'after ciné là. Faut que tu me proposes, hein. Ouais, ça me dérange. Il faut pas, faire le dîner de con et il faut faire. C'était de l'autre côté, pota. Là, tu reviens sur tes pas. C'est juste que tu me. Vu que tu me dis pas, j'oublie moi.
Je l'ai pris en plus. Faut faire les anges gardiens et dîner de con. Un soir, elle m'en fout, moi. Bah, en vrai, on pourrait le faire demain soir. Hein. Vas-y. Demain soir, ange gardien. Allez, demain soir, after ciné, je pense. C'est quoi ça? On peut le lire, celui-là? J'aime bien, je sais pas, j'ai jamais interagi avec les pierres tombales, je crois pas que tu puisses lire. Est-ce que le côté HD, ce que je te disais sur le 1, ça se voyait qu'il y avait des objets que tu pouvais prendre, ça se voyait dans... Ils étaient différents des autres. Dans le jeu, James, il bouge sa tête dès qu'il voit un objet qu'il peut ramasser ou avec lequel il peut interagir. Ah, c'est par là, à gauche. C'est pas là, non? Là, tout droit, tu vas tomber sur une porte, normalement. C'est le bordel avec le... Voilà, ici. Avec le brouillard, mais c'est fixe. Quelle heure? Bah, je sais pas, le soir, peut-être. Bah, vers 20h30. 20h, si Théorus ne lance pas un live qui pourrait vraiment bousiller notre planning. Et du coup, tu m'as remotivé, je pense que je vais faire le 1, du coup. Bah, tu vois, il y aurait eu ça sur le 1. Là, ce que je te... Ouais, bah, ça change tout, hein. Mec, parce que les contrôles, c'est... Quand il y a un monstre qui arrive et que je suis là, je dois... Je sais pas si tu voyais, j'étais à l'église et j'essayais de m'écarter. J'essayais de m'écarter pour faire, pour que ça fasse, pour que je le vois de face. Pour que t'aies le temps et de pouvoir l'esquiver ou C'est trop dur, ça. C'est les anges. Le film de l'after ciné, c'est Les Anges Gardiens et c'est avec Depardieu et Clavier, si vous voulez, pour pouvoir le streamer demain sur l'after ciné. Il dure pas longtemps, on fera le dîner de con. Hein. On est capable de faire deux films. Dure 1h30, je crois. Le dîner de con, il dure 1h15, même pas. Hein. Ouais, donc on peut se faire deux films si on veut. Dans la voiture, il y avait rien? Non, il y avait rien. Je te dirai quand il y a des trucs à ramasser, t'inquiète. Les baudins. Tu vas faire ta première rencontre là dans pas longtemps. Regarde ça. La petite pancarte. Il y a marqué quoi dessus? No crossing. On peut pas rentrer? Non, pas ici. Tu sais que dans Mulholland Drive, il y a un ange. Bon, j'arrête de faire les... Je te l'avais dit, de toute façon, qui... C'était bien inspiré de Twin Peaks. Hein. De toute façon, le Silent Hill 2, c'est après. J'en sais rien si c'est avant ou après. 2001. Ouais, donc. Ah non, c'est la même année, donc il n'y a aucun rapport. Les bruits de pas. C'est pas par hasard. Ouais. Attends, t'es en train de me dire quelque chose? Non, y a le corps bien. De quelqu'un là? En dessous? Non. C'était bien où t'allais? Là, dis-toi, le début du jeu, c'est vraiment ligne droite. T'as rien à faire. Juste, t'as une longue séquence où t'arrives à Silent Hill. Non, mais vous avez pas compris, je parle de Mulholland Drive. Il y a un ranch, il y a un moment bizarre au ranch. Où il croise un. Ah, mais la scène que j'ai faite là pour le CCB Acting que t'avais mise là, j'ai trop kiffé de. Mais regarde-le en entier là, c'est ouvert. Regarde, ouais, merde. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé de film. Je joue à ton jeu. Regarde, on va faire un échange de bons procédés. Ouais, il y a moins d'objets que à prendre. Hein. Je pensais qu'il y en aurait plein que je raterais. Là, tu rates rien, t'inquiète. Hein. Et imagine, t'as un truc que j'avais jamais vu dans le jeu. Ah, bah c'est possible aussi. Hein. Train de life, merci, ouais, mais bon. On taffe, hein. On travaille, en fait. Je sais pas si vous savez. J'ai l'habitude de l'ancien jeu où faut se retourner. Putain, c'est. T'as déjà eu ça, Pota? J'ai eu une alerte sur Discord, activité de connexion inhabituelle détectée sur After Ciné Potatoes. Genre en mode comme si le machin il se faisait hack. En fait, c'est juste que les gens ils rejoignent pour demain. Ah ouais, ça doit être pour ça. Ah oui, il doit détecter. C'est parce qu'ils ont réglé le truc des bots, empêcher les raids du coup. Ah oui. Voilà. T'as vu l'ambiance quand même? Je sais même pas où je suis là. Sur une route. Ils te mettent dans l'ambiance de la ville, c'est pour que tu comprennes que tu plonges dans un truc... Un portail. Ouais. Un Black Lodge. Ah, les bruits putain qu'il a samplé, mais... J'espère sincèrement que... C'est sa grand-mère qui accouche, hein, c'est Kojima. Attends, c'est pas bien. Kojima. Il a confondu les japonais. Attends, c'est pas Kojima celui? Ah non, c'est Akira Yamaoka. Mais j'étais persuadé que c'était Kojima et que c'était pour ça que c'est Kojima, moi. Ah, absolument pas. C'est ouais, on va dire que c'est Konami, Kojima. Ça donc Kojima, c'est sa grand-mère qui accouche. Hein, pour... Alors, fait peur le remake. Hein. On verra dans le jeu si je trouve des similitudes avec d'autres films.
Marqué quoi, tu me dis comment il s'appelle ? J'ai pas le nom exact du créateur, ah mais bon, le créateur c'est Konami. Mec qui confond tout. Ah, tu es les Japonais. Oula. Putain, je me suis fait baiser par les Chinois. T'inquiète pas, va. On fouille les poubelles. Rappelle que Hugo fait pas les courses, hein. Il fouille les poubelles de son voisin, voir ce qu'il reste pour la semaine. Tiens, à gauche, il y a des trucs à ramasser, du con, là. Je vais te foutre de ma gueule. Ah ouais, bah je vais à droite. Bah écoute. Un truc de basket. Ah, mais oui, c'est dans cet ordre-là. Ok, je me rappelle ce qui va se passer. Là, je peux rentrer. Non. Putain de salaud. Attends. Ah oui, du coup, j'ai fait tout ça, ok. Ah, tu vas au bon endroit là, t'inquiète. J'ai pas passé par la grande route. De toute façon, t'as des routes qui sont volontairement fermées, c'est comme dans le 1. On va pas dire c'est plus ou moins linéaire quand même. On va pas dire ce qu'il y a dans ce fleuve parce que. Hein. Ouf. Il y avait pas de brassard. Non, c'est du ketchup, non, enfoiré. C'est de la groseille. La mère de Théorus, finie journée de travail. T'es pris des backshots Putain, et vlan. J'ai pas d'armes, hein. Attends, non, je vais chercher un... C'est normal. Suis les traces de sang, bon dieu. Mais j'ai pas d'armes. T'inquiète pas. On a quand même vu quelqu'un de pas très commode. Faut que tu retrouves des traces de sang, là. Mais tu m'as dit qu'il y avait des trucs à gauche à récupérer, ça me stresse. C'est pas grave. C'est pas nécessaire. Là, tu vois, c'est quand même un power head, quoi. Je continue ici. C'est quand même une dark dog. Hein. C'est un nature valet quand même 100% protéines. Oh putain, d'ailleurs, j'ai trouvé des nature valets que j'avais jamais vu. Je t'enverrai la photo. Incroyable. Si c'est avoine, j'ai pas aimé du tout. Hein. Avoine chocolat ? Non, c'était des trucs secs. Bon, bah moi c'est avoine chocolat. Tiens, t'as une série. Non, mais c'était sec ou pas ? Un peu, ouais. J'ai pas aimé. J'adore. Ça. Ah voilà, il y a un truc de vie là. Ne pas éteindre le PC. Et normalement. Ok, c'est bon. Là, il y a un truc de. James, tu vois, il regarde par terre, tu vois. Tu peux ramasser. Ah, ok. Et tu dois en avoir un autre dans le coin, là. Tu vois, il regarde par terre. Putain, il tu connaît le pas. Maintenant quand le mec, il est addict au jeu, en fait. Non, à voix de miel, j'ai pas aimé, moi. Voix de miel, dans... non, j'aime bien. Si tu le trempes pas dans un truc, mec, tu bouffes une chaussure. Chaussure, c'est le slip de Grimm après le GP. Ah non, du coup c'est pas ça. Ah, j'y repense, Grimm, mais il faut qu'il arrête de tweeter. Ah, 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 au début. Ah, Manon, c'est le mec un peu con. Ah, c'est l'anniversaire du 11 septembre. C'est parti pour ce stream. On va faire une ranked LOL, les gars. Il sait pas comment commencer un tweet pour que ça ait l'air naturel, genre. Il a juste en fait, pas à mettre ah, 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 c'est tout. Hein. Non, mais en gros, je sais ce qu'il pense. Quand il le tweet, il se dit, faut pas qu'on prenne trop au sérieux dans le tweet, genre. Ah oui. Allez, profite. On est sur canal là C'est crypté. Je vais éteindre. Oh non. Bon. Qu'est-ce qui est passé là? On va redémarrer le jeu, il a craché. Non, c'est pas vrai, ça a craché. Si. Oh non. J'espère que c'est pas un bug par rapport à cet endroit. Hein. J'ai eu zéro crash moi quand je l'ai refait en stream. J'ai rien fait de particulier, à part ma manette. Attends, je voulais éteindre la lumière par contre. Je pensais que t'avais donné un grand coup de latte dans ton PC, c'est pour ça que je me disais putain. Excusez, j'éteins la lumière. Vous me voyez plus. Il se met dans l'ambiance là. Dommage. Bon, t'as la save là où t'as pris les. Ouais, heureusement. Enfin, non, t'as sauvegardé avant, mais il faudra reprendre les fioles. J'espère que c'est pas un bug par rapport à cet endroit. Hein. Ouais, moi aussi. Ah, mais t'as plus le truc du coup. Ouais, j'attends. Je pourrais mettre mon fond vert, mais. C'est un peu la flemme. Bon, ça va te gâcher le truc si t'as mis la lumière dans la gueule en plus. C'est bon, vas-y. Ouais, j'avoue, faut que je le règle. Déjà qu'on a galéré pour le lancer là. Je préfère largement. Quand je stream, je préfère largement avoir une ambiance tamisée que grosse light avec le green screen. Hein. Ça te nique la gueule, ça te gâche tout. Attends, j'étais allé là ? Ouais, c'est bon, t'es sur le bon endroit. Juste que ça met pas la caméra. Ouais. Parce que là, on avait des cryptages, là. Si vous décryptez ? Caca de chien. J'enquête.
Merdasse fraîche. Bataille Fontaine, on a retrouvé votre mère. Alors sans surprise. Allez. Sinon c'est mal barré hein, si ça rebug. C'est bon. Ok. Oh et eh oh, on regarde partout avant de parler. Avant de ramasser. Là. Ah bah c'est bien dégueulasse hein, en tout cas comme son. C'est bien un verre solitaire dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ce gibier de potence ça? On a mangé trop de nature volée. Ils sont trop forts. Va te faire enculer. Chèque dada. Il a fait je dérange, j'y vais si je dérange. Tu me dis hein. Attends, la touche c'est comme l'autre. Voilà, c'est bien. Attention, il vomit. C'est bon, j'ai tué Sardoche. Ah oui, t'es en facile. Je me, je me disais aussi, un coup de latte, ça se retrouve au sol. Je pourrais augmenter, non? Je sais pas si on peut augmenter. Non, tu pourras pas encore. Et attends, est-ce qu'il faut les tuer comme dans le 1 là? Ah, donc moi, c'était trop satisfaisant par contre le coup. Tu peux, hein? Il y a le coup de pied dedans. C'est peut-être juste parce que t'es en facile. On peut pas augmenter? Un truc à ramasser. Un petit coup? Je crois pas. Hein. Option de jeu. 7 points. Waouh. Il s'en fait. Non. Non, tu pourras pas. Couleur du sang, tu vois. C'est pas grave, c'est pas grave. Pourquoi? Mais c'est quoi là? Ça c'était bien l'époque des années 2000. Allez, je le mets en multicolore le sang. Je pense que c'est juste histoire de pas choquer, mais bon. Quand il y a marqué des conseils moins de 16 ans sur la boîte. Attends, normal. Ça va le gars? Tu pourras pas changer la difficulté. On les tuera en un coup. D'ailleurs, le menu. T'as ramassé la radio sur le cadavre ou pas? Attends. C'est start? Ouais. Ok, c'est bon. Activé. J'ai ça. J'ai une photo de marée. Bon. On peut la. Tu peux l'examiner, je crois. Ouais, on va voir la gueule. Ouais, bon. Bon, bah, c'est Jean qui s'est mis diligent. Ah, mais je l'ai lu ça? Ah oui, je l'ai lu au début. Ouais, c'est la lettre qu'elle nous a lue. Là, je dois aller là ou pas? Non. Non. Je reviens sur tes pas. On est là-bas. Arrête. Un screamer? Oh yeah. Non, il n'y a pas de screamer dans le jeu. This thing broken? Et là-bas, il y a ce mois-ci dans l'actu. Et on pouvait pas se quitter sans Gabriel Attal qui casse encore les couilles aux Arabes. Retrouve Guillaume sur Facebook. Ah mais t'es sûr? Ah je le savais que t'allais le chercher. Ah je le savais. Ah tu crois quoi? Ah je te connais par cœur. C'est tellement parfait, j'ai mis longtemps à le trouver. Retrouve Guillaume. Ah et oh. Eh les détails. Le détail, hein. Ça 2001. Eh bah y'a des jeux. C'est quoi Ubisoft là, ça laisse pas des traces hein dans le... quand tu marches dans le sang. Ah bah ça non. Ça je déteste. Franchement c'était trop frustrant de rejouer à Assassin's Creed après Red Dead. Toujours j'étais là en mode putain mais ah bah, tellement de trucs. Oui, bah tu... Je peux rien dire encore mais bon. Là y'a un truc rouge. Là y'a un truc alors, rouge de souvenir, là. C'est ta sauvegarde. Ok. Bah, je vais aller à Rose Park non? Ouais vas-y ouais. Je crois qu'il faut ramasser une clé quelque part avant mais on va trouver. Visite bien les rues de Silent Hill, ouais. On va trouver. T'inquiète si je dois tuer 2-3 chevaux. Ah bah je sais bien, ah bah, en plus je suis intelligent. Le il est intelligent. Con, en tout cas t'inquiète pas, t'as pas le même délire que tu sais dans le 1 où il faut 1000 clés avant de continuer là. Franchement il est pas si vieux le jeu dans le gameplay je trouve. Le jeu est long. Bah, quand tu le connais, tu le fais en 3h30, mais je pense Pota il va plutôt. Bah, on le finira. Parce que là, Hugo, il va partir. Donc, Ah, mais je reste jusqu'à minuit au moins quand même. Vas-y, à minuit on arrête et après on continuera un autre jour. Ah ouais, moi je suis. J'avoue, on a mis tellement de temps à le lancer que. On a bien perdu une heure et demie. Oublie les monstres, sincèrement, oublie les monstres. Surtout que t'as bon, de la attends, place. Attends, je peux quand même me faire plaisir. Vas-y, encore! Ah il va vomir. Oh là 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 là. Arrête. Ah faut rester appuyé, j'ai pas compris. Et coup de pied dans le cul. Tiens. Voilà. Gabriel Attal.
La vessie, je veux. Elisabeth Borne, le jet. Connasse. Je dis quand il a trouvé Théorus au sol, là. Ah, t'es... c'est toi qui fais la 3D. C'est toi qui... Xenos. Mec, tu comprends tout. Ah, ça, ça, les ruelles aussi, elles ressemblent, du coup. Bah c'est la même ville. Ah, c'est la même ville. Bah oui, c'est Salenti. Ok, je pensais que c'était Bourg-en-Bresse. C'est Amiens, hein. Là, des fois, il y avait des petits trucs, là. J'avais trouvé une... De toute façon, faut qu'on fouille, hein, parce que faut qu'on trouve la clé. Tiens. Tu sais, des fois... Ah, mais je reconnais ici, attends. Ah oui. Donc l'école était à gauche, là. Je sais plus s'il y a marqué l'école, mais techniquement c'est la même ville. Je sais pas si c'est au millimètre près. Elle se coupait là. Tu vois, à côté droit. Oh ouais, ouais, ouais. Et ça, on l'avait pas, ça. Ah, je crois que c'est là. Tu vois la Martin Street? Je crois qu'il faut que tu ailles dedans. Martin Street? En plein milieu, là. Martin Street! Martin, je crois que la clé, elle est là. On vend du maquillage hyper cher. Martin! Et je t'ai acheté une magnifique bague au manège à bijoux Leclerc. Martin. On s'arrête Jimmy Labeu pour son buzz. Let's go, Martin Street. On s'arrête Jimmy Labeu. Oh, n'empêche ça. Bah si. Tiens, je crois que j'ai jamais lu ce truc là. Si, tu n'arrives pas à le lire. La surface est erronée. Reste du marais. Reste du marais. Vas-y, oh, c'est un pendu. Alors, les, les N-word de terre. Qui P-word. Bonjour, monument. Non mais ils enlèvent les mots les vers de terre qui entourent les monuments étaient marécageux en vain d'être coincés il y a longtemps a été surnommé marais du sang les hommes aux les homos inversés les pour laver leur quoi les crapauds leur couillé. Les crapauds y versaient l'encre lisée pour laver leur couillé. C'est peut-être Terracide Consus chantier. Garage couillon. Garage couillon. Non, mais c'est une énigme du coup. Non? Non du tout. Si, j'insiste. Courbé. Mais il tourne bien le jeu là sur ton stream. Il tourne mieux que ce que je vois moi. Ce qu'ont les autres jeux que je stream. Ah, c'est Discord du coup. Ouais. Alors du coup, attends. Alors là, fais un tour à Martin Street à droite. Ouh, que ça oui, me dit quelque chose. Je vais passer à Martin. J'ai envie de tout ouvrir là. Ah non, bah c'est bloqué. Voilà. Vas-y, viens. On va se régaler. Distribution de patates. Regarde. Ah bah alors, on pleure pour des streamers. Je suis explorer. T'as pas dormi de la nuit? Ah! Il est dégueulasse! Ah oui, fais gaffe, hein! Coup de pied! Ah, bien! Il est l'enculé, l'autre! Il est ici! Bien! C'est dégueulasse! C'est rapide, hein! C'est dégueulasse, j'ai pas les dents! Allez! Un coup de pied! Oh, il se relève! Je crois que t'as pas compris les règles du fight! Encore! Il est trop chiant! Allez! C'est bon! C'est bon, mort! Attends, c'est là Martin Street, mec! Voilà. Ouais, c'est là! Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Martin? Je crois que c'est là qu'il y a un truc à ramasser, je sais plus. Martin Street! Ah! T'as du son là! Déjà, hop! D'ailleurs, la vie, ça se dit comment? Enfin, ça fait quoi? L'écran en haut à gauche, il sera de plus en plus rouge. Ouais, c'est pas mal en vrai comme truc. Pour mettre c'était pas ça dans l'ancien? Non, c'était genre un... Ah, fais gaffe. Bicyclette. Quoi, bicyclette? Tu l'entends? Mais c'est quoi? Tu vas voir, il y a un bestiau. Vas-y, continue. T'as peur? Ça va? Non, mais là, il est... Il est bloqué ou quoi? Ah! Ah, voilà, c'est là. Parfait. Ah bah là, c'est la première fois où on... Oula. Ça va? Ça ressemble. La clé du portail. Du coup, tu peux aller à Rosewater Park, là, je crois. Non. Attends, ouvre ta map. Ah, il y a un autre truc à ramasser, il tourne la tête. Il faut Big que tu ailles... Blue Creek Apartments.
Et y a plus le café du coup là, du vin ? Si, il est. Ah, j'aimais bien l'en... Hop ! Ah, le v'là ! Qu'est-ce qui... Coup de pied ! J'arrive pas à mettre de coup de pied. Cours, cours vers lui, cours vers lui. Oh. Ouh. Ouh. Ah. Coup de pied. Voilà. Voilà, parfait. Ok, non, qu'est-ce que je voulais dire? Il doit avoir un truc à ramasser derrière le van, non? Truc, là. Je me dis qu'il regardait. Ah non, bah c'était l'ennemi, je pense, en fait, qui regardait. On peut lire, ça? Ok. Non. Alors, du coup, tu m'as dit... Au bout de la rue, de la rue, tu vas tout à droite. Blue Creek Apartments. Woodside Apartments. Okay. T'inquiète, je te dirai. Ah, c'est ça? Ah, c'est ça! Mais c'est oui! Quoi, ce truc? Vas-y, écrase-le, ce machin. Il y a un scarabée? T'as... Oh, oh, oh. Ils font des dégâts, hein. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Voilà. Putain, le sound design, j'aime trop. Il me donne un truc, hein? Non. Si j'ai eu peur. J'avais oublié qu'il y avait ça. Vu que j'avais couru la dernière fois qu'on l'a fait, j'en ai pas croisé. Des bruits dans à le droite. Jeu. Je suis le patron. Je suis celui qui fait les cartes au cul. Tu peux appeler? Que celui qui n'a jamais été assez gentil. Que celui bien. Que celui qui ne lève pas avec Link. Hop. Hop. J'ai peur. Ouais, tout droit normalement. Tu dois avoir une boisson là, oui. Putain, mais il connaît par cœur son culé. Ah! Un kit de soins. Et... J'ai trouvé une trousse de soins. Et à gauche, autre chose. Tu vois là, le truc par terre, ça doit être des balles. Là, là? Ouais. Ah ici. Ouais, ça. Je croyais que c'était un scarabée. Bon. De toute façon, quand il y a un ennemi, ta radio elle fait du bruit. Woodside ouais, appartement, tu m'as dit. Normalement, on est sur la bonne voie. Barre-toi, barre-toi. Oh, putain, la vache. J'ai peur, ce con. Oh, les bruits! C'est après, c'est après. Ah, y'a un autre scarabée là. C'est là que je fais bien de ouvrir tout. Hein. Et ici. Ah bah alors, les salopes! Y'a plus de bruit, hein! Ah, on revient au calme. Alors, par contre, les énigmes. Quand ça revient au calme, ça lui fait encore plus peur parce qu'il se dit qu'il y a un truc bizarre. Oui, y'a un truc qui arrive. Les énigmes, par contre, en facile, je me rappelle plus si sur le let's play qu'on avait fait, j'avais mis en normal. Donc je sais pas s'il y a des trucs qui changent. Mais c'est infini, là. Ok, c'est verrouillé. Oui, oui, on joue au remake, là, alors qu'il est pas sorti. Pendant ce temps-là, Proto, encore en train d'attaquer notre base sur Rust. Le mec, il a rien compris. Foutaise. Ah oui, c'est vrai qu'il a marqué. Des fois, il y a des expressions dans le jeu. Foutaise. Oui, c'est la traduction. Alors... Ah, du coup, c'est carrément un plan, ouais. Ok. Et derrière, tu dois avoir une save. Ici. Ouais. Écrasé. Ah, mais les sons, putain. Bah, tu vois, j'y ai pensé quand je jouais au 1. Je me dis, putain, t'es dans les années 2000. Tu joues à ta console, la nuit. T'as... Ah non, mais... T'as, comment dire... Tu vois ce que j'ai... Et genre, Internet a un mais peu oui. brisé un sort de... C'est pas de mysticisme. Il... Ouais, un truc mystique. Tu vois, par exemple, dans le cash dans les années 90, ils étaient persuadés qu'Undertaker était mort-vivant. Oui, il habitait sous le ring. Ce truc-là, d'avant, il est trop bien. Quoi. Mais dis-toi que moi, j'avais... Tu sais, mon père, il m'a acheté... Je sais pas si t'avais des démos PS2 ou PS1 à l'époque. Tu vois FIFA, de quoi je parle ou pas, les petits CD. 06. Mais t'avais les démos ou pas? Ouais. Ah ben, mon père, il m'avait acheté une démo. Il y avait une partie de Silent Hill. Elle démarrait ici, la démo. Et je n'ai jamais pu la finir parce que je me chiais dessus. Tu vas voir ce qui se passe après. La gueule de terrain affichant. Ah bah. Allez, là, tu vas devoir faire toutes les portes. Arrête. Là, faut que tu visites vraiment tout dans l'en. Alors, on va faire une machine. Il y a un vide d'ordure. Bah, tu veux manger quelque chose, connard? J'ai faim. Ça servira pour plus tard. Est cassé. Il est là, cet enfoiré là. Non, je crois oh putain, il y a tellement de portes. Ok, ça va. Ça, heureusement qu'il y en a plein qui sont fermés.
Et comme l'ancien, t'inquiète pas, tout ce que t'as tenté d'ouvrir et tout, c'est marqué sur ta map après. Ah oui, putain, c'est ça, c'est cool, ça. Oh, cette musique. Oh là là là, mais quel jeu de fou. On chill ici, hein, je crois. C'est chill un max. La musique est très bien, là-dedans. Par contre. Tu peux pas ouvrir la porte à ta droite ? Attends. Ah oui, ça c'est pour l'énigme, ok. C'est pour la première énigme du jeu, ça. Une grosse horloge. L'obscurité m'empêche de bien la voir. On y retournera plus tard. Il faut une lampe, quoi. Il faut l'électricité, je suppose. Ouais, c'est ça. Mais il nous manquera quand même quelque chose. J'ai déjà perdu dans la baraque, donc j'étais là, ici. Ok, c'est fermé. Là, j'ai rien à faire. Des fois, il y a des choses dans les cuisines. Oh, le misogyne. Non, mais le misogyne. Cuisine. Il y a un sport, ouais, qui s'y joue, la vaisselle. Masterclass. Misogynie FC. Ok, du coup... Féministe FC. L'horloge. Là, on peut pas passer. T'as pas fait... Attends, descends à gauche, t'as pas fait les portes aussi. Ouais. On va fouiller ça. Donc dites-vous que Hugo enfant se faisait caca dessus ici. Tu vas comprendre pourquoi. Il y a quelqu'un ? Je vais rentrer ici. Hein. Bah, ça va. Ah voilà, c'est cette pièce. Regarde le classique. Ça, imagine quand j'étais petit, quand j'ai... Attention, attention ! Oh, le bruit qu'ils font. Ta gueule, pétasse. Macron, pétasse. On va te huer, toi. J'ai un petit sursaut. Ah, tu vois, ça a marché, quand même. Mais en vrai... débat parallèle. Je suis plus chaud. Je suis plus chaud. Bien joué. Mais tu me l'avais montré, déjà, ça. Ah ouais, ça m'avait terrifié. Et à chaque fois, j'étais dans la console à ce moment-là. Et à chaque fois, il ouvrait la redoute et il branlait dessus. Ah non, mais... Non. J'ai déjà raconté l'anecdote, hein, désolé la bière. Hugo, quand il y avait des photos de Nadia. Ce soir, on va passer une grosse soirée. Hugo, quand il y avait Laurence Boccolini à la télé. Hugo, quand il y avait Dumbo. Oh, elle est esquivée, genre. Attention, vomi. Ouais, comment t'as fait pour éteindre la lumière? Non. Je déteste ça. Ah putain, elle va se barrer. Allez. Mais... Taylor. Ah putain. La lumière comme ça. Ah voilà. Et garde toujours la lumière allumée. La règle de... Dans le 1, il voyait moins bien... Enfin, il nous attaquait moins facilement. Ah bah dis donc. Et cagouins. Donc il y a des streamers qui se lavent dedans là. Hein, parce que... Oh, l'odeur du streamer. L'odeur. Mais vous savez, moi si je me lave pas, c'est l'anxiété. Hein. Oh, j'étais tombé sur une image atroce sur Twitter là. Atroce. La vieille dame qui faisait caca sur ses cacas dans les toilettes. Monticule de caca, horrible le machin. Et on en rajoute un, fontaine de chocolat. Allez hop, trempe ta fraise. Oh. Ah non, c'est juste du sang parce que j'ai... Sort quand le remake, on n'a pas de date. Apparemment le jeu il est jouable de bout en bout, ouais, mais on n'a pas de date encore. J'étais persuadé que c'était Kojima, moi. Non. Tu dis, du coup c'est pour ça que tu l'adores. Kojima il a failli faire un Silent Hill. Mais... C'est quoi qu'il a fait ? Silent Hills. C'est le jeu sur PS4 qui fait non, peur, là, la démo. Lui, qu'est-ce qu'il a fait comme jeu qui t'a marqué ? Metal Gear Solid. Okay. Ah bah, Death Stranding, c'est le premier auquel j'ai joué de lui. Hein. T'es déjà allé, là. T'étais pas fan avant. Non. Oh, le noob. Pardon. Donc là, le noobie. J'ai déjà rentré, là. Eh, mais... T'as pas fait toutes les pièces, hein, dans le couloir où t'étais. Non, mais là, je crois que je suis déjà rentré. Oui. Oui, c'est là où on a pris le... Le man centipède, là. D'ailleurs, t'as rien remarqué avec l'habit du mannequin qu'il y avait dessus ? Ça te fait penser à quelque chose ou pas? La culotte de ma mère. Garde ses habits dans ta tête, tu verras à la fin du jeu. Bah c'est la fille.
C'est la fille. La fille qu'on cherche, non? Bien. Intelligent. Bravo. Je la tue. Chérie. Ouais, ça sert quoi? Enfin... Ouais, j'avoue, pourquoi il y a ces habits ici? Ah oui. Qui est l'enculé qui a volé les habits? T'as pas fait toutes les pièces de l'autre côté? C'est fermé, là. Carrément, ils ont... C'est emmuré. Attends. Ah oui, ok, je vois. Tu vas là-haut, il te reste deux pièces, je crois. Je veux dire qu'elle est à poil. Bon, bon. Ah, quand il n'y a pas de son comme ça, c'est vrai que ça fait flipper. Si, il va y avoir un moment... fait. Oh putain. À un moment, il va y avoir un cri. J'ai pas le souvenir de ça, non, tu vois. Ok, c'est bon. Du coup, t'as tout ce qu'il y a à l'opposé. Tu sais, quand on est arrivé des escaliers, tout ce qui était sur ta gauche, tu l'as pas fait, je crois. Attends, ça j'ai fait ? Ouais, ça t'as fait. Je te dirai, t'inquiète. Il y a les escaliers. Non, faut que j'aille. Tu vas tout au bout, tu vois, t'as deux pièces. J'ai pas fait celle-ci. Non, c'est fermé là-bas, tu peux pas y aller. Tu vois, t'as les trois pièces, okay, les trois portes au bout de tout en face de toi. J'avoue, on va croiser Happy dans une pièce. Scooby-Doo. Regarde la vidéo du face-up avec Cyprien. Scooby-Doo. Pardon, j'ai roté. L'enfant Scooby-Doo. C'est ici, là. Ah bah tiens, c'est verrouillé. Clodo. Scooby-Doo. D'ailleurs, il me reste encore de la bolognaise que je t'avais dit. Hein. Ouais, je vous explique, les gars. Je me suis fait mijoter de la viande. 10 heures dans un bouillon, machin truc. Bon, je du thym, tout ce qu'il faut. La viande du bourguignon. Ok. À gauche. Elle était toute molle. Attends. Enfin, toute. Arrête. Et après, le lendemain, cette viande, je l'ai rajoutée dans de la bolognaise. Le goût. Je préfère le GP Explorer, tiens. Retourne sur tes pas. Je préfère les couilles de gnou qui donnent au buffet à volonté du GP Explorer, tiens. Attends, mais je dois aller où, là? Derrière, c'est pas possible. Ah. Vas-y, t'inquiète. O7, les amis, je me suis trompé. O7. Pas là, celle d'après. Attends, je fouille quand même les trucs. Mais si je faisais tomber... Ok. Ça, j'avais pas lu, par exemple. J'ai bien fait de... Ouais, ça peut servir pour la suite. Alors... Bah, je vais à un autre étage, là. Ouais, je pense. Hein. Oh, ça. T'as tout fait à la première étape. Ça, c'est... Non, arrête. C'est un truc, ça. Non, le whisky, mais il y en a plusieurs dans le jeu, on peut pas ramasser ces trucs-là. C'est des easter eggs ? Ah, t'as fait la porte, hein ? Ah non, ok. C'est une référence à Renault ? Oh, je sors, là. Pourquoi tu te casses ? Bon, j'en ai marre de cette baraque. Ah, je me barrais. Je viens de comprendre que, ok, je suis descendu. Donc je monte. Après, c'est normal aussi, vu qu'on discute, tu vas perdre le fil. Ouais. Je monte, vite fait, bien fait. Oh, musique là. Quoi ça? Oh putain, les sons. Tu vois, même les jeux d'ombre et tout avec le... Ah, c'est trop bien foutu. Ah, ça mène là, ce truc. Il l'avait streamé, Jean? Non. Ouais, je peux la ramasser? Ah oui, non, c'est non, vrai. Non, mais pas ta main. Mais... Ah ouais, c'est... Vas-y. Vas-y. Il est con, le mec. Vas-y, c'est mort. Bah elle veut quoi, Dembo, là? Qu'est-ce qu'elle veut? Personne t'aime. Victimisée par une gamine. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Elle s'est dit, tiens, bah, je vais habiter ici, dans un immeuble de... Je vais faire chier, James. Ah, c'est comme... Putain, l'ambiance, là. Elle ressemble à Alice au pays des crados. Un peu, ouais. Chambre 301. C'est quoi la chambre de Shining? Voir s'il y a des références. Ah, j'avoue, je sais pas. C'est quoi la chambre de Shining, les gars, déjà? Ah, c'est quoi qu'il y a dans le caddie? Ils ont fait exprès... 112. 112 Il me semble pas que c'est ça. 237, voilà, je crois que c'est 237. Attends, il y avait un truc dans le caddie, pota. Attends. Je suis perdu. Là, c'est combien? 301. 301. Ah bah, ça se trouve, la 237, c'était la meuf, là. Ah, voilà, il y a le gun, ouais. Ah! T'en rappelles quand t'avais joué à ton jeu? Mais go, le gun, il est devant toi. Mais ouvre les yeux! Ouais,
En mode, c'était facile à voir en plus. Ah, les noobs. Donc là, je peux pas passer. Là, alors. Ouais, t'as une porte à ta gauche. Bon, bah, on revient en arrière. Ça, c'est rien, ça. Ah oui, je me rappelle. Non, je me rappelle. Ils me disent de jeter un... Bon, attends, je vais équiper le gun. Ouais, mets-le. Tu veux que je te dise quoi faire ou tu revisites tranquille? Bah, il y a le truc de jeter un truc dans... Attends, laisse-moi réfléchir. Deux secondes. Ça, c'est pas pour maintenant, ça. Allez, mets la cam normale, là. Il y a un bestiaux, là. Ah non, ça doit être de l'autre côté. Donc. Bah, faut passer par d'autres escaliers, non? Ouais, on refait toutes les portes de l'étage du dessous. À mon avis, il y a un truc qu'on a raté. Attends, comment je descends? Ouais, c'est là, je crois, l'escalier. C'est au bout, hein, au bout à droite. Au bout. Au bout. Donc, je vais en bas. Juste qu'on fasse une énigme avant de partir, là. Ouais, bon, on va faire au moins l'horloge. La 202, elle s'ouvre. Celle-là, je peux pas. La 202, elle s'ouvre. Retourne-y au cas où. Elle est fermée. Ah, bah non. Si c'est comme ça, c'est que c'est... Ah, bah non. Je crois que c'est fermé. Elle serait brisée. Vérifie. Bah, peut-être qu'on peut l'ouvrir avec une clé, justement. Tu vois ? Ah, oui. C'est clé quand c'est comme ça. Donc, il y a la flèche quand c'est ouvert. On peut 205, il y a 205, 210 et 208 en haut. Et il y a l'horloge. C'est vrai qu'il y a l'horloge, j'ai oublié. Ouais, mais l'horloge, il nous faut la clé que la gamine a poussée, donc c'est mort. D'accord, le branle-toi. Alors. Bom, bom, bom. Bah. Oh. Ah. Bah, c'était à gauche, ça. Non, du nord. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais oublié ça. C'est Jean qui est sur Valorant. Hein. Mais putain. Mais putain. Ah oui, oh le classique. Bah, un peu dégueulasse, quoi. T'as vu avec la lueur rouge, si t'éteins la lumière. Je peux vous aider? J'ai besoin de... Ah. La télé allumée. Ah oui. Bon, le pauvre. C'est moi qui ai tué, hein. Il regardait le GP Explorer, balle dans la tête. Je peux pas tenir, c'est trop triste. Non, Maxime Offen. Je peux pas. Il s'est fait découper. Qu'est-ce qu'il regarde là? Démonter là. Ah. Ah. Hep, hep, hep. Donc la clé. 200 combien? Oh merde. Attends. J'ai pas eu le temps de voir. Attends. 202. On a rien d'autre là? Alors, faut que je fasse gaffe, j'ai l'impression que là ça commence à chauffer là. Bon, c'est ah la bon. Petite ligne de basse en fond là. Il est encore là? Salope. Bah non, tu crois. Donc 202. Ici. C'était. Bah, c'est la porte qu'on a essayé d'ouvrir. Là. Allez. On verra s'il y a une 237, mais je pense pas là. Pas maintenant en tout cas. C'est passé de 202 à 300 d'un coup. Ici? C'est. Non, c'est celle d'après, je crois. Il est vraiment un suceur. Je connais la cartographie du jeu par cœur. Hein. Voilà. Ah oui. T'es piégé à... J'ai peur un peu. Je vous souris. Oh, le trou. Veux-tu vérifier? Il est incroyable le thème là. Tu vas kiffer les musiques, je pense. Hein. De toute façon. Non, il y en a une à un moment. Enculé, il met sa main partout là. C'est pas la seule fois qu'il va le faire. Hein. Hein? Il a l'air moelleux ce trou du cul. Nature Valais. C'est quoi? C'est quoi déjà? Ah, l'horloge. Ah, parfait. Check quand même la partie, il n'y a pas de truc à ramasser. Il est mort, j'y à terre, il n'y a rien d'autre d'intéressant ici. Carrément, il me dit d'arrêter de fouiller la baraque, quoi. Arrête d'explorer, du coup. Tu me casses les couilles, hein. Non, là, il y a un truc. Ah, j'adore cette musique. Là, il y a un truc. Les cages. Il n'y a rien. Ouais, t'as la cuisine et t'as une porte. Ah, c'est étroit, leur baraque. Il regarde un truc à gauche, là. Il doit avoir un truc dans la cuisine, potard, je pense. Ah, ok. Je vais prendre. Je sais pas, hein, mais... Ouais.
Sympa, ça. Bon, je pense qu'on a fouillé là. Y'a rien d'autre. Allez. Du coup, 208, c'était tout en haut. Encore tout au nord. Gauche. De l'autre côté et sur ta gauche. Enfin, sur la gauche du perso. C'est pas mal le bouton pour se recadrer quand même. Ouais, ça aide bien. Il y a des situations où tu vas en avoir besoin. Ok, je commence à me repérer là, un peu dans cet hôtel miteux là. Il y a quelqu'un là. Il y a un enculé, non ? C'est bon. C'est là l'horloge ? Ouais, c'est là. La trace de sang là. Je peux pas me retenir. Alors. Alors. Ah, mais c'est comme dans le 1, il y a l'horloge aussi. 1h45 ouais. Et 15 secondes. Le cadran est fermé et verrouillé. Bah, j'ai la clé. Ah, faut que j'utilise, ok. Tu dois utiliser la clé, ouais. Tout à l'heure, ça l'a ouvert direct. Je sais pas comment aller, Lenning, parce que je m'en rappelle la solution, mais. Bon, à quelle heure Hugo lance les streams ? 20h30 pour un début à 21h30. Non mais là on a aucun indice. Si, il faut que tu lises ce qu'on n'a pas pu lire sur le, à la droite de l'horloge. Droite de l'horloge ? Ah oui ! On n'avait pas réussi à lire. Cicatrices du passé feront sauter le clou qui arrête le temps. Vas-y. Alors, la métaphore de perforage, je vais t'enculer. Donc voilà. Donc le mec a pas de muscles en fait. Ramenez-moi Chun-Li et mettez-la en perso principal. Parce que... Bon là je peux rien faire. Si, bah tu je te donne. Je tire. Non, laisse-moi faire. D'accord. Est-ce qu'il a dit à la fin, c'est quoi la dernière phrase ? Je crois que t'as pas un portefeuille sur toi ? Tiens, tu vois, il y a marqué ça derrière. C'est comme ça qu'on fait les... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Attention, mais c'est important ! Henri, Mildred, les trois meilleurs buteurs de l'équipe de France. Hein. Mildred, Scrot, HMS... Scrot ! Alors, ça fait heure, minute, seconde, et tu les mets au bon endroit. Enculé, c'est bon. Va, j'aurais jamais trouvé ça. Mais il est malade, ce mec. Ah, c'est dur, hein. Donc, heure, minute... Ah, donc la petite... Ok, donc heure. Et deux... Bon, heure, je vais le regarder petite. Après. Hein. Heure. Merde, je... Donc, heure, c'est comme ça. Bon bah. Ouais. Là, t'es loin. Arrête. Heure, c'était comme ça. Oui, mais t'es loin de la solution là. Minute et seconde, comment tu veux que je le règle ? T'en fous des secondes, t'inquiète. Ah, mais faut faire le tour. Ah ouais. Ouais, t'es allé dans le mauvais sens, c'est pour ça. Enfin bref. Moi sur un live de Théo. C'est là. On peut avancer le temps là. Ça tourne. Hop. Eh bep bep bep. Mais non, c'est de l'autre côté. Non, c'est très bien là. 9h08. Mais 9h08 par hasard. Juste comme ça hein. Bah pourquoi ça fait le bruit là ? Eh bah parce que c'est peut-être la solution. Ah ok, comme ça j'avais pas compris. Et qu'est-ce que tu fais ? 9h08. Mais Hideo, mais c'est pas possible, Metal Gear Solid 5. Qu'est-ce qu'il me dit ? Mais tu l'avais la solution, ça a fait boings. Mais tu m'as dit 9h08. Ah ben ! Il est con ! Là t'es à 9h10 et quelques. Il sait pas lire l'heure, le bouffon. Bonsoir. Et bienvenue sur une ancienne vidéo. Il y a l'enculé Hugo qui est en train de me casser les couilles. Avec son 9h08. Metal Gear Solid Phantom Pain. Et Hideo, Macron. Mais... Dis-moi ce que t'en penses de Silent Hill 2, Hideo. Hideo, Silent Hill 2, c'est ce jeu qui émane de la pensée folle d'un créateur de jeu. Personne ne connaît, hein. Personne connaît ses refs. Tant pis, faut regarder des youtubeurs en fait, les gars. Faut arrêter de pleurer pour des gens au GP et faut s'instruire en fait. C'est à ce moment-là que Hugo commençait à me casser les couilles. Casser les couilles. J'ai foutu une torgnole. Bon, là c'est bon.
Ouais, vas-y. Allez. Ça fait clic, ça devrait passer. Donc maintenant, on le pousse. Allez, dégage. Alors, voilà. Let's go! Ça, c'est l'énigme. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il me fait chier parce que ton jeu, il a pas vraiment un truc pour s'arrêter. Genre, tu te dis, allez, je m'arrête là. Bah, il y a une sauvegarde là. Mais ce serait bien. En fait, j'aimerais bien que tu vois une cinématique encore avant qu'on arrête. Tu me diras quand t'arrêtes, j'arrête à ce moment-là. Ouais, t'inquiète. Ah, bah, elle est là, ta sauvegarde. Fondu au rouge. Ouais, mais t'inquiète, on va continuer un peu. Fondu au rouge, les amis. Et tu vas le faire en live, toi, le 1 ou pas? Ah, oui, je vais le faire en live, oui. De toute façon, ça va, maintenant. Maintenant, Hugo, c'est les hautes sphères du streaming, hein. Moi, ça va intéresser personne, mais bon. Arrête ton chat. Dites-lui là, parce que. Arrête ton chat. J'ai déjà vu à 5000 viewers sur des jeux minables. Minables. J'étais là, mais moi, je stream ça, mais. Ridicule. Y'a personne, frère. Ah, et là, tu déverrouilles. Attends, j'ai réussi à passer là. Ah, t'es passé de l'autre côté. Donc là, maintenant, tu peux monter et ça va te mettre à l'opposé où c'était grillé. Donc je monte là. Ok. Ouais, tu montes. Ah, bah, truc à ramasser. Il m'a dit que le 1, il était plus long que le. Que le. Le 1, ouais, il se fait plutôt en 5 heures, je pense. Je le trouve plus dur et plus. Parce qu'il n'y a pas la difficulté, je crois, dans le 1. Ah, peut-être que si, je m'en rappelle plus. Ah, si, au début, mais je crois que t'as pas le choix de. Tu sais, énigme. Énigme du coup, il y avait un putain de monstre là. Attends, je vais prendre un. Quoique, il est hyper long ce truc. Non, je vais garder. Mais garde ton pistolet, hein. Mais j'aime bien les armes de corps à corps, ouais. Je sais pas. Ah, si, normalement, t'en as une autre plus tard. Attends. Ah, il y a un truc là. Donc, comment je. Voilà. Je peux pas le tuer avant. Wouah! Oula! Non. Ah oui, c'est vrai. Je crois que c'était une scène de cul, frère. Mais j'ai dit, mais non, il est enculassé, frère. Mais je suis pas le seul, hein. J'en ai rien à foutre, je suis pas le seul. Il était en train d'enculer 2-3. Ah oui, t'inquiète, c'est normal. Hein. Eh, j'en demande. On a ouvert un cœur. Terrasse, il avait vu la scène. Par contre. Débat parallèle, chat. En vrai. Il lui fait quoi là? Dégueulasse les monstres. C'est à toi de l'interpréter comme tu veux. Bah, il est tellement stylé ce monstre. Il l'a sodomisé, hein. C'est prendre le fion. C'est quoi, c'est une baignoire qu'il a sur sa tête là? Déjà, oh, putain, quand t'étais petit tu vois ça, mais. Ah bah. Je t'avais dit que moi j'avais peur sur une reel. Donc, oui, bah oui, non mais je comprends, c'était terrifiant l'ambiance. Même Doom, le vieux Doom. Je crois que j'ai pas vu la clé. Ah, t'as l'œil, putain, moi je l'avais pas vu la première fois. Il est con, quoi. Référence à Blue Velvet. Cinéma. Oh. Du coup, la clé, par contre, je sais plus où est-ce qu'elle amène. De la cour. Ah oui, ok, je vois. Tu m'entends? Oh là là, énorme trauma. Je repense à l'accident. Allez, on reprend. Désolé, allez, c'est reparti. C'est des petits flashs qui me reviennent pendant le live. Un mur de cœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, hein. Je sais plus s'il y a un truc à ramasser dans la cuisine. Eh ben, attends, fais voir ce qu'il lui a fait. Partie diabolaire, tu vas être qu'une bidie. Quatre jambes. Non mais il était vraiment en train de les enculer, ce taré. Et il me dit pas qu'il m'attend à la sortie. Donc la clé, attends. Tu m'as dit... La clé, c'est pour l'extérieur. Donc je crois que c'est... tu sais, dans le lobby où tu peux... Oh, on peut le faire lobby. Ça en vrai. fais les portes d'ici là. Attends. Ouais, là, voilà. Il est là. Fais toutes les portes là et on va aller dans la cour. Ah mais il est pas là. Ah ils sont à l'intérieur. À gauche, je pense. La maison elle est. C'est au bout à gauche, tu le vois là, je crois, non?
J'avoue que les sons, c'est sûr que c'est pas Apex par contre. Ça surprend, hein. Au niveau de l'emplacement. Voilà. Ah ouais, en deux balles. Hé ah, tu les touches pas quand ils courent. Et bon. Non. Non, c'est pas bon là. Allez, faut que je me fasse. Bon. C'est mieux, comme ça t'économises les balles. Ouais bah j'en ai perdu 14 pour un mec. Alors, en vrai, reprends ton fin. Hein. Mais c'est... Mais tout à l'heure... Ah, il y a la clé aussi. Quoi? Attends. Il y a la clé aussi, là. Ah, tu vas dans l'autre endroit. Attends, mais je fouille déjà les trucs dans l'ordre pour me repérer. T'as la clé au bout. Ah oui, bah oui. Et la gamine, elle est où que je foute deux claques dans la gueule, là? On t'inquiète pas, on va la revoir, là. Tu veux te prendre un trade sur Twitter Tu veux finir en TT? Secours. Ah, ça j'aime bien. Ah, 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 ah. Attends, attends, il a la tête tournée à faire un truc là. Le changement de cam. Ah, pourquoi il a pas continué? J'aime bien comment ça monte. Dommage. Allez, prends. Après, le plan que t'as vu dans le 1, il y en a pas comme ça dans le 2. C'est dommage. Mais c'est vrai que cette scène elle est trop cool. Bah, tu le verras quand tu joueras le 1, c'est au tout début. Tu dois aller dans une allée. Et ouais, je le regarderai sur ton live. Attends, du coup, je... Y'a rien à faire, là. Mmh... Ah. Rien qu'un lave-linge. Rien de spécial. Je peux pas le lire, ça. Ça m'a l'air très détaillé, quand même. J'avoue que c'est dommage que certaines affiches, tu puisses pas les regarder en gros plan. Ah non, c'est juste parce qu'elle est noire sur blanc. Bon, ok. On fait toutes les portes de l'allée, là. Ah. Oh, y'a un bousin, là. Allez, remets. Non, arrête. Tiens. Coup de pied, coup de pied, coup de pied. On leur fait il va ça. Courir. Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. Fais ça au modérateur Twitch. Mes modérateurs Twitch. Pardon. Les miens. Les miens. On a échappé belle. Ouf, on a failli avoir le ban définitif. Au 7. La gueule, je peux pas la voir. Putain. Oh. Ok, un petit truc. Oh, trousse de secours. Pour l'instant, j'ai rien utilisé. J'aurais peut-être dû mettre normal quand même. Fais voir ta santé vite fait. Bah, ça clignote un peu, je pense. Ah, que c'est bon. T'es en moyen, ouais. T'es même pas en moyen en fait. Des balles. C'est dommage, Jean, il a pas fait en live. Ça aurait été un jeu pour lui, ça. Mais je crois qu'il l'a mangé d'un coup. Hein. Il a tellement kiffé. Mais il a fait le 1, hein. Je suis sûr qu'il. Les gars, ceux qui suivent Jean, là, il a pas fait le 1 là. En live, ben, je suis pas certain. Mais c'était un ancien jeu. J'aurais vu. Oh. Ah non, je sais avec quoi tu confonds. Il avait fait un style de jeu qui ressemble à des vieux jeux PS1. Mais c'est pas ça. Et t'as pas fait une porte et t'as pas fait celle tout au bout. Non. Attends. Derrière. La 304 est tout au bout. La 304, t'as intérêt à me réserver quelque chose. Je vais ouvrir la porte et là, un burger. Bon. Allez, on a tout visité, du coup on va là-bas, je pense. Et attends, au bout. Fais au bout, ça se trouve, ça va déverrouiller. Parce que vu qu'on est de l'autre côté, normalement, ça va déverrouiller la porte tout au bout. J'ai eu peur. Ok. Ouais, voilà. Du coup, là, on est au... On peut pas monter. Ah ! Je descends aller. Tout en bas, pota. Ouais, voilà. De toute façon, c'est fermé. Tu dois avoir une sauvegarde derrière, Pota. Sauvegarde au cas où. Ah ok. Ah ouais, mais il nous reste tout ça. Oh, Ah mais on a fait à peine la moitié du. Je pense qu'on arrive à la moitié du. Elle a disparu. Ah non, c'est pas là. Ce sera plus tard. Bah non, mais c'est pas grave. Fais les pièces. Non, mais on n'est pas au même endroit en fait. Là, on est dans l'autre pièce. Tu sais quand on était dehors. Ok. Je sais pas de quoi il parle. Allez, on continue. Bon, tiens, c'est sympa. Oh. Un voisin m'a laissé des balles devant ah ma porte. Ah oui. On peut faire cette énigme du coup. Attends, c'est quoi ça? Ça sert juste pour de la bouffe? Examine. Je peux pas. 6 canettes de jus trouvées dans le couloir au premier. Fais le lien avec un truc avec lequel on a interagi tout à l'heure. 6. Bah l'heure. L'horloge. Si je te dis, indice. Bah, je mets l'heure. 6 canettes de jus, c'est lourd. Hein, c'est lourd.
ça pèse. Ça pourrait permettre de... Ok, je le balance dans une d'ordure. Voilà. Attends, mais t'as pas fait la porte. T'as pas fait la porte. Mais on s'en fout, j'ai ton vide ordure. Voilà. Eh ben voilà, on va se gribouiller. Donc on revient au vide ordure. Moi aussi, j'étais devant alors le porteur. Là... Ferme ta gueule, le vieux, tu pues de la gueule. Alors, conseil, je peux me permettre oui. Tu descends et tu passes par la grande porte, ce sera plus rapide. Là, maintenant. Retourne en bas, ouais. Comme ça, au moins, on déverrouillera monsieur, l'autre porte. Je sais tout. Je me permets de backseat. Hein. Hugo, quand il était petit. Mais Martin Lointain, il peut pas se transformer en noir. C'est pas possible. Mais pourquoi Martin Lointain? C'est Martin Mystère. Mais non, Martin c'est Ben Ten. Mais non, mais Martin Lointain, il se déguise. C'est quoi tous Martin Lointain? Mais mec, c'est le. Pour moi, c'est un des plus grands. Parce que chaque matin, tu disais. Ah, j'ai trop envie qu'il se déguise. En fait, il se réveillait dans le corps de quelqu'un d'autre. Mais c'est quoi Martin Lointain? Eh ben, tous les matins, il se réveillait dans. Avec un. Dans la peau de ça, quelqu'un d'autre, genre... Je connais pas, hein. Un matin, il était en... J'en sais rien, en super-héros, attends, en Superman. Attends, je vais taper sur Google. Il était en Superman, je sais pas, en Hulk, dans des trucs comme ça. Tous les matins, il avait un nouveau truc. Ah, c'est lui. Oh, la tête de con. Voilà, en dragon. Et un jour, il s'est réveillé, il était dans la peau de Epstein, et là, ils ont arrêté le dessin animé. Ah bah, vous êtes allé trop loin, les scénaristes, là. Donc tu me dis où, là? Ressort. Ta mère. T'es sorti et t'es re-rentré. Ta mère. Elle ressort aussi. Ok. Je fais quoi là? Et là, à gauche. Et ah, tu vas okay, reprendre la capté, grosse double capté, porte. J'ai capté. Je crois que c'était fermé tout à l'heure là. J'ai capté. Tu te rappelles quand on faisait le jeu d'énigmes là Lequel? Ah. Tout premier live qu'on avait fait. Escape Academy? Non. D'ailleurs, il était bien celui-là, même si c'était un peu long. J'ai un peu mal à la tête à force d'en faire 50. Essaye de sortir par la porte en bas, là, que t'avais vue. Si ça se trouve, elle l'ouvre, notre clé. Non, tu sais, le jeu à Way Out, jeu d'énigme. Chill. Merde. À Way Out, chill. Comment ils s'appellent, les gars? Les gars qu'on fait à Way Out. J'ai oublié, le jeu qui était dans le Game Pass. Et l'autre, le jeu pour gentil. Ah, non, mais là, je me casse, là. Ah, It Takes Two. Ah oui, c'était le premier truc qu'on avait fait tous les deux. Tu te rappelles quand j'étais nul? Mais... Ah oui, bah ça je m'en souviens. Le premier, le saut tuto du jeu, 10 minutes pour le passer. Non mais j'étais pas dans ma plus grande forme. Non mais... Ah, on n'a pas fait qu'est-ce ça. Qu'est-ce que je fous là? Fouille, ça mais c'est je, ça, mets ça. Pas, je balance pas dans le vide ordure là. T'inquiète, on le fera après. Je veux pas te presser. Je veux pas te presser citron. Mais tu vas me casser les couilles avec ce site, hein. Il est très bien. C'est un classique. Oh, il est obèse. Elle va te faire foutre. C'est un insulte de fou. Il est obèse. Comment il a trouvé. Ah, fiston, t'as vraiment des oreilles d'obèse. Et toi qui reviens et qui dis. T'es un con. Gros con. Gros con. Là, j'ai juste entre-ouvert la porte, j'ai passé ma tête et j'ai dit. Gros t'étais caché derrière ta mère et tu fais. Gros con. Gros con. Ah bah tiens, il en fallait un. Tiens, les gars, en vrai, bah ban. Quoi? Il y a quelqu'un qui a mis les gars en vrai. Toi, il y a Grim Kujo qui a mis un message dans le chat. Ah bon? Grim Kujo. Silent Hill, bah chute alors. On est entre amis en fait. T'as séché ta couche? Alors là, tu reviendras après Slash. VG parce que Grim, après, il prend au sérieux quand je lui dis. Il le prend mal. Hein. Putain, par contre, la vanne sur ma couche. Mais non, mais je voulais faire une vanne, mais Grim, c'est de l'humour. Hein. Grim, quand il n'y a pas la bite de Squeezie à la cantine. Oh putain, je sais pas ce que je vais bouffer. Je suis pas repu. Mais non, mais à chaque fois, je fais des blagues. Hugo le moche. Ah, ouais, je fais des blagues comme ça, il le prend trop au sérieux en mode je le compare à Snap. Mais bon. Oh, la musique là. Un jour, il comprendra que c'est horrible. Sur la gauche du perso, continue d'avancer. Pendant ce temps-là, Grim Kujo. Allez, je lance Starfield. Je fais un petit gameplay Starfield. Allez, 15ème live sur Hogwarts Legacy.
C'est parti. Je vous le dis, je suis désolé s'il vous lance un Starfield. Allez, vas-y. Je vais arrêter là. Ah, il a m'a déconnecté ma manette, ça va tout casser. Oh non. Vous m'entendez, les amis? Oh, ça a tout fait bugger. Vous m'entendez? Ou pas? Moi, je t'entends. On t'entend sur le live aussi. Ok, c'est bon. Tiens, va à gauche, Pota, là. Non, je vous le garantis, dites à Grim, ne surtout pas live Starfield, on lui a proposé des jeux. C'est quoi que tu lui as proposé? Je lui ai dit Heavy Rain et il le fait pas. Eh, par contre, là, vous voyez que les graphismes, on s'en fout tant que le jeu, il est bien. Franchement, elle est noire, Grim, sous-estime pas elle est noire. Franchement. Mais je crois qu'il est jamais sorti sur PC, elle est noire. Si, moi, je l'avais configuré pour qu'il jouait. Et j'avais même mis un ray tracing pour que le jeu soit plus beau. Elle est noire. Bah écoute, Grim, tu sais quoi faire. Mais vraiment, Heavy Rain, tu vas kiffer en plus. Mais elle est noire, Grim, en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un peu comme Détroit. Tu dois deviner. Ah, il est sur Steam. Okay. Tu dois deviner si le mec. Il ment même pas. Quand, en fait, même quand il est sur Steam, il y a des problèmes. Si Grim, jamais il le lance, faut régler un truc. Mais en gros, Grim, tu dois deviner. Si le mec il ment, et je te jure que des fois c'est trop dur, des fois c'est vraiment dur parce que du coup ils font la technologie du visage, c'est, ils ont capté les trucs du visage et des fois les personnages ils font des têtes bizarres, ils font non, je l'ai pas tué ma gamine. Réaction à ton message, Grim. Et du coup ouais, c'est trop bien. Et il y a des racistes aussi dans le jeu, Grim, vu qu'on est dans non. Grim, je te dis, juste joue-le, parce qu'à un moment, il y a un serial killer, et l'histoire du serial killer, j'adore. Je m'étais cru dans Zodiac. Il y a le Dahlia noir. Zodiac. Le Dahlia noir. Du coup, on continue, donc là, on a fouillé. Alors, demi-tour, t'as pas fait la 101. Je suis vraiment un groomer, là. Enfin, d'hôtel, ici. Les amis. D'hôtel. Groom. Attention. Groom service. Ah. Ah bah. Ah oui! Ça va, ah oui, vomito. Je me rappelle! Je savais plus qu'il était là, lui. Là, ça me fait un peu moins peur, là. Je sais plus, ça me fait marrer, là. Tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a? Terra? Ça va, Terra? Tu. Le fais. J'ai un colis! Oh, l'arrêt du cul! Qu'est-ce qu'il y a? Bah! Je sais pas ce que j'ai mangé. Il y avait des croutons sur les oreilles noires. Oh, la musique, elle est magnifique. Ah oui, j'aime bien les notes là. He was like this when I got here. My name's James. James Sunderland. Il dit comme James Bond. Eddie. Eddie Guerrero. Excuse me. I didn't do it. I swear I didn't kill anybody. Quand la meuf de Terra le grille. Friends with that. Pas moi, j'ai... Bah alors, je t'avais dit de pas commander indien, ça fait 20 fois. Le pyramide rouge. Les petites notes là, j'aime bien. I did see some weird looking monsters. They scared the hell out of me. Comment il a, j'avoue comment il a survécu lui, avec tous ces monstres. Well, I guess this place isn't too safe either. What happened here anyway? I told you, I don't know. I'm not even from this town. I just. You too, huh? Ah, fils de pute. Something just. Le pire, c'est même pas un bruit créé, c'est Dago qui l'a créé quand même. Très fort. Yeah, you could say that. Well, whatever it is. Il arrête pas. Pépédic. La sauce verte. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Michel Dumas, faites ça dégueulasse. Be careful. James, I love you. Be careful too. I want to suck your cock. Ok, un peu. J'aime bien un truc musique. À ramasser là. J'aime bien les petites. T'as vu? Ouais. Essaye de rentrer pour voir. Putain, j'ai cru
fait gris ma verre. Jamais test. Et là, j'ai du test, mais. Tu le vois. Ah, mais c'est sa vraie maison. Ok. Non, non, il est pas d'ici, il est pas d'ici. Mais regarde, il a un truc de football américain, je me dis que. Il y a marqué quoi là? Au mur, le truc rouge? Non. Fade Bar. Bar? Blair? Fade Blair? Fade Blaze. Fade Blaze. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être un héros d'Overwatch. Goth. Ok. Goofy. Okay. Bon, il est là encore. Ça va? Tu peux lui parler? Bon, t'as fini de gerber là? Tu vas vomir? Hugo stream pas? Hugo si, stream si. Pas. Si. Tiens, si, ici. Voilà. Réception du Hugo chocolat. Hugo stream pas parce que là, il m'emmerde. Oh, des connards quand même, médecin. Alors là, t'es pas allé à droite? Ah oui. Petite allée. Oula. Et ça doit être un raccourci. Exit. Pour là où on était tout à l'heure. Ah non. Oh. Donc là tout droit et faut que tu nettoies non. Ok. Sur ta droite. Oula, là c'est quoi ce truc? Tu nettoies toute la partie extérieure. C'est un McDo quoi là. Ah mais. Mais on est dans la rue là. Ah non, non c'est vraiment on est la dans la cour. On est dans la cour. Tu viens de là de tout à l'heure. On y retournera ici après. Attends, je passe juste pour que ça me le note. Mais on vient d'ici. Ah oui. Donc. Ah bah dis donc les gosses. Donc là je te le dis, t'as un truc important à ramasser donc faut pas que tu partes. Mais. Ouvre. Je pense pas que tu le touches là d'ici. Ah, je peux pas, on peut pas rentrer je crois. Ça va dégueule en enfoiré. Ok c'est ici. Oh bah le petit bébé. Ah. Oh putain, je crois que. Mais attends, je me rappelle plus de ça. Attention! Oh, putain! Arrête de viser celui du bas! Mais il y en a trois! Aïe! Il vise mal ce con de James là! Voilà! Quoi? Bon. Non mais. Il est chiant lui! Faut arrêter les conneries! Tiens, un chocolat! Et attends, tiens le bébé! Une pièce, voilà, serpent! Ça c'est pour une énigme! Ok. Il te faut 3 pièces, t'en as une sur 3. Mon chat qui commence à reperdre ses poils de merde. Ah, c'est chiant ça. Mais parce que je crois que c'est. Je sais pas comment marche le corps du chat, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une hausse là de température. Ah, mais je peux t'assurer que c'est ça. Plus il fait chaud, plus. J'ai acheté une brosse, mais vas-y. Ah, là, si tu veux revenir, c'est derrière toi. Alors. Et t'as. Putain, il m'a oui, pris. Peut-être qu'au bout. Peut-être ouais. Qu'au bout t'as rien ramassé. Ah, ah c'est quoi ça? Rien? Ouf. Bizarre quand même. Ok. Tu cherches trop la petite bête. Ouais bah la petite bête hein. La petite bête quand tu l'as dans la bouche bon. J'ai nettoyé là hein. Ouais c'est bon. Y'avait pas un truc là? Non t'as tout fouillé là. La cour elle est nette. Attends, la cour est propre. Donc déjà on a pas mis le truc dans le vide ordure là. Ouais, faut qu'on le fasse. Et la pièce de serpent, j'ai pas compris ton truc là. Fais un coup de map quand on aura passé la porte là. Non, pas là. Ouais, l'autre. Pièce serpent. Là, normalement, on a tout nettoyé là. Travail terminé. Fais un petit coup de map pour voir. Alors, normalement, si tu cliques sur une flèche du haut, tu peux voir l'étage du dessus. Flèche. Ouais, ça marche pas. Alors, rappuie sur map ou carré, je sais plus. Non, je vais monter. De souvenir, tu peux switcher, je sais plus ce que c'est là. Dans le 1, ouais, mais là, ça a pas marché. Quand fait. Alors, du coup, la pièce. Ouais, elle est là. Donc, je jette. Donc, tu m'as dit. Non. La canette de jus. Ça va faire quoi, du coup. Le portail. On dirait une sandboard. Du coup, ça va. Là, faut redescendre, aller dehors et choper dans le vide ordure. Et mais du coup, putain, la dernière ça me stresse, pièce, ça. Ouais, toujours tu penses pouvoir le ramasser. Donc là ? Non. Ouais. Non, ouais, ici. Et ensuite, quand tu sors, tu vas à droite. C'est pas rien, ça ? Ok. Ah ouais. Non.
Pas là. Ici. Ah oui. Ah bah tiens, j'ai jeté dans la poubelle et ça arrive ici. Cette poubelle est déchirée, elle est détruite, les choses sont éparpillées. J'ai une pièce, vieil homme. Un magazine mondain. Pour lui, vient d'annoncer Walter Sullivan a arrêté le 18 assassinat de Billy Lou Kane, de sa sœur Myriam. Cellule le matin du 22. Ça c'est pour du lore, mais... Ah ah ah. Ok. Il a ramassé pièces... la pièce. Ouais, mais les pièces, j'ai pas très bien compris où faut aller là. Retourne là, par là où t'es venu, Pota. C'est quand les pièces En gros, il y a une quand il y a une pièce, il y a une salle dans le jeu. On remonte au premier étage. Il y a une salle dans le jeu où il y a une énigme avec les pièces. Là, t'en as deux sur trois, il t'en manque une. Et je crois de souvenir, il faut que t'ailles dans la chambre 109, je crois, mais je sais plus si c'est vraiment ça maintenant. Ah bah 109, c'est pas ici. Ah mais là, t'es au deuxième. Bah comment on y va bah, dans l'autre bâtiment. Faut aller dans l'autre bâtiment. Ah non, je crois que... Ah, je sais plus. Bon, vas-y, teste, on va voir. D'ailleurs, l'autre bâtiment, je suis pas sûr d'avoir tout fouillé. Hein. On va vérifier. Alors, du coup, ici. Ouais, ici. Ici, je vais au 100, je crois. Y'a quoi comme pièce ici? Là, regarde. Là, je suis au 100. Pas t'as de 109. 102. Je peux monter là. T'avais les escaliers. Attends, fais voir à droite, 109. Là. Y'a. Non, 105, 106. Là, tu vois, y'a des escaliers ici. Va plutôt à la 209, Pota, je pense. Trouve le... Attends, remets la map, s'il te plaît, et trouve le bouton pour pouvoir changer d'étage, parce que ça me perturbe, le délire, là. Ça se trouve, on va au mauvais endroit pour... Ah. Non. Alors, ça, c'est la ville. Voilà, là, ça 209. Sort. Alors, c'est où Ok, c'est ici. Au bon endroit. J'espère que je peux passer, là. Hein. Normalement, ouais. 209. 300, on les a pas fait. Là, ça doit être là, 209. Ouais. Comment? Attends, pourquoi? Ça, tu vas pouvoir sauvegarder en plus. Pourquoi t'as su pas qu'il fallait les pièces? J'ai pas compris. Comment ça? Bah, pourquoi? D'ailleurs, un truc de sauvegarde. Oh putain! Il est fort le son, la vache. Pourquoi t'as su qu'il y avait besoin de pièces ici, là? C'est ça que je comprends pas. Non mais je sais qu'il faut aller dans une pièce qui se finit par 9, mais je sais plus si c'est la 209 ou la 109. C'est pas le truc avec les papillons là. Ah. Là on vient dans la pièce là. Oh là, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Il y a un truc spécial ici hein. Oh, elle est horrible la musique là. Oh. Trois tic tac. Non mais c'est l'horloge ça. Ouais, ça c'est l'horloge. C'est pour les lignes de l'horloge. OK, bah on va aller à la 109 hein, mais ouvert avant. Là par contre je flippe, t'inquiète pas. Ne craque pas. Ah. Je comprends pas où elle est la 109, je pète un câble là. Re-switch là il y a toujours de un truc entouré là. C'était là où on a fait l'énigme avec le jus, je crois. Ok. Comment je reviens? Putain, il chante la map pour ça. Ok. Bah 309 alors. Ah je m'en souviens plus putain. Bah je sais pas. Hein. 309. Troisième étage, on a fait quoi? On peut pas 303, rentrer 309. 302. Ouais non, non non, c'est pas ça. Oublie ce que j'ai dit, je pense que je dis une connerie. Attends, je réfléchis. Je fais un... Parce que j'aimerais bien qu'on termine là. Je comprends pas les pièces où ça peut aller. On a vidé le truc à ordures. J'ai pas vu un truc avec des pièces. Non mais je faut aller musique. Dans la 109, mais juste je sais pas où elle est cette c'est pièce. C'est pas bizarre que la musique elle soit augmentée comme ça. C'est sûr que ça c'est l'horloge. L'horloge c'était ici. Ouais c'est là, ouais c'est là. Donc l'horloge. Pourquoi là il y a un texte? Non c'est bon, c'est qu'en fait on y va avant là et ensuite c'est censé nous donner un indice sur l'énigme de de l'horloge, donc c'est pas ça. On vérifie quand même. Il te reste une clé. Ah oh, oui, tiens, fais voir. Alors, sortie clé de passage de du couloir à la sortie de secours trouvée dans le couloir du troisième étage. Clé de passage du couloir à la sortie de secours.
Je suppose qu'il faut 3 pièces. Ouais, il faut 3 pièces. Fire Escape. Mais je l'ai déjà utilisé, non ? Tu vois ce que c'est les pièces comme ça ? C'est, tu vois, par exemple, à gauche, Pota. Tout en bas à gauche, tu vois la pièce qui est... Ah non, t'étais bien, là. Retourne où tu étais. Tu vois la pièce qui est tout en bas à gauche, là ? C'est juste barré. Ah bah. Ouais. C'est juste barré, mais pas gribouillé. C'est ce genre de sortie, les sorties de secours. Essaye cette porte-là, ça se trouve. Ah oui, donc là, tu quittes. Ça doit être celle-là. En tout cas, c'est sûr que c'est une pièce rouge qui est barrée comme ça sur laquelle on doit aller. Ah oui, en plus, regarde, attends. On va aller dans un autre bâtiment, non ? Ouais, il ouais, y a moyen. Du coup, on aura certainement la 109 ici. 109 ! 109 ! Pour me servir ! Tenez, monsieur. Mais pourquoi je m'énerve ? Alors. Ah, voilà. Ah oui, je m'en rappelle. Oh, le classique. Il y a beaucoup de cinématiques comme ça. Ça fait penser à Red Dead, là, quand il traverse les... D'ailleurs, Red Dead, on va le relancer, les gars. Ouais, avant la ça fin de l'année. Ça va être du gros RP avec Grimm et avec tous les autres. Théo aussi, il était chaud. Je sais pas, il est en études, là, en ce moment. Il m'a dit qu'il était pas dispo. On verra. Les week-ends. Oh. Ah, les cagouins, là. Check les cagouins. Ah, voilà. On est sûr. Le gars, je vais pas mettre ma... On est sûr de vouloir plonger ça là-dedans ? Bon, J'ai fait tomber mon... Putain, j'avoue, tu fais tomber ton téléphone dans la merde que tu viens de chier. Bon, bah, j'ai déjà fait tomber mon iPhone dans les chiottes. Hein. Emmanuel. 15, 20, 13, 2. Tu me fais le vélo ? Bien étroit la baraque. Donc on a trouvé un portefeuille. Ah, petite boisson. Attends, je peux peut-être le lire le portefeuille. Non. Ce sera pour un coffre-fort. Ok, il est même pas dans mon truc. En plus, elles sont variées les musiques dans chaque pièce. C'est ça qui est bien. Il y a plein d'ambiances différentes, ouais. C'est que c'est pas un thème dans. Oula. Ah, bah c'est pour ça. Ok, c'est... parfait. Essaye de retrouver la note. Oh, je crois que j'avais mis 1000 ans pour réussir. Je comprenais jamais le sens. Alors, la note 2. J'ai le mémo là. Merde. Mais, c'est pas ça que je veux. Bon, on s'en fout. Donc, c'est mémo. Mémo en bas. Alors, portefeuille dans un cabinet, c'est ça. Tout en bas. 15, alors, 20, 13, 02. Je vais le noter. 15, 20, 13, 02. Donc, 15 à droite. Et en fait, c'est... Ah non, bah attends, t'es parti vite là, mon cochon. Laisse faire. Allez, on recommence. Il faut regarder les sens. Alors. 15 à droite, 20 à gauche, 13 à droite, 02. Je vais me le noter. 15 droite, 20. Qui a compris les 13, STMG en 02. Sortie scolaire. Vas-y, c'est bon, j'ai noté. 15, 20, j'ai rien compris. Il n'y a pas marqué 15. Donc là, dans ma tête, on va le faire comme c'est le plus logique. Mets-toi sur 15. Voilà, bon. Parfait. Donc là, tu vas à droite jusqu'à arriver à 20. Oui. Donc, c'est bon, c'est le bon sens, je pense. Hein. Vas-y. Continue jusqu'à 20. Trop bizarre. Ensuite, encore un coup. Stop. Maintenant, tu appuies sur ta touche gauche et tu vas à 13. Je crois que c'est pour ça que ça m'avait perturbé, c'est que c'est pas logique le sens. Encore un coup. Et maintenant, à droite jusqu'à 02. J'ai peur de faire une connerie. Ouais, moi aussi, mais. Wouh ! Ok, parfait. Et là, t'as plein de munitions. À nous la thune ! Ça recharge automatiquement d'ailleurs. Je sais plus. J'ai l'impression que je recharge pas du tout. Contre, alors, tu viens de là. Ça nous explique pas les pièces. Je peux refouiller quand même un petit coup. Inutile de chercher davantage. Non, j'en ai trop mangé là. Ok, la poubelle là ? Non. Alors, par contre, il va falloir qu'on aille chercher la map du secteur. Ouf, ouf. Merde, merde.
Mais franchement, franchement ta gueule. Franchement ta gueule. Putain. J'y suis allé là. Ah putain. Ouais, t'as pas la carte, faut qu'on la trouve. Arrête. Mets la cam. J'ai peur qu'on l'ait oublié la carte, mais je pense pas. Bon, on a quand même tout fouillé, hein. De toute façon, on va redescendre. Il y a bien un lobby là. Ouais, descend. Je sais pas. Ah non, peut-être dans la laverie. Ici, non. Ouais. Ah, je sais plus. J'ai peur qu'on ait oublié la carte quelque part. Mais non. Oh, c'est quoi ce bordel? On a acheté, on a trié ses déchets, on est sûr de soi là? Vas-y, bah redescends, ouais. Elle était là? Non, elle était là. Elle était là elle où? Elle était pas là. Bon, dans la laverie. Prépare-toi, Alban Def. T'es prêt ou pas? Non, mais y'a rien. Y'a rien du tout là. Allez, ban définitif. Vas-y, descends, pota. Va dans les escaliers, ça se trouve, elle est dans les escaliers. Dis donc, ça encule, hein. Là où t'étais? Attends, voilà, juste pour le kiff. On vient pas de là? Donc tu veux aller dans le hall là? Attends, là où il y a marqué exit. C'est peut-être dans la cage d'escalier. Là, non? Ah ici, parfait. Je pense qu'il disait elle était là pour ça. Va là 109 là du coup. Elle était là pour ça? Banne-le définitivement. Il dégage. Ah, ça a gardé mes trucs. Donc 203. On y est rentré dedans, on a trouvé le caca. Donc 201. Et là, va à la 109 pour avoir la cinématique et comme ça on pourra s'arrêter là aujourd'hui. Attends, je vais à la 2, juste celle-là avant. Vas-y, visite l'étage. Ah bon, ah oui, elle était cloutée, ouais. 109 ou tu la vois? Bah, tu prends les escaliers, tu descends. Ok. J'ai toujours peur d'être. D'être perdu. La première fois que j'ai fait le jeu, je checkais la map tout le temps. D'être sucé. C'est pas là? C'est ma peur. Non. Oh, oh. Nique ta mère. Nique... Arrête. C'est un cafard en plus. Et il faut que je trouve une troisième pièce, hein. Non? Ouais, ouais, t'inquiète. Allez. Bonjour. C'est le facteur. Ah, mais ressemble trop à la pièce qu'on a eue là-haut. Elle se ressemble pas mal. Objet utile sur quoi? Ah, là, ce sera l'énigme de la pièce. Ah, je suis 109, là. Des pièces. Non, t'es pas 109. Tu dois avoir une sauvegarde, là, par contre. Donc c'est 105. 105. Désolé, casque fait mal. Je sais plus si c'est là ou si c'est... check bien l'appartement, mais... Ah non, il n'y a aucun objet utile. Check bien l'appartement, mais je crois de mémoire, il y a une sauvegarde dans le coin. Ouais, voilà. Elle est raffinée, la pétasse. Putain, elle est flash. Faire des belles photos de salopes. Et on finit sur une cinématique, va à 109. On va à 109 là? Ouais, 109, 109. 109, 109. Là, j'aime trop hein, l'ambiance du jeu. Attends, on regarde juste là. Ah, on a pas fait, ouais. Ah bah, nickel. Là, t'es bien en niveau stuff. Il est où cet enculé? Il est là! Oh, gun! Le gros débile! C'est mort ça? Tiens, un coup de fusil! Ouais, c'est mort. 109 là. Je suis RP, ouais. Je regarde vraiment. Oh. Connard. Bah. C'est quoi ça au mur? Du pâté. Non, arrête, c'est un truc à prendre ça. Oh putain, j'en ai du pâté alors ça. J'ai de la terrine. Sanglier va. Mmh. Ok, même pas capable de s'asseoir avec Emmanuel au lit, tu la traites de sanglier. Elle regarde le stream, donc bon. Oui. Alors, je disais qu'Emmanuel est superbe. Oh, Dieu. Tu sens bon. Ah, j'adore yeah. Ça. Yeah, I'm James. Ah oui. Angela. Angela, okay. I don't know what tu you're en apprends un peu plus sur elle. There's always another way. Really? But c'est l'un des thèmes que le réalisateur du film l'a gardé justement pour le film tellement il était bien. C'est bizarre parce que je suis le thème m'a direct accroché genre il y a comme si je l'avais déjà entendu. C'est sûr que tu as déjà entendu quelque part. Mais je m'en souviens pas. You afraid?
I'm sorry. T'as pas fait d'accident au GP, t'inquiète. Okay. Pas besoin de t'excuser. Did you find your mother? Not yet. She's not anywhere. Did she live in this apartment building? I don't know. So, all you know is she lived in this town. What did you say? Ça, c'est une vision, ça. Ah. How do you know that? Well, I just figured, 'cause this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. C'est assez frustrant de pas pouvoir te dire des trucs parce que. I'm so tired. Sur le streaming français, ouais, pareil. Terra aussi. J'attends que Terra le dise. Why did you come to this town anyway? I'm sorry. Did you find the person you're looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. S'en fout de ta femme. Elle doit sûrement se faire troncher. I'm sorry. Qu'est-ce que tu me fais chier? Anyway, she's dead. I don't know why I think she's here. She's dead? Bon, ça va. Don't worry. Remue, hein. Elle va rigoler. I'm not crazy. She's what? I don't think so. I've got to find my mama. Ils font plein de plans débilés et tout. Moi, j'aime ouais. Ouais. This town's dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. I'll be okay by myself. Besides, I just slow you down. What about fais gaffe au couteau quand même. That. Ouais, bah tiens. Will you hold non, it for non, me? Non. Sure. Tu vas no le poser tranquillement. Tu vas le planter dans le gigot. Coucou, je panier. Arrête, arrête, arrête. Oh, I'm sorry. I've been bad. Oh, je l'ai eu la pièce. Ah, tu don't. Vois. Attends, voir. Pom, pom, pom. Alors le couteau par contre c'est pourri thème. Comme arme parce que faut être collé aux ennemis à chaque fois, c'est trop chiant. Moi je préfère la batte. Bon. Et voilà. Oh, prends la pièce. T'as oublié ton couteau. Bon bah on va s'arrêter là. Regardez, ça va être super sale. On se voit dans le miroir. Anecdote. Pour faire des miroirs à l'époque, il fallait quoi? Refaire dupliquer la pièce. Sinon c'est impossible. Ah c'est vrai. Eh ouais les mecs. Eh oui. Du coup, en face, c'est comme, il y a un personnage qui bouge encore en face. C'est pas un miroir. Quasiment impossible à coder un miroir dans les jeux vidéo. Belle anecdote. Fun fact, les amis. Vous saviez que dans Le Seigneur des Anneaux, Aragorn, quand il frappe le casque, il fait mal. Il se casse le doigt de pied. Hein. Le nouveau, les gars, vous l'avez vu peut-être hier en tweet. Le nouveau tapin, c'est Pirates des Caraïbes. Les effets spéciaux, ils étaient déjà meilleurs. Ils sont énormes. Hein. Que les prods de maintenant, c'est le nouveau tapine. Bon bah super, j'ai beaucoup aimé Hugo. Je te conseille d'aller sauvegarder quand même. Parce qu'il n'y a pas de save state là sur lui. Retourne dans la pièce, elle est à côté. J'ai cru qu'il fallait descendre 3 étages. Non, c'est à côté. Bah content que ça te pèse. Bon, attends, on va finir ça en bonne et due forme. Hein. C'est là tu sors là par la pièce et regarde sur ta map. Ah le ouais. Et c'est... du coup, c'est la 105. Oh putain! Chaîne! Oh le bruit qui est fond, mais. Ah, m'a fait peur là par contre. C'est 105. Voilà. Ah bah c'est là, parfait. Alors, on enregistre. Da-da-da-da-da. Et puis on continuera avec Hugo. S'il y a Jean aussi qui veut venir. Jean il était pas là, il y avait Dago chez lui. Et puis Hugo. En plus là t'as fait. Pour te. Le jeu il est divisé en 4. T'as cette partie là dans les appartements. T'as autre chose après, et encore après, t'as autre chose. Là, on a fait. On a oui, presque fini bien, cette partie-là. J'aimais bien aussi le 1 sur le. Un petit peu ce côté minimaliste. Ouais, la progression et tout de l'époque. Oui, bah oui. J'étais dans un confort horrifique, en quelque sorte.
petit adjectif. Ah, mais je suis content que ça te plaise. Allez. Je pense que tu vas bien kiffer. Continuera quand Hugo pourra. Et puis voilà. Tu vas faire jusqu'à la fin de Hugo. Bah ouais, je pense. Oh, bah, en plus, oui, ils m'aident un peu pour les énigmes. Parce que j'avoue que. Parce que en plus, quand tu connais pas le jeu, si t'animes ton stream, tu lis ton chat, oui. Tu passes deux fois plus de temps parce que tu t'y retrouves pas. Et aussi, qu'il aille se faire foutre, Grim. bon, voilà, ça c'est dit. Globalement. Il nous emmerde. Hein. Globalement, attends. Je mets un petit live chat. Attends. Qu'est-ce que tu veux mettre? Non, mais c'est marrant en vérité, ça me fait rire. Je trouve ça rigolo. J'ai un petit décalage live chat. Attends, je vais le refresh. Un peu bizarre. Non, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Et d'ailleurs, attends. J'ai juste testé une commande. Attends, voir. Pour le live chat. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, le up. Ouais, attends, je vais voir. Qu'est-ce qu'il m'a dit comme commande? Tel up. On va voir. Ça va marcher. Test. Donc, je mets. Je vais mettre une belle commande. Voyons voir. C'est bien parce qu'elle est pas longue à upload là. Discord, ils ont baissé la vitesse du upload. Hein. Oh là 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 là. Ça marche. Oh là 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 là. Mais clips de Sirtoma qui tuent sur le retour. Je l'ai pas fait exprès. J'ai un petit décalage live chat, c'est bizarre. Vous l'avez le décalage ou pas? Bizarre. J'ai pas fait exprès. Vas-y, je te laisse. Et demain soir, juste... after ciné. Ah oui, attends, juste un truc. Vas-y. Est-ce que tu es pédophile? Pourquoi pas? Non. Non. Moi? Moi? Non. Pas du tout. Non. Ah bon, allez. Con, moi. Ciao Hugo. Salut bonne tout nuit. Le monde, bonne nuit. Ah bah c'était super cool. Beaucoup aimé le jeu, cool de jouer avec Hugo. Je vais remercier les subs, il y en a eu pas mal. Alors. C'est parti. Je vais mettre du joke, tiens. Joke, c'est masterclass. Ouais, non, je vais mettre Casino, je crois. Quoi. Casino. Mais la prod de Casino, c'est incroyable quand même.